Et ça commence Et là. ça se Non, lance. ça Alors, commence, c'est ça. sachant qu'il y a déjà un objectif pour renommer le personnage principal, vu que c'est en tout début de jeu. Ouais, donc j'imagine que ça va être bloqué. Alors, de toute façon, Tidus était assez en avance par rapport aux autres. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui claquait 100 balles d'un coup. Avait 75 $ d'avance. Donc, à moins que quelqu'un ait claqué plein d'argent d'un coup. J'imagine que ça va être validé. Je ne sais pas s'il y a des petites manipulations particulières à faire pour lancer le. The run will start in... Pour lancer la run, ça a l'air d'être bon. Utile, a priori. On a la manette qui vous montre les inputs qui sont, enfin les touches qui sont pressées. Donc on voit qu'il appuie sur A. Et en dessous, vous avez un log. Ça permet d'avoir en gros les infos que le TAS utilise. On verra ça un peu plus tard. Et donc c'est bien. Mais ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire que ce any% CSR IA TAS 7 seed? Alors oui, effectivement, on va peut-être commencer par expliquer ça parce que ça va pas vraiment de soi. Alors on va détailler un petit peu. Déjà, any%, c'est finir le jeu le plus vite possible, mais sans faire tout ce qui est objectif secondaire, donc c'est juste battre le boss de fin, ça c'est classique. CSR, ça veut dire Cutscene Remover, donc c'est pour virer tout ce qui est cinématique du jeu, y compris tout ce qui est dialogue avec le moteur du jeu. Donc dans un Final Fantasy, ça fait gagner beaucoup de temps. Hein. Globalement, je crois que c'est à peu près 4 heures. Donc là, on va adapter. On devrait avoir la cinématique où il y a le match de Blizzball, la fameuse musique et tout ça, la scène qui arrive, qui détruit tout. Et donc, comme vous voyez, on repart directement avec Tidus. Je te laisse continuer pour voilà. IATAS. Voilà, donc là, on zappe toutes les cinématiques, ça fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, alors, AITAS. Alors, un TAS, normalement, c'est un Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire que on programme vraiment frame par frame les actions que vont faire le... qui vont être faites sur la manette. Et ensuite, c'est un robot qui s'occupe d'exécuter ça. L'AITAS, c'est un petit peu différent. L'AITAS, en fait, au lieu de programmer les actions vraiment une par une, on crée un programme qui va pouvoir lui-même décider quoi faire. Donc, au lieu de lui dire à tel frame, tu appuies sur tel bouton, la frame d'après, tu appuies sur tel bouton, etc., c'est le programme lui-même qui va décider que, ah bah là, vu les circonstances, je vais devoir faire telle action, etc. Et donc la grosse différence, c'est que notamment un AITAS est capable de s'adapter à l'aléatoire du jeu. Alors qu'un TAS classique, vous lancez 10 fois la même partie, vous aurez 10 fois exactement la même chose. Oui, et d'ailleurs, ce qui amène à la dernière, le fait que ce soit 7 seeds, parce qu'il y a une partie de l'aléatoire qui est manipulable, une partie de l'aléatoire qui est déterminée suivant la seed du jeu, et là, ils prennent, enfin, ce TAS, il fonctionne avec une seed qui a été la même depuis vachement longtemps. Ils ont testé un peu différentes sites possibles, ils en ont trouvé une qui marchait bien et ils ont développé le TAS avec. Ce qui fait que c'est une catégorie assez compliquée, mais en fait, ça va aller. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça peut théoriquement être plus lent qu'un TAS ordinaire. Alors oui, parce que du coup, là, ça va dépendre de l'aléatoire qu'on va avoir, alors que dans un TAS ordinaire, en général, on manipule l'aléatoire justement pour que ça soit pile ce qui nous arrange au bon moment. La différence, c'est que, comme je l'ai dit, là, l'AITAS, il est capable de s'adapter. Un TAS classique, dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, c'est planté, le truc, il est perdu. Alors que l'AITAS, là, bah, s'il y a un combat qui est un petit peu différent, ou à un moment, il y a un objet qui ne drop pas alors que ça devrait, etc., normalement, le programme va être capable de s'adapter. Donc, en fait, si vous lancez 10 fois la run avec un AITAS, bah, vous n'aurez pas 10 fois exactement la même chose. Si vous avez déjà vu, notamment sur les marathons, comme ça peut être le cas pour le RPGLB ou les GDQ, des segments TAS où il y a ce qu'ils appellent des désynchronisations, genre ça commence et puis en fait le TAS va pas au bon endroit, il n'est pas dans les bons menus, il relance le jeu 2-3 fois pour que ça fonctionne. Ici, on ne devrait pas avoir ça justement parce que c'est un exercice différent. Faut pas voir ça comme si c'est mieux ou si c'est moins bien, si ça permet d'aller plus ou moins vite, mais plutôt comme une autre façon de
d'envisager un peu le... Et donc c'est quelque chose de vraiment différent, il n'y a pas... C'est pas pertinent particulièrement de comparer l'un et l'autre, mais c'est assez intéressant. J'ai vu des personnes dire, je fais les overdrive aussi vite que lui. La manière dont le jeu fonctionne, en gros, on peut faire un input par frame et le jeu fonctionne à 60 images par seconde. On peut faire un appui par touche par image, ce qui fait 60 appuis par touche par seconde. Donc, normalement, vous n'êtes pas capable de faire vos overdrive aussi vite que le TAS. Et ça va être particulièrement marquant dans les menus où vous... Vous ne verrez pas ce qui se passe, pour le dire simplement, et pour ne rien vous cacher. Alors qu'on a déjà fini Zanarkand. Oui, bah oui, rien que le temps d'expliquer la catégorie. Et donc oui, effectivement, comme dit quelqu'un, un AITAS, c'est un algorithme, c'est pas une IA entraînée. Hein. C'est vraiment tout ce que le programme fait, c'est vraiment le codeur qui lui a dit, alors voilà, dans telle situation, tu fais ça, etc. C'est pas un algorithme entraîné comme... comme les IA de Google, ce genre de choses, quoi. Ouais, les trucs pour changer les têtes sur les photos. Non, là, ouais, c'est vraiment codé à la main. Avec, à chaque fois, on code des trucs, on regarde ce que ça donne, on recode des choses, on regarde ce que ça donne, et ainsi de suite. Notamment, vous pouvez voir, là, dans le log qu'il y a en bas à gauche de l'écran, c'est marqué « Checkpoint Reach 12, 13, 14, 15 ». Pour que le TAS sache comment se déplacer dans le jeu, il y a plein de checkpoints qu'il est censé atteindre. Et de direction qu'il est censé prendre entre ces checkpoints. Donc il se déplace pas dans le niveau en grand, mais vraiment sur des petits segments à chaque fois. Quelques pas ou quelques dizaines de pas, et à chaque nouvel écran, chaque nouvelle transition, il a tous ces checkpoints qui s'enchaînent et qui lui permettent de se déplacer, par exemple, et pas juste quelque chose de long. C'est vraiment des petits bouts de... plein de petits bouts mis bout à bout pour que ça fonctionne. Ils appellent ça AITAS parce que concrètement, c'est le programme qui va réfléchir aux actions à faire. Oui, ça reste, même si c'est pas une intelligence artificielle qui apprend par elle-même avec toutes ces choses de deep learning qu'il y a, ça reste un robot, ça reste un programme qui fonctionne et ce qui correspond à une intelligence artificielle, mais à un terme plus ancien, une intelligence artificielle plus comme il y a 5 ans, on aurait dit intelligence artificielle sans problème. Maintenant, il y a des nouvelles intelligences artificielles. On voit ça un peu différemment, mais ça revient. Ça reste complètement une intelligence artificielle. Alors qu'on se bat contre le premier boss du jeu qui ne peut pas nous tuer. Donc on va juste faire triangle. Et si je peux juste conclure pour la différence entre AITAS et TAS classique, si vous voulez, dans un TAS classique, on code un speedrun, alors que dans un AITAS, on code un speedrunner. Voilà, en gros, si vous voulez la différence en une phrase. Non, c'est une IA qui joue. L'humain, il a codé le truc, mais là, c'est l'IA qui se débrouille. D'ailleurs, si vous prêtez attention à l'image en haut à gauche, vous verrez qu'ils ne tiennent pas de manette. Justement parce que... et qu'on a une manette à l'écran, c'est parce que c'est vraiment... Il y a personne ne joue directement. Pourquoi ils connaissent l'IA, je sais pas. Je pense qu'ils doivent être assez stressés. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, hein. C'est pas nouveau du tout. L'IA, ça fait au moins 3 ans qu'il commence. Il y avait déjà eu des runs de présenter avant. Mais... Je pense qu'il y a quand même toujours un peu de stress de leur côté, de voir si tout va bien se passer. Effectivement. Et si vous êtes intéressé par ça, sachez que le code de l'IA est disponible sur Internet. Je ne sais pas si c'est sur GitHub ou sur autre chose, mais vous pouvez tout à fait également contacter Coder Wilson. Tout est libre de droit, et donc vous pouvez vous aussi prendre le code et le faire fonctionner chez vous. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails exactement de comment ça fonctionne, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et les ressources sont... Alors qu'on a rencontré un personnage mystérieux avec 4 petits points d'interrogation, je me demande si on la reverra plus tard. On se le demande vraiment. Parce qu'au cas où il y en a qui se poseraient... Pardon, vas-y. Non, je te laisse. J'allais dire, au cas où il y en a qui se poseraient la question, non, c'est la combinaison qui est comme ça, elle n'a pas les fesses à l'air. Alors, quand j'étais petit, et que je jouais dans le salon avec mes parents à côté et que je l'ai vu arriver, j'ai quand même eu quelques soirs froides.
manipulation a lot more. Ah, non, mais la première partie, je me suis posé la question aussi. En plus, quand tu vois les autres personnages au long du jeu où la plupart des personnages féminins sont en string, bah, ça aurait été raccord, quoi, en limite. Parce que globalement, dans cet épisode, les personnages féminins, il y en a beaucoup qui sont pas très très habillés sur la partie basse du corps. Ouais, je sais pas si c'est particulièrement... Il y a une époque, alors je sais plus qui était... Enfin, je sais plus, je crois que j'ai jamais su. Qui était en responsable un peu du chara-design des persos là sur cette époque des Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 11, un peu par mois. Mais il y a beaucoup, en effet, de persos qui sont, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, qui sont souvent torse nu, à moitié... assez peu vêtus. C'est vrai que dans celui-là, globalement... C'est soit ils ont des énormes robes qui doivent peser 20 kilos, soit ils sont en tongs. Et pendant ce temps-là, on voit Tidus qui fait de l'informatique. Hein, bien sûr, il apparaît un ordinateur, on tape dessus. Ça fonctionne. Ne le faites pas. Mais ça fonctionne un peu. C'est quand même un ordinateur qui fonctionne sous l'eau, hein. Et qui a vraisemblablement un millier d'années à peu près, puisque en termes d'histoire, on a été envoyé dans le passé après Zanarkand. On se retrouve dans des ruines comme ça inondées. On rencontre donc ce personnage mystérieux. On ne connaît pas son nom. D'ailleurs, elle ne parle pas le même langage que Tidus, puisque il y a deux langues dans le jeu. C'est très drôle. Je trouve qu'ils aient décidé juste au niveau des sous-titres de changer les lettres de place pour faire cette nouvelle langue. Qui fonctionne très bien, mais c'est assez rigolo comme méthode. Et on explore un ancien vaisseau, justement, sous l'eau, parce que il nous aide, et donc c'est parti. Et on va avoir un combat de boss, peut-être le premier vrai combat de boss. Le premier où on peut mourir, en tout cas. En tout cas, ouais. En sachant que, en plus de ça, c'est un combat qui va introduire le placement. Ce qui est assez drôle parce que ça sert assez peu dans le jeu au final, c'est une mécanique qui est utilisée que pendant quelques combats, mais ce premier boss là va avoir cette idée où on va pouvoir se déplacer dans l'arène, on va voir ça juste après. Bon, en fait, je pense que c'est plutôt pour introduire globalement la mécanique de action contextuelle qu'on a sur certains boss, où on peut faire une action particulière avec les personnages. Bon, là, il trouve que c'est se déplacer au poteau central pour le premier. Il y a d'autres boss, ça sera d'autres choses, mais c'est assez régulier qu'on ait des petites actions comme ça ponctuelles qu'on peut faire sur un boss et qu'on ne peut pas faire dans des autres combats. Donc voilà, là le boss il se plante, hop, de l'autre côté. Ça nous apprend aussi le fait qu'il y a certains personnages qui ne peuvent pas attaquer quand l'ennemi est trop loin. Parce que là, typiquement, Tidus ne peut pas aller attaquer parce que le boss il est trop loin. Alors que Riku, en faisant ses grenades, elle peut l'atteindre. D'ailleurs, Tidus peut... Non, Tidus peut... Si, les grenades, c'est juste utiliser, donc Tidus peut les utiliser aussi. Non, faut la compétence utilisée pour les grenades. Et ouais, donc il a préféré attendre. Typiquement, les grenades, c'est le genre d'objet où, suivant le nombre de grenades, le TAS va savoir est-ce que je peux les utiliser, est-ce que je vais avoir besoin d'en voler. Il y a une route, comme dans toute Final Fantasy, hein, une route de l'argent et des consommables, des armures qui peut être assez importante. Et c'est possible qu'on voit des moments le TAS attendre ou faire des vols un peu plus poussés ou moins poussés, justement pour compenser des objets qu'il pourrait avoir en trop ou en moins par rapport à la run parfaite. Mais on aura l'occasion de reparler de ça un petit peu plus tard. Sur ce passage, si jamais vous voulez vous lancer dans le speedrun de FF10, sachez que vous pouvez trouver un fichier sur speedrun.com qui détaille vraiment toute la route. En disant, voilà, à tel moment, vous devez avoir tant d'objets, si vous les avez pas, faites ci, faites ça. Enfin voilà, c'est vraiment très détaillé, il y a un gros fichier qui résume tout. Donc si vous avez envie de tester, vraiment, il y a toutes les notes qu'il vous faut. Et pendant ce temps-là, on débarque sur l'île de B-Side. Donc, B-Side. Ouais, B-Side. J'ai toujours dit BZ, comme les canapés. Ouais, non, je dis B-Side.
Ok. Bah après on peut dire BZ si tu veux, hein. Moi ça me va. Mais non, mais ça me dérange pas du tout. J'ai été surpris, mais c'est peut-être moi qui me fourvoie depuis le début. Hein. Je sais pas s'il y a une prononciation officielle d'ailleurs. Mais en fait, c'est la prononciation qu'ils ont dans le jeu, il me semble. Mais voilà, en gros. Non, mais peut-être que j'ai fait le jeu sans son, parce que en effet, apparemment, c'est moi qui suis dans le faux ici, donc. Bref, peu importe. Alors très rapidement, peut-être pour. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'histoire, et en plus, comme il n'y a pas les cinématiques, ça aide pas pour ceux qui ne connaissent pas. Donc au tout début, on était dans une ville qui s'appelait Zanarkand, il y a un gros monstre qui s'appelle Sin qui a déboulé, qui a détruit toute la ville. Nous, on ne sait pas trop comment, on a survécu, mais on s'est retrouvés paumés dans des vieilles ruines. On a été retrouvés donc par les personnages du bateau, dont Riku, parce qu'on apprend quand même son nom, donc c'était la fille qui était avec nous, qui nous a aidés. Et ensuite, à nouveau, il y a eu le gros monstre, donc Sin, qui s'est approché du bateau. On s'est retrouvé dans l'eau et on s'est réveillé sur la plage de cette île où il y avait une équipe de Blitzball en train de s'entraîner. Le Blitzball étant un peu le football de FF10, hein, c'est le sport, le gros sport à la mode. Et du coup, Waka, le personnage que vous pouvez voir en train de suivre Tidus là avec la choupette orange, nous a proposé de nous héberger à son village, quoi. Il nous a même plus ou moins proposé. Il nous a peut-être pas encore proposé de rejoindre l'équipe, parce qu'on se réveille avec un ballon de Blitzball qui nous passe à côté du visage. Tidus, il fait le cake, il fait un tir du futur directement devant ses yeux. Tout le monde est ébahi. Mais peut-être que c'est un peu après que Waka propose de rejoindre l'équipe de Blitzball. Je sais plus exactement. Bon, globalement, de toute façon, ça va être dans cette séquence. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que l'équipe de Waka, ils ont un tournoi à jouer bientôt. Sauf qu'ils sont super nuls. Tidus, lui, il est très bon. Et donc, il dit, viens avec nous. Et puis, en plus, le tournoi se déroule dans une grande ville. Avec un peu de chance, tu trouveras là-bas quelqu'un qui te connaît. Ouais, parce que Sin a cette idée, il y a des toxines un peu qu'il émet. Et donc quand Tidus arrive et dit moi je viens de Zanarkand, on est potentiellement 1000 ans dans le futur, à peu près 1000 ans dans le futur. Zanarkand a été complètement détruite et les gens se disent qu'il est complètement fou. Donc ça la fout mal et ils se disent bon écoute, arrête avec ton histoire de Zanarkand, t'es fort en Blitzball, on va peut-être trouver quelqu'un qui te connaît à cause de ça, enfin grâce à ça plutôt. Voilà. Alors qu'on est rentré dans le premier temple, donc je vais regarder un petit peu pour Valfort ce qu'on risque d'avoir comme nom. Parce qu'il y avait plein de propositions. Ouais, alors il y avait plusieurs objectifs là pour le jeu, il y en avait 5 en tout. Donc le premier c'était renommer Tidus, donc ça a été fait. Ensuite on va renommer les 3 chimères principales, donc les 3 qu'on utilisera dans la run, à savoir Valfort, Ixion et Bahamut. Et le dernier objectif qui est à 3000$. Ça va être pour avoir un petit bonus à la fin du jeu, pour montrer quelques techniques pour zapper des dialogues dans le jeu. Donc on ne verra pas là, parce qu'on utilise le cutscene remover, donc les dialogues de toute façon ils sont retirés. Mais si on ne l'avait pas, il y a 2-3 dialogues dans le jeu qu'on peut zapper avec des petites astuces. Et le but ça sera de montrer ça à la fin si l'objectif est rempli. Et donc là, on devrait avoir Valfort qui s'appelle... Bah, on vous le dit pas, vous le verrez, mais le choix est déjà fait, normalement. Puisque le TAS renomme les différents... À chaque fois qu'il y a quelque chose à nommer, en fait, il y a un fichier texte à un endroit donné avec les noms qui sont indiqués, donc ils peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent dans le fichier pour renommer. Pendant qu'on fait donc le premier temple, il paraît qu'il y a une invocatrice... Invoqueuse. Je vais me faire avoir sur ma prononciation de tous les termes dans le jeu, on va me juger. Mais qui serait dans le temple depuis longtemps. Tidus, il ne sait pas trop ce qu'elle fait. Bon, lui, il ne connaît pas trop hein, les codes et tout ça du jeu, donc il décide d'y aller. Et d'essayer de la. Enfin, pour la sauver. Ce qui a eu lieu d'ailleurs, puisqu'on n'a juste pas vu les cinématiques, et donc on a Chicken avec nous. Alors oui, c'est vrai, en plus dans le jeu, ils disent pas invoqueuse, ils disent un invoqueur, donc à la base, même avant de la rencontrer, on sait pas que c'est une fille.
C'est vrai, on ne sait pas que c'est une fille. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'à aucun moment ils disent invoqueuse, ils disent toujours invoqueur, hein, il me semble. Dans la VF. Tellement... Ça fait trop longtemps que j'ai. Bah, j'y ai rejoué il y a pas longtemps, où j'ai pas fait le jeu en entier justement pour le RPGLB là, et je crois qu'il y a... Enfin, il me semble pas me rappeler à un moment donné où ils disent autre chose qu'un invoqueur. Et alors j'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui demandait est-ce qu'on va récupérer le deuxième overdrive de Vaelfor, et ben on est en train de le faire là. Et oui, on va aller parler à la queue du chien. Pour récupérer la matière gluante dans la queue du chien, on sait pas trop ce que c'est. Mais Vaelfor aime beaucoup. Vaelfor qui est la seule chimère à avoir deux overdrive d'ailleurs. Avec une overdrive qui est strictement plus forte que l'autre, je crois. Tout simplement, parce que bah c'est elle est cachée, on ne l'a pas de base. Bon, et là, on va commencer la série des combats tuto. Bon, on va nous apprendre, en gros, les mécaniques de base pour les combats dans ce Final Fantasy. Notamment les résistances qu'il peut y avoir entre les différentes magies. Le fait que Waka, comme il utilise un ballon, il peut taper à distance. Il est plus fort pour les ennemis volants. Tidus va être plus fort pour les ennemis rapides. Donc la magie avec le fait que... Ce qui est assez d'ailleurs particulier dans Final Fantasy, puisque l'eau, la foudre s'opposent. Mais donc un ennemi d'eau frappé avec de la foudre va avoir une faiblesse. Mais un ennemi de foudre frappé avec de l'eau, c'est sa faiblesse aussi. Et pareil pour la glace et le feu. Ce qui n'est pas spécialement le cas, je crois, dans les Final Fantasy, généralement. Mais ouais, c'est en général, on a surtout feu, foudre et glace. L'élément eau, on l'a pas toujours, ou alors c'est une magie un peu à part. Ouais, c'est les magies secondaires comme air, terre, les trucs. Bon, t'as un sort de temps en temps, mais c'est pas pareil, je suis d'accord. On n'a pas toujours vraiment cette opposition, alors que là, vraiment, on a des ennemis, donc les flambeaux, c'est les espèces de tas de gelée. Systématiquement, ils vont être sensibles à une magie et pas aux autres, et ils seront toujours résistants aux dégâts physiques, quoi. C'est une constante. Et ce qui est bien, c'est que dans ce petit tuto et dans pas mal d'endroits, on a besoin d'utiliser la foudre comme magie principale, et c'est 2 frames plus rapide la foudre que le reste, donc ça tombe très bien. Et premier combat contre Kimari. Et combat dans lequel le fait qu'on soit sur une site déterminée va avoir de l'importance, puisque ça fait, normalement, il y aura un coup critique à la fin du combat, et donc même si Tidus serait en danger un peu de mourir au niveau des points de vie qui lui restent, il va pouvoir gagner le combat grâce à ce coup critique qui devrait arriver juste maintenant, voilà, comme ça. Parce que sinon, on est obligé d'utiliser une potion pour pas mourir. C'est le combat typique, c'est l'affrontement typique dans les jeux de « Ah là là, je veux tester ta force avant de savoir si tu es digne de nous accompagner. » Et on est digne. Alors qu'on se fait attaquer par le Garuda, et donc on va pouvoir voir Vaelfor, enfin Chicken, là, pour la première fois. Les invocations, c'est un gros changement ça par rapport au FF de PlayStation 1, ou globalement dans les FF7, 8, 9, les invocations, globalement, c'était des grosses magies avec un visuel impressionnant. Quand on fait une invocation, elle vient remplacer nos personnages en combat. Donc on combat avec la chimère elle-même. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport au FF précédent. Et c'est quelque chose qu'on va... On peut voir quand même. Pendant la run, les invocations sont assez fortes, on verra à un moment donné. Et là d'ailleurs, comme je disais, on fait des tonnerres à nouveau contre cet ennemi parce que c'est légèrement plus rapide. C'est pas grand chose un 2 frames, mais on prend tout. Même si ça dure 3 heures, si on peut sauver 2 frames quelque part, on le fait. Tant qu'à faire, hein, on fait du tas ou on n'en fait pas, quoi, je veux dire. Bon, là, c'est un ennemi assez costaud. Alors, vous verrez qu'on va essayer de fuir la plupart des combats, mais celui-là, on est un peu obligé de le faire. Parce que, encore une fois, c'est un combat tuto pour nous apprendre à utiliser les chimères. Et on va avoir d'ailleurs l'overdrive de Vaelfor qui est rempli, et ça, c'est très bien parce qu'on va s'en servir contre le prochain boss, donc on veut en plus de toute façon avoir l'overdrive rempli, donc ce combat tuto a quand même du positif, et on en tire le plus possible.
Il a fait un petit passage très rapide dans le menu pour retirer Waka de l'équipe. Ça a une importance pour ce combat spécifiquement. Puisque en fait là normalement c'est encore un combat tuto et si Waka est dans l'équipe au moment où le combat se déclenche, là le jeu nous force à utiliser Waka pour faire un cécité sur l'ennemi et du coup on peut pas fuir en fait. D'ailleurs Yuna qui a raté sa fuite, mais c'est bon, ça marche pour la deuxième fois. Et la fuite qui sera simplifiée plus tard quand on récupérera la capacité d'écamper avec Tidus, parce que là pour l'instant on est obligé de faire fuir les persos un par un et ça peut échouer. Mais très rapidement, on va apprendre une capacité qui permet de faire fuir les trois persos d'un coup et de manière systématique, quoi. Bon là, on fait un petit peu d'XP, hein, parce que mine de rien, même si on va pas monter énormément de niveau par rapport à une partie normale, faut quand même qu'on progresse un petit peu. Hein. Et en plus d'avoir besoin de niveau, on a aussi besoin de sphère. On expliquera peut-être un peu plus quand on le verra, le fonctionnement du sphérié, qui devrait pas tarder. Horriblement compliqué à expliquer quand on a le tuto qui commence pour nous expliquer ça. Tuto, heureusement, qui est skippé d'ailleurs par le cutscene remover. Parce que je sais pas combien de temps il dure, mais c'est genre 5-10 minutes au moins d'explication sur comment ça marche. C'est un bordel pas possible. Et en fait, quand on s'en sert, au bout de 2-3 fois, on a compris. Et c'est assez simple d'utilisation malgré le. Ça a l'air compliqué. Mais au final, ça se fait très bien. Ouais, c'est exactement ça. Normalement, il ne devrait pas trop tarder à faire une première session. Bah voilà, on y vient. Voilà. Bah, tu veux expliquer le sphérié ? Rapidement, donc c'est cette grande plateforme là, sur laquelle Tidus est en train de se déplacer. Et il y a des tas de cases qui augmentent les stats dessus. Ça peut être 1, 2, 3 ou 4 points. Ça peut être aussi des techniques, des nouveaux sorts qu'on achète, des nouvelles décampées dont tu parlais tout à l'heure. Et on va devoir se déplacer dessus en utilisant les points d'expérience. Et ensuite, utiliser des objets. C'est les sphères compétences, sphères de force, différentes sphères pour acheter les objets du sphérié. Et c'est comme ça qu'on améliore nos personnages. Donc on ne gagne pas directement, quand on prend un niveau, on ne gagne pas de stats en elle-même. C'est pas vous avez pris un niveau, vous gagnez 2 points de vie, 3 points d'attaque. C'est vraiment vous gagnez un niveau et vous pouvez utiliser ce niveau pour acheter les points pour augmenter vos personnages. Ouais, et ça présente un gros intérêt pour le speedrun, c'est que globalement, on va avoir. Au début, on est assez contraint sur le sphérié. Globalement, même s'il n'y a pas de classe à proprement parler dans le jeu, le fait est que chaque personnage commence sur un coin différent du sphérié et a des stats en rapport avec le personnage qu'il est censé être. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Lulu, c'est une magicienne, elle a principalement des sphères qui vont augmenter sa magie. Yuna, c'est mage blanc, elle va avoir des magies blanches dans son coin, etc. Mais en fait, plus tard dans le jeu, on va débloquer des options pour déplacer rapidement les personnages à différents endroits du sphérié. Et ça permet, quand on maîtrise un peu le truc, de vraiment customiser les persos comme on veut pour leur faire, pour augmenter les stats qui vont nous être utiles. Et ça va être très très important dans le speedrun, vous verrez. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que en jouant en casu, on peut se mettre des petits défis. Typiquement, un truc que vous pouvez faire, c'est terminer le jeu sans jamais utiliser le sphérié, c'est-à-dire sans jamais prendre un seul niveau avec aucun personnage, par exemple. Et c'est pas si galère que ça quand on sait ce qu'on fait, on va dire. Il paraît. Alors que j'ai jamais essayé, il paraît. Je l'ai fait, il y a quelques moments galères, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Alors que, on avait là un boss, donc on a vu l'overdrive de Valfor qui a complètement défoncé la première partie de Sin ici. Et ensuite, on se retrouve contre cette espèce de poulpe. On affronte uniquement avec Waka et Tidus parce que c'est un combat qui a lieu sous l'eau. Et que ce soit Kimari, Lulu ou Yuna, n'ont pas la capacité de respirer sous l'eau plus ou moins, ou en tout cas de pouvoir prendre leur respiration et agir sous l'eau pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et donc c'est pour ça qu'on n'est qu'avec ces deux persos-là. On fait cécité sur le boss pour qu'il ne puisse pas nous toucher, qu'il ait tendance à nous rater, et puis on tape dessus. Globalement, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est les boss du début, donc même si on est un peu en sous-niveau, il n'y a pas non plus trop de difficultés encore pour le moment. L'explication qui est vaguement donnée dans le jeu de pourquoi Waka et Tidus ils peuvent combattre sous l'eau, c'est parce que comme c'est des joueurs de Blitzball et que le Blitzball ça se joue dans une sphère remplie d'eau,
ils ont l'habitude de retenir leur respiration pendant, pendant très longtemps. Bon, on peut trouver que ça marche. Minutes, ça commence à faire trop, mais voilà, c'est un peu comme ça s'expliquer dans le jeu. Si tous les matins, tu passes 30 secondes à mettre la tête sous l'eau dans ton bain, qu'au bout de 5-6 ans, tu puisses tenir 5 minutes, je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, mais dans Final Fantasy X, Final Fantasy X, c'est comme ça. Alors, par contre, je crois pas qu'il y ait une explication pour Riku plus tard, qui est le troisième perso à pouvoir combattre sous l'eau. C'est comme ça. Non, mais Riku, c'est pas pareil, elle est Albed, et puis les Albed, ils fonctionnent pas pareil, voilà. Non, mais c'est possible qu'elle ait fait du football quand elle soit jeune, c'est possible que ça soit génétique et que Riku ait ça aussi. C'est possible que ce soit parce qu'il fallait pouvoir avoir trois personnages quand on se combat sous l'eau et que ça tombait bien d'avoir Riku qui le fait aussi. Il y a plein d'explications possibles. Prenez celle qui vous plaît. Donc pendant ce temps-là, on est parti de l'île de Beside. On accompagne Yuna. Donc Yuna qui est l'invoqueur, qui invoque Valfor et tout, qui part en pèlerinage pour pouvoir affronter Sin, et elle doit pour ça visiter différents temples dans Spira. Donc Spira, c'est le monde où tout ça se passe. Et on accompagne en même temps parce que c'est aussi le bateau qui va nous mener au tournoi de Blitzball où on est censé aller. Donc ça tombe bien. Sauf qu'en chemin, manque de bol, il y a encore Sin qui se pointe. On essaye de le combattre pour l'empêcher de détruire un village qui est au bord de l'eau. Alors, me demandez pas pourquoi ils construisent un village sur pilotis alors qu'il y a un gros monstre dans l'eau qui peut venir le détruire, mais bon, c'est comme ça. Mais en même temps, t'as vu les bestioles qu'il y a dans la forêt, puis ça doit être bien de pouvoir avoir un port, de pouvoir avoir accès à la pêche, pour le commerce. Ouais, mais ils sont peut-être pas obligés de faire ça sur pilotis non plus, quoi. Ok. So I want to talk real quick. Enfin, mais est-ce que ça aurait fonctionné s'il n'y avait pas eu ce moment dramatique justement de la ville qui se fait détruire, ces scènes avec justement Yuna qui... Après, s'ils construisent ça pour le scénario et l'effet dramatique, moi ça me va comme explication. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications dans Final Fantasy qui sont pour le gameplay, pour l'histoire, il fallait que ce soit comme ça. Plus qu'une raison particulière d'avoir fait, d'avoir fait d'une manière ou d'une autre. Mais donc, je trouve ça drôle quand tu essaies de réfléchir logiquement au truc, tu te dis, mais... Non, il faut pas trop faire ça, parce que c'est marrant un petit peu, mais si vraiment tu commences à faire ce genre de truc, tu te retrouves, rien n'a de sens. Donc non, il faut pas trop, c'est un piège. Bref, donc du coup, là, on est arrivé sur l'île de Kilika, où il y a un deuxième temple à aller visiter et on va récupérer une deuxième chimère. Alors celle-là, on va pas la renommer parce que concrètement, on l'utilisera jamais dans la partie. Donc voilà, on va aller récupérer Ifrit, mais vous ne le verrez pas jouer. Voilà, seulement en tant qu'ennemi. Et vous dites peut-être, mais moi quand j'ai fait le jeu dans cette forêt, il y avait un boss, il y avait un Oshu à tuer, une espèce de grande plante avec des tentacules. Il se trouve que... Si on prend des petits chemins, des tours qui passent, on peut le contourner en passant donc dans des petits chemins cachés de la forêt. C'est pour ça donc qu'on n'a pas affronté ce premier boss de la zone. Et puis ici, on utilise Valfor à nouveau. Le but, c'est de charger son overdrive. C'est pour ça qu'on s'en sert ici. Plusieurs objectifs, en fait. D'une part, charger son overdrive. Deuxième objectif, faire quand même un peu d'XP pour les personnages pour pouvoir les monter de niveau. Et troisième objectif, c'est de récupérer des sphères d'agilité, parce que ici il en faut 16, je crois, j'avais noté. Et donc les sphères d'agilité, en général, on les ramasse sur les petits ennemis volants, donc genre les guêpes qu'on croise ici. Et puis on aura besoin, de manière générale, d'un certain nombre de sphères sur toute la run. Donc même si on récupère pas forcément une sphère d'agilité, le fait qu'on récupère en plus des sphères de force ou des sphères de magie, ça, c'est bien pour la run dans sa globalité, même si on s'en sert que beaucoup plus tard. Et là, on se retrouve contre un nouveau boss qui est à nouveau un morceau de Sin. Un Sin qui a tendance à venir, à tuer tout le monde et à laisser derrière lui des monstres qui continuent à tuer les gens un peu plus derrière, comme une vieille écharde plantée sur l'île. Et qu'on va défoncer à nouveau grâce à l'énergie blast, là, l'overdrive qu'on a récupéré donc dans la queue du chien avec Valfor. Exactement. Alors c'est un boss qui se fait en deux temps, ça. Vous voyez, d'abord il est refermé, donc il faut péter la carapace. Et ensuite seulement le boss se déplie et là il faut qu'on le tue pour de bon. Bon, évidemment, Valfor va faire le taf.
Alors, il y a quelqu'un qui demande dans le chat pourquoi on voit les lignes de code en bas de la manette. Alors, c'est pas vraiment les lignes de code. En fait, c'est plus des indications de ce que le programme est en train de faire. Donc voilà, à chaque fois, en gros, ça permet aux développeurs de voir ce que le programme fait. Et si à un moment, le truc déconne, bah, il peut savoir que ah, voilà, là, il a fait tel truc, il aurait pas dû, etc. Ça permet en gros de savoir comment se comporte le robot de manière un peu plus précise, quoi. Ouais, c'est vraiment un log de tout ce qu'il fait. D'ailleurs, si vous vous demandez comment ça fonctionne, parce qu'on a dit un peu ce qu'il faisait, mais on n'a pas expliqué trop comment ça fonctionnait. On va pas parler de toute la partie code, puisque donc il y a un code, comme on a dit, avec plein de règles qui expliquent, qui déterminent comment le bot, l'IA va prendre ses décisions. Mais il regarde, en fait, il sait ce qui se passe à l'écran en lisant dans la RAM directement du jeu. Au début, ils avaient commencé à le programmer en lisant sur l'écran, vraiment de regarder, de scanner l'écran et de voir les informations de la vie des persos, de éventuellement la vie du boss, savoir combien il y a d'ennemis, ce genre de choses. Ils se sont rendus compte que ça posait un gros problème, c'est que si jamais ils changeaient d'écran, enfin ils changeaient de PC, qu'il y ait une carte graphique qui soit différente, le framerate qui soit pas le même, ce genre de choses, ça marchait plus. Et donc ils ont développé en lisant directement dans les informations de la RAM du jeu. Par contre, ils ont décidé parce que leur but c'est quand même de faire quelque chose qui correspondrait à un joueur qui joue, à un joueur qui jouerait de manière parfaite, capable de faire des appuis toutes les frames sur les touches, d'aller donc beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire réellement. Mais ils ne voulaient pas lui donner davantage qui serait un peu injuste par rapport à ce que nous, on peut faire en voyant l'écran. Donc le bot va lire dans la mémoire que les informations qui sont viables à l'écran. Il ne va pas utiliser d'autres informations qui ne seraient pas accessibles à l'écran, qui ne seraient pas montrées par le jeu, même si elles seraient disponibles techniquement dans la mémoire. Encore une fois, le but, c'est vraiment de simuler le comportement réel d'un joueur. Juste un joueur qui est capable d'appuyer très très vite sur les boutons quand il y a besoin. Et puis prendre des décisions en une fraction de seconde, hein, de connaître son inventaire de manière parfaite, c'est-à-dire que vous savez exactement la quantité de tous les objets que vous avez dans l'inventaire et leur place à tout moment, ce genre de choses. Mais voilà, techniquement, vous pouvez... C'est la même run, en gros, si vous regardez un speedrun de Final Fantasy... De ce jeu-là, vous allez voir les mêmes choses qui sont faites de la même manière. Il y a pas trop d'arnaque à part la rapidité d'exécution. Et donc là, on est en train de faire le deuxième temple. C'est un temple avec du feu partout, des sphères qui font du feu, des portes enflammées et tout. On se demande vraiment quel genre de chimère on va avoir à la fin. Bah, sans doute un lien, une chimère avec de l'eau, non? Parce qu'on est sur une île. Bah oui, puis il faut éteindre le feu. C'est logique. Bah oui, exactement. On peut noter donc ces temples qui sont des parties un peu puzzle, dont la grande majorité du puzzle fonctionne parce que Tidus peut tenir qu'une sphère à la fois, il peut servir que d'une seule de ses mains. Et là encore, je pense que on pourrait chercher des explications de pourquoi il fait ça, mais faut pas le faire. Donc là, on arrive à la deuxième chimère, qui était Ifrit, bien sûr, hein, personne ne l'avait vu venir. Et qui a été renommé donc en RPGLB, hein, le nom du marathon. Comme on l'a dit, c'est une chimère qui ne sera pas utilisée dans la run du tout. On la verra qu'une seule fois à la toute fin du jeu. Et donc, il s'était dit, on va peut-être pas demander aux gens quand même de donner de l'argent pour nommer une chimère qu'on verra jamais. Donc, les Shiva qu'on verra pas non plus du jeu aura un nom. Je sais pas ce que c'est, mais aura sans doute un nom qui fait référence à l'événement ou peut-être à. Comme ça, moi, je dirais qu'elle va s'appeler Nami Shiva. Mais je sais pas si c'était un pronostic, Michel Dars. Non, mais c'est vrai que c'est pas déconnant comme idée, c'est pas impossible du tout. Ouais, je pense, je sais pas si. On verra. Donc, on a fait le temple, on a récupéré la chimère, ben là, du coup, on va juste repartir et continuer le voyage. Alors au passage, on a croisé aussi vite fait les membres de l'équipe de Blitzball des Luca Goers au temple. Donc qui dès le départ là, sont un peu présentés comme l'équipe à abattre, la meilleure équipe de Blitzball actuelle, quoi, celle qu'on devra absolument affronter si on veut gagner. Ça a l'air en plus d'être
ils ont l'air un poil arrogant. En tout cas, le leader de leur équipe, ça a un peu l'air d'être un trou du cul quand on le rencontre la première fois. Il est construit de manière à ce qu'on ait pas trop de sympathie à son égard. On a envie de les battre quand même, les Lucas Goers. Effectivement, puis bon, accessoirement, je trouve qu'ils ont un peu une tête de con, moi, mais c'est très personnel comme jument. J'irai pas jusque là, mais je te rejoins sur le... Alors, petit truc ici, donc là on est sur le bateau, on cause à ce marchand et on lui file de la thune. Alors pourquoi? En fait, c'est un marchand qu'on va revoir à plusieurs moments dans le jeu. Et il se trouve que ici, quand on lui cause la première fois, il nous demande si on peut lui donner de l'argent parce que, en gros, il est en train de lancer son business. Et on a le choix, en gros, de la somme à lui donner. Et le truc, c'est que suivant le montant d'argent qu'on va lui donner, ses objets plus tard seront plus ou moins chers. Donc en gros, si on lui donne rien, il vendra les objets au double du prix normal. Mais là, en lui donnant 1001 giles, on se fait moins arnaquer, ils seront juste 20% plus chers. Ouais, en sachant qu'il y a plusieurs paliers, donc 1001, c'est un peu le palier minimum qu'on peut se permettre de franchir pour avoir des ristournes. Des ristournes plus tard, quand on aura besoin de lâcher les trucs. C'est que le palier au-dessus, en fait, il est très très cher. Il est genre à 10 000 giles, je crois, ou un truc comme ça. Donc vraiment, c'est hyper compliqué de l'avoir, quoi. Et là, il y a eu un petit truc assez intéressant sur le bateau, la cinématique qu'on a vue, là où Tidus était en train de taper dans le ballon. C'est l'occasion, en fait, dans le jeu, de récupérer ce qu'ils appellent le Jet Shot. Donc Jet, c'est le père de Tidus, qui était lui aussi une star de Blitzball et qui avait un tir signature qui est très fort dans le jeu, puisque ça... Il est très fort dans le jeu. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas récupéré en speedrun, parce que quand on le récupère, il y a une cinématique qui dure genre 2 minutes qu'on a, alors que si on rate le jet shot, on n'a pas cette cinématique de 2 minutes. Donc de base, dans le speedrun, ils ne la font pas. Je trouve que là, on pourrait se dire, bah, on s'en fiche de la cinématique de 2 minutes, puisque de toute façon, les cinématiques sont skippées. Sauf que, quand le mode pour enlever les cinématiques a été créé, le but, c'était de permettre de faire le speedrun sans les cinématiques, mais pas de permettre des choses qui seraient différentes. C'était vraiment de dire, on fait la run comme on l'aurait fait avant, juste on enlève les cinématiques, parce que ça divise par plus de 2. Hein. C'est quoi? C'est 5 heures de run que ça sauve de plus avoir toutes les cinématiques. Et donc, ils se sont dit, bah, si les gens veulent récupérer le jet shot, le mode, il crash. Et donc, c'est codé comme ça, on ne peut pas récupérer le jet shot dans le... Dans le mode, même si techniquement ça ferait pas perdre de temps, juste parce que le mode est codé comme ça. Alors, petit point histoire très rapidement, donc on est à Lucas, et en fait en attendant le premier match, il y a Yuna qui vient nous voir en disant hey, « j'ai vu, il paraît qu'il y a Sir Oron qui se trimballe quelque part en ville ». Donc Oron, c'est un mec qu'on a vu au tout début du jeu, celui qui était en rouge vraiment au tout tout début. Et qui est dans l'histoire... Yuna, son père, a fait un pèlerinage pour affronter Sin il y a une dizaine, 10 ans avant elle. Et Oron était là, ou Oron, on prend vraiment rien, pareil, c'est horrible, a décidé de. Enfin, faisait partie des personnes qui l'accompagnaient dans son pèlerinage pour le protéger, de la même manière que le font Lulu et Kimari ici. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, Yuna, on la quitte des yeux pendant genre 10 secondes, et évidemment, elle trouve le moyen de se faire kidnapper. Pardé Albed, et là du coup pendant que le premier match commence, nous on va essayer d'aller libérer Yuna. Alors ce que j'aime bien, c'est que dans le jeu ils disent oh là là les Albed ils ont capturé Yuna pour nous forcer à perdre le match contre eux parce qu'ils sont nuls. Ce que je trouve marrant en fait, c'est que concrètement quand tu joues les matchs après, je trouve les Albed beaucoup plus forts que les Lucas Goers qu'on affronte à la finale. Ouais, ouais. Parce que les Albed, ils ont des stats de base qui sont tellement vénères. Mais bon. D'ailleurs, petite chose, on peut noter, hein, c'est que là, on est obligé d'utiliser la magie de Lulu parce que c'est la plus forte. Et encore une fois, cette magie qui est la plus forte, c'est la magie foudre qui sauve à chaque fois qu'on le fait. Hein, 2 frames. Hein, donc, ça tombe quand même bien. Le jeu a été pensé pour le speedrun, je pense. Parce que là, évidemment, c'est des machines, les machines, la foudre, voilà, logique. Ouais, rien de bien. Alors, ça dépend.
Parce que là, on le voit, les machines sont très vulnérables à la foudre, ça les détruit. Mais dans quelques minutes, on va avoir une machine qu'on va attaquer avec de la foudre justement pour la réparer. Donc, c'est des règles qui... ça dépend des situations. Quand même. Non, c'est logique. Quand la machine fonctionne, ça la détruit. Quand ça ne fonctionne pas, ça la répare. Je ne vois pas où est le problème. Ça recharge les batteries. Generally, the fights are going to go a lot faster. The interesting thing here is that it is actually faster to get Titus. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, pendant qu'on est en train d'aller sauver Yuna, il y a le premier match donc qui est en train d'être joué, et du coup, c'est Waka qui gère le match. C'est pour ça que là, on n'a pas Waka dans l'équipe. On est coincé avec Tidus, Lulu, Kimari, puisque Yuna s'est fait enlever et Waka il est occupé à jouer au Blitzball. Donc là, petit passage vite fait sur le sphérié, on récupère la compétence booster avec Tidus. Ouais, ça, qui permet fort, donc, d'accélérer les tours d'action d'un personnage. En regardant à nouveau, j'ai été surpris de voir que c'était une technique qu'on récupérait aussi tôt dans le jeu, parce que c'est vraiment fort, vu qu'on est sur un jeu au tour par tour, mais si vous regardez sur la droite de l'écran, il y a un log en fait, avec les différents tours des persos, et booster fait qu'on va avoir plus de tours avant que l'ennemi joue, donc c'est vraiment très fort. Et puis bah voilà, donc ça c'est le bras dont on parlait, qui se prend des tonnerres et qui se réveille grâce à ça. À noter qu'il y a uniquement le sort foudre de base de Lulu qui fonctionne. Si quelqu'un d'autre utilise le sort foudre dessus, ça fonctionnera pas. Si vous grindez avec Lulu des milliers de niveaux pour qu'elle récupère foudre plus, ça fonctionnera pas non plus. C'est codé vraiment, c'est le sort foudre de Lulu qui fonctionne seulement. Ça, je savais pas pour le coup. Bah, en même temps, j'ai jamais testé de faire avec un autre. Alors, ça demande soit de farmer énormément pour pouvoir avoir assez de niveau pour aller jusqu'à foudre plus. Donc, à moins que tu passes 15 heures à farmer sur les premières îles, tu ne l'auras pas. Ou alors, ça peut être le cas dans les randos, parce qu'il y a des randomizers sur Final Fantasy X qui existent. Et dans ceux-là, tu peux avoir des sorts foudre beaucoup plus puissants qui arrivent plus tôt pour d'autres persos. Mais ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas. C'est très spécifique, c'est les petits, les petites anecdotes, on va dire. Oui, il a attendu un petit peu. Je sais pas. Alors, je pense qu'il a attendu pour un coup critique, mais bah même pas. Je suis pas sûr. Franchement, je sais pas. Donc là, en gros, vous avez vu ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé encore une fois une action contextuelle qu'on a que pour ce boss-là. On a activé la grue avec Lulu. Enfin, on l'a réactivé. Et ensuite, on utilisait Tidus pour aller tapoter sur les commandes. Ça a permis d'infliger un gros coup au boss. On lui a enlevé quasiment toute sa vie d'un coup. Parce que normalement, il a 6000 PV, c'est pas mal à ce stade. On lui en a enlevé 5600 d'un coup, je crois. Ouais. Plus, ça lui enlève certaines attaques, donc c'est vraiment très fort. Et... c'est pas obligatoire, on peut faire le boss sans ça, mais c'est le plus important. Ah, dommage, là, c'est les Lucagoers qui ont récupéré la balle à l'engagement. Ouais, parce que je crois que c'est le seul match de Blitzball qu'on verra du jeu. C'est le seul match obligatoire, en fait. Après, ça devient un mini-jeu, mais c'est complètement optionnel. C'est le seul match qu'on est obligé de faire dans le jeu. Je vais peut-être expliquer comment fonctionne le Blitzball rapidement. Donc vous le voyez, c'est un espèce de jeu. Donc normalement, c'est dans une sphère d'eau. En pratique, on joue toujours sur le même plan. Hein. Donc ça serait sur un terrain plat, ça serait pareil. Donc on a 5 joueurs dans notre équipe sur le terrain, plus un dans les buts qu'on ne contrôle jamais. Et en fait, chaque personnage a différentes statistiques, donc de l'endurance, un score de passe, de tir, etc. Et donc il faut réussir à avoir la balle d'une part, ensuite on peut déplacer le joueur, on peut faire des passes, et on peut essayer de marquer un but. Et évidemment, comme c'est un FF, on a des attaques spéciales. Donc par exemple, on peut faire des tirs empoisonnés, des passes qui endorment les ennemis si jamais ça les frappe, ce genre de choses. Et puis après, bah, tout simplement, l'objectif c'est de marquer le plus de buts possible, ou en tout cas plus que l'équipe en face, quoi. Et ça se passe très mal hein, comme combat, comme match, parce que ce qu'ils veulent, l'idée c'est on a la balle à l'engage et ensuite se retrancher dans les buts et attendre toute la première mi-temps. Vous voyez en bas il y a un timer là, 1 minute 24, 25, 26. J'espère que je suis bien dans le temps. Allez, là c'est bon, c'est à peu près setup. Le but étant de réussir à faire passer ce timer le plus vite possible, sauf qu'il se bloque à chaque fois qu'on fait une action. À chaque fois que vous êtes dans le menu, ça s'arrête.
Donc le fait d'avoir à chaque fois ces interactions là où il y a des, on se fait tacler un tacle Venom là, qui est fait sur Tidus, ça fait perdre du temps. Et en plus il y a le risque de perdre le match, parce que bah, on peut prendre un but. Et si on venait à perdre le match, on perdrait l'accès à une sphère force 4, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, c'est une sphère, alors c'est un petit peu différent. En gros, les sphères qu'on a récupérées jusqu'ici, c'était des sphères qui servaient à activer les cases du sphérié. Ici, on gagne une sphère force qui rajoute une case en plus au sphérié, et c'est une case qui permet de gagner plus 4 en force, ce qui est pas mal du tout, surtout au début du jeu. C'est fort au début du jeu et ce sera fort après encore, même si ça peut, on peut se dire bah, plus 4 c'est pas grand chose, c'est beaucoup dans le jeu. Ah oui, vraiment, vous activez un plus 4, surtout dans au début du jeu où les stats des persos sont pas très élevés, franchement vous voyez la différence quand vous combattez. Oui, parce qu'on commence, les persos, ils ont genre 15 en force, hein, donc plus 4, ça fait tout de suite vraiment beau. Ouais. Mais, alors il faut savoir que pour avancer dans le jeu, on n'est pas obligé de gagner le match. Hein, qu'on gagne ou qu'on perde, de toute façon, la suite du jeu va se déclencher, ça changera rien au scénario ni quoi que ce soit. La seule différence, c'est qu'on a une petite cinématique en plus, mais là surtout, ce qui nous intéresse dans le cadre du speedrun, c'est d'obtenir cette fameuse sphère force qui permettra de booster un petit peu les stats de nos persos. Quoi. Moi j'ai toujours peur hein, quand il y a le ballon qui arrive jusqu'à Kippa, que j'aime bien appeler Kappa, parce que c'est quand même un peu le pire goal, et ça a beaucoup de stress à chaque fois qu'il doit arrêter la balle. Kippa, il est extrêmement nul comme gardien, il a vraiment des stats toutes pourries. Alors par contre, petite anecdote sur lui, est-ce que tu sais que quand tu le montes à très haut niveau, ça devient le meilleur tireur du jeu? Ouais, mais c'est genre, jusqu'au niveau 80, il est nul en attaque, et ensuite, du niveau 80 à 100, ça devient le plus puissant attaquant du jeu. Un truc comme ça, c'est vraiment une petite blague un peu du jeu là-dessus. Parce que, bien entendu, hein, c'est pas juste un petit mini-jeu comme ça, il y a un mercato possible, on peut recruter peut-être une centaine de différents persos dans le jeu. Les membres des autres équipes éventuellement, il y a des systèmes de rupture de contrat qui arrivent tous les temps de match, on peut parler à des persos qu'on croise un peu n'importe où et leur proposer de rejoindre notre équipe. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons de garder Kippa dans l'équipe alors qu'il est vraiment nul. Mais si vous le faites, vous serez récompensé après avoir fait 500 heures de blitz avec le meilleur perso du jeu. Pour être vraiment ultra motivé. Hein. Mais en vrai, le mini-jeu de Blitzball, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est un truc que j'aime bien faire à chaque fois. Je pense que j'ai passé les 500 heures, hein. Peut-être pas autant, mais sur le Blitzball, clairement. Il n'y a rien à dire. Alors qu'il appuie beaucoup là sur le bouton Coder Wilson, donc c'est celui qui est au milieu là dans la caméra qu'on voit. Quand il y a le menu comme ça, donc je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais je sais pas, c'est juste le fait que le match se passe mal ou quoi, mais en tout cas il y a le bot qui a l'air d'avoir besoin d'un petit peu d'aide pour prendre ses décisions par moment. Je sais pas trop. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé la première mi-temps, qui est la plus difficile concrètement quand on fait le jeu en casu, parce que encore une fois, les persos, ils ont vraiment pas des stats de ouf. Et l'intérêt, c'est qu'à la mi-temps, on gagne de l'XP, donc on peut gagner un ou deux niveaux sur les persos, et surtout, on peut équiper des premières techniques, notamment un tir pour Tidus, et surtout le jackshot, si jamais on l'a récupéré. Bon là, c'est pas le cas, mais même sans ça, on peut en avoir un autre. Donc là, le but maintenant, c'est que la deuxième mi-temps, il va vouloir à tout prix marquer un but et surtout éviter de s'en prendre un pour pouvoir gagner le match, quoi. Donc là, pour l'instant, il gagne juste du temps. Vous voyez, l'IA des joueurs, elle est pas révolutionnaire. On aurait voulu, hein, d'ailleurs, c'est avoir ça dès le début. Hein. Le but, là, ça aurait été vraiment de récupérer la balle au début et de faire toute la première mi-temps comme ça et de juste attendre les 5 minutes. D'ailleurs, je crois pas que ce soit 5 minutes exactement, hein, parce que les secondes passent plus vite. Enfin bon, c'est un peu particulier. Le match va s'arrêter à 3 minutes et ce qu'on aimerait, c'est mettre le but au moment des 3 minutes de manière à ne pas ravoir la cinématique de l'engagement juste après avoir marqué le but, puisque techniquement, ça gagne quelques secondes de faire ça. Alors, le match ne se finit pas au bout de 3 minutes. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 minutes, Tidus est remplacé par Waka. Et le match se termine avec Waka à la place, en fait. Ah, on continue avec Waka ? Ouais, on continue avec Waka, et t'as même...
Tu peux marquer avec Waka à ce moment-là, hein, c'est tout à fait possible. Okay. Je croyais qu'il y avait le match était interrompu par les au bout de 3 minutes par les. Mais non, il est interrompu par les la foule qui veut voir Waka, qui siffle dans les tribunes. Bien entendu, comme on est dans l'eau, on entend les sifflements de la foule. Parce que l'eau, le son hein, marche, est très bien porté dans l'eau. Et oui, il y a Waka qui revient, c'est vrai. Là, c'est Waka qui arrive, là. C'est pour ça qu'il y a une interruption. Et on peut, à ce moment-là, on peut continuer de jouer avec Waka et réussir à marquer des buts. Et j'ai vu qu'on nous a redemandé hein, dans le chat ce que c'était que cette catégorie CSR IATA 7 Speed. C'est FFX classique, sauf qu'il n'y a pas de cinématique. Le CSR, c'est pas de cinématique et c'est pas joué par quelqu'un de normal, c'est joué par un programme qui prend les décisions et qui appuie sur les boutons à la place du. Pas d'un joueur classique. Exactement. Donc là, il va espérer que ne pas se prendre de but parce que ça serait un peu pénible. Que là, surtout, en plus, s'il finit sur un 1-1, il va y avoir des prolongations et tout, enfin, on a vraiment pas envie. C'est horrible. Est-ce que ça perd plus de temps de perdre le match ou de gagner après une prolongation? Je sais pas combien de temps durent les prolongations. C'est 5 minutes? C'est 1 minute? Ça arrive tellement. Alors, je sais pas. Honnêtement. Là, j'ai peur. Oh, purée. Apparemment, j'étais pas le seul à avoir peur. Mais je l'ai jamais vu arrêter autant de balles, ce mec. D'habitude, il sait pas faire ça. Après, il y a eu des fois où la balle, elle avait genre 1 ou 2 en puissance en arrivant à lui, donc je me dis bon, ok. Mais là, elle était à 6, lui, il a 6 en arrêt. Ouais, alors, ce qu'il faut savoir aussi, si vous avez jamais joué au Blitzball dans FF10, les stats que vous voyez, en fait, elles sont indicatives, mais à chaque fois, quand le calcul est fait pour savoir si ça passe ou pas, il y a toujours une marge, il y a toujours une marge variable, je crois que c'est plus ou moins 50%. Donc en gros, si vous avez un personnage qui est à 10, en gros, il est entre 5 et 15, quoi. On a un peu l'impression de se faire voler par moment, quand même. Mais ça passe bien. Bon, ils s'en sortent. Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Là, la deuxième mi-temps se passe à peu près aussi mal que la première, même s'ils ont réussi à mettre un but. C'est pas fou, parce que là, en plus, récupère la balle, il est juste devant le but, alors. Ouais. Ouais, puis de base, il a tendance à se replier dans le but, mais comme les attaquants sont là, ils reprennent l'aggro direct. Alors, sachant que l'équipe des Lucas Goers, elle est beaucoup plus agressive quand elle est menée au score, en plus. Est-ce que ça passe. Il reste 9 secondes. Là, c'est bon. Là, de toute façon, il n'y a plus le temps de mettre un tir, donc là, c'est bon. C'est bon. C'est gagné. Voilà, donc là, c'était le seul match de Blitzball que vous verrez, hein, parce que tous les autres, après, ça devient un mini-jeu. Alors, qui est utile, parce qu'on récupère des overdrives pour Waka et tout, mais dans le contexte du speedrun, c'est pas du tout utile. Pourquoi game over, là? Alors là, je comprends pas ce qui se passe. I am going to kill it here and we're going to bring it back up. So while fix Alors là, il y a eu un problème là. C'est pas normal. Il y a eu un problème dans le code justement. Du coup, le TAS s'est dit OK, la run était nulle, je recommence, il a reset. Et donc on va relancer. Rassurez-vous. Bon, déjà, l'estimate de 3h20 est assez large et prend en compte le fait qu'il puisse y avoir des problèmes comme ça. Mais le TAS est censé pouvoir repartir depuis une sauvegarde. Donc, je fais confiance à Coder Wilson ici pour réussir à le relancer assez rapidement. Sinon, on recommence, hein, c'est pas grave. Je veux dire, qu'est-ce que c'est une heure de perdu sur un RPGLB? Elle est passée tellement vite. Non mais c'est parce qu'il a vu que dans le chat il y avait des gens qui posaient des questions, qui avaient besoin de réexpliquer à nouveau et c'est vrai que revoir le début avec les explications pourrait les aider. Pour voir que le TAS est codé en Python par exemple, enfin je pense, je vois TAS Python main, donc j'imagine, peut-être que je dis n'importe quoi. Puis je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui avait mis un truc, a priori oui, il est codé en Python. Ouais, ça ressemble à un Python comme ça. Ouais, mais je connais rien, j'étais même pas sûr que ce soit un langage ou un logiciel Python, mais. Non, c'est un langage. Bon, bah là, on va attendre qu'il.
Alors, je sais pas s'il est en train de débugger ou j'ai l'impression qu'il est en train de débugger. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va repartir. J'espère qu'il va repartir avant ou après le match. Bon, en attendant, on peut expliquer ce qui se passe au niveau de l'histoire. Donc, on gagne le match. Et juste au moment où on gagne le match à la fin, d'un seul coup, pouf, il y a plein de monstres qui déboulent dans le stade. On sait pas trop d'où ils sortent. C'est pour ça que vous avez vu un début de combat. C'est des ennemis qui se sont infiltrés dans la bulle d'eau. Et il commence à y avoir de la baston partout. Et ça a planté à ce moment-là. Alors là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je pense Ouais, il a qu'il... l'air d'être en train de chercher des commandes spécifiques pour dire au programme, tu repars d'ici. Ce qui peut vous permettre d'avoir une idée un peu de à quoi ressemble le TAS, hein, parce que ça, c'est le programme du TAS. Ah, je crois que là, il lui a dit reprends la sauvegarde de Lucas. Voilà. Et donc là, il part, voilà. Donc le problème là, c'est qu'il arrive pas, il sait pas comment faire pour charger la sauvegarde, l'autosave, qui correspond à la sauvegarde 0. Il rajoute une fonction pour ça. Ça a l'air bon. Ok, on est reparti. Je crois. Allô? Non, on n'est pas Après, le problème, c'est qu'il n'a pas importé une variable de temps à l'intérieur. Je suis en train d'essayer de traduire ce que j'entends en même temps, hein, donc c'est un peu compliqué, mais il y a un problème de temps qui n'est pas dans le TAS, du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc il a rajouté cette variable qui manquait et il va le relancer. Toujours pas. Donc là... Bon, du coup, pendant ce temps-là, vous pouvez bien voir que dans FF10, contrairement aux FF qui sont sur PS1, c'est du vrai tour par Allez, tour c'est et reparti. pas, et qu'il n'y a pas de jauge ATB. Donc, bon, si à un moment on met 10 minutes à choisir son action, bah, c'est pas grave, hein, le jeu il attend. Et ça y est, on est reparti quand même. Ouais, c'est reparti. Il y avait 20 secondes à attendre. Beaucoup de stress du côté des développeurs du TAS sur est-ce qu'il va bien repartir après 20 secondes. Voilà. Bon, entre le crash et le match, on a dû perdre au moins 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, je pense. Ouais, quelques minutes, bon, franchement, c'est pas très très grave. Hein. Je veux dire, sur une run de 3 heures et quelques. Mais je pense qu'il a perdu quand même plus. Ouais, peut-être pas plus de temps pendant le match qu'à cause du bug. Mais le match était de base vraiment, vraiment pas bon. Hein. C'était un des pires matchs possibles. Effectivement, ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Après, il faut bien se dire, là, ils ont été assez vite pour trouver d'où venait le problème. Ils sont deux principalement à avoir fait ce task. Et ça doit faire peut-être 3 ans, plus de 3 ans qu'ils bossent dessus. Donc il commence à assez bien connaître le code et à savoir tout de suite quand il y a eu le game over qui s'est affiché, il savait, ok, il y a ça que j'ai pas bien mis, j'ai oublié de changer ça et c'est aussi pour ça qu'ils ont pu résoudre le problème rapidement. Alors, pour ces combats-là, vous avez vu, on a lancé Booster sur Tidus et on utilise Tidus exclusivement pour tuer les ennemis parce que ça, bah, à ce stade, c'est quand même lui qui tape, il tape plus fort que Waka, donc il les tue en un coup. Et puis avec Booster, bon, au final, ça va vraiment très vite. Alors, un petit truc qu'on n'a pas expliqué. Excuse-moi. Un petit truc qu'on n'a pas expliqué, c'est l'overkill qu'on voit parfois quand on tue un ennemi. Ça apparaît quand on tue un ennemi avec une certaine marge de dégâts supplémentaires. L'intérêt de faire des overkills, il y en a deux, c'est que d'une part, on gagne plus d'expérience, et deuxièmement, ça double le nombre d'objets lâchés par l'ennemi. Ce qui peut être très intéressant, notamment au niveau des sphères, pour avoir le nombre de sphères requis. Et si, bien entendu, le code a été testé en amont, que ça fait plus de 3 ans qu'ils bossent dessus, donc ça fait plus de 3 ans qu'ils le run, qu'ils remarquent des choses qui vont pas, qu'ils le rechangent. Pour préparer le commentaire, on avait regardé la run qu'ils ont soumise pour leur soumission pour ce marathon, dans lequel tout se passe bien. Enfin, il y a un ou deux moments où ça se passe pas parfaitement, mais il n'y a pas eu de crash. Le TAS s'en est sorti à chaque fois. Je ne sais pas comment ça se fait, là, qu'il y ait eu cette chose qui soit mal passée. Mais des choses qui sont changées à droite, à gauche, et un oubli, le stress, j'imagine, mais
Et encore une fois, c'est pas un TAS ordinaire où vraiment tout est prévu à la frame près et c'est toujours exactement pareil. Là, le programme doit s'adapter à l'aléatoire du jeu et aux différents événements qui se produisent. Donc on peut tomber éventuellement des fois dans un cas où un cas hyper rare où ah bah là on n'avait pas bien prévu ce cas-là et du coup il sait pas quoi faire et ça crache quoi. Puis quelque chose de très courant hein, dans les TAS d'avoir des désynchronisations. Là, c'est possible que ce soit lié au match justement qui a fait perdre beaucoup de temps et peut-être, c'est la supposition, c'est peut-être pas du tout ça, mais le fait que le match fait perdre beaucoup de temps, que le au niveau des de comment le TAS attend des actions et est censé faire telle chose à tel moment, soit un peu perdu et décide de passer sur une routine un peu de sauvegarde, de se dire bah ok on relance depuis le début plutôt que de rester bloqué à l'infini parce que je sais pas quoi faire. Je saurais pas à vous dire, mais c'est tout à fait possible que ce soit lié à ça. Peut-être qu'ils ont prévu un truc. Bon alors si à un moment tu perds trop de temps, reset hein, parce que le peloton c'est mort. Ouais. Après, on l'a dit, le but pour eux, c'était de faire un TAS qui représente un speedrun fait par une main. Oh là, c'est pas bon. Il est en train de se prendre dans les murs. Là il va pas du tout au bon endroit. Là. Est-ce qu'il va se rattraper? Il a un peu perturbé le programme. Donc là, on est sur du j'ai jamais vu ça avant. Ouais. Exactement. Et autant quand ça lui arrive de se mettre dans les murs comme ça, ça arrive qu'il reparte, mais là, ça commence à faire un petit moment. Donc je pense que les grosses gouttes. Il y avait eu ça un petit peu dans la vidéo qu'on a regardé où à un moment du jeu le truc il courait un petit peu contre un mur pendant deux secondes et il se reprenait. Il se collait contre les murs et il repartait. Mais alors là ils se sont dit donc ce qui se passe c'est qu'ils se sont dit on va lui faire repartir sur la sauvegarde, c'est pas grave, il va repartir un peu plus tôt. Là, il est en train de dire, apparemment, le problème, c'est que la sauvegarde n'est pas la même, même si c'est une autosave de la même manière que l'autosave qu'il a utilisé tout à l'heure. C'est pas la même autosave, et du coup, ça lui pose problème. Donc, on est reparti sur du debugging en live pour lui dire de recharger la sauvegarde, sans doute attendre un petit peu et de repartir de ça. La bonne nouvelle, c'est que du coup, ça nous laisse encore un petit peu de temps pour l'histoire. Donc là, vous l'avez vu, on a récupéré le personnage d'Oron, donc qu'on avait au tout début et que là, on a retrouvé donc dans le stade. Et ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas les cinématiques, c'est que il y a Lord Seymour. Alors lui, on l'a rencontré un petit peu plus tôt dans Lucas. Typiquement, lui, on le voit arriver. Si vous avez déjà joué à FF, vous dites « Ok, lui, c'est un méchant. » La première fois, je trouve ça va. Quand on commence, au début, il est même plutôt... d'un côté, il y a ça dégaine, il y a la musique qui va avec, mais la manière dont il parle au début, il est plutôt à la cool, genre... on le verra, enfin on le verra pas, mais un peu plus tard, après Lucas, il y a le moment où les Albeds sont en train de faire une opération qui utilise des machines, alors que c'est complètement interdit d'utiliser des machines. Mais il se dit, c'est pas grave, si ça redonne l'espoir au peuple, les gens se battent main dans la main, c'est cool. Il est pas si méchant que ça, il peut paraître juste un peu chelou, quoi, au début. Ouais, oui et non. Parce que, après, moi, je trouve que, du coup, il fait vraiment trop gentil et trop suave, quoi, pour être honnête, en fait. Ah, mais je suis d'accord. Et le revoir aujourd'hui avec sa dégaine, la musique qu'il y a, la manière qu'il a de parler. Mais la première fois qu'on le voit, on peut se laisser avoir par ses petits discours bien pensants. Sauf que il a une coupe de cheveux complètement improbable, donc c'est un méchant. Oui, non mais je suis d'accord. Il a une coupe de cheveux. Donc, ce que je disais, c'est que donc Lord Seymour, il a invoqué une chimère dans le stade pour tuer les monstres. Une chimère assez classe et assez puissante. Qu'on peut avoir plus tard dans le jeu, mais c'est une chimère optionnelle, donc vous ne la verrez pas. Avec une histoire assez sombre qu'on ne vous spoilera pas pour les quelques personnes qui n'auraient pas fait le jeu et qui ne voudraient pas trop se spoiler. Mais il y a du lore assez sale à propos de cette chimère. Effectivement. Et donc là, du coup, on quitte Lucas, et avec Tidus, Oron et toute la clique. Donc Oron qui demande à Yuna si il peut à nouveau être son gardien.
Enfin, s'il peut être son gardien après avoir été le gardien de son père, donc évidemment, elle accepte. Et puis Oren, il dit bon, et puis lui, là, Tidus, il vient avec nous aussi parce que. Parce que. Ouais, c'est bon, je connais. Ah si, oui, après, si, il y a un autre truc, excuse-moi, juste pour terminer sur l'histoire, il y a un autre truc très important qu'on apprend quand même à Lucas, c'est que Oren dit à Tidus, en fait, Sin, bah tu vois, c'est ton père. Ouais, c'est... Il lui dit plus, t'as pas l'impression qu'il te rappelle quelqu'un, t'as pas senti comme si ça pouvait être ton père. Tidus qui dit bien entendu, mais n'importe quoi. Mais peut-être que ce serait bien la réalité en fait. On verra ça un petit peu plus tard. On récupère des petits objets en parlant perso. J'espère quand même que le métal n'a pas trop. D'ailleurs, Jet qu'on verra plus tard et qui est aussi dans Kingdom Hearts, puisque c'est lui l'énorme créature, l'énorme ombre là qu'on rencontre au tout début de Kingdom Hearts et qui est après récurrent dans les différents jeux. Mmh. J'ai joué à Kingdom Hearts, donc je te crois sur parole. Après, il faut croire sur parole les sites internet qui sont pas forcément toujours fiables. Hein, donc si jamais c'est pas le cas, ne m'en voulez pas. Mais j'ai lu ça sur jeuxvideo.com à une époque révolue. D'accord, très bien. Donc là, où est-ce qu'on en est ? On est sur la route de Miyen, donc pour se diriger vers un autre temple pour le pèlerinage de Yuna, qui doit vraiment faire toute une série de temples comme ça avant de pouvoir aller affronter Sin en invoquant l'ultime chimère. Là où on a de la chance quand même, c'est que on a commencé à un bout du chemin. Parce que le père de Yuna, il est parti de Bevel, du coup il a dû faire toute la route qu'on est en train de faire dans l'autre sens pour aller sur l'île du début. Et une fois là-bas, il a dû faire toute la route à nouveau dans l'autre sens pour remonter. Je suis assez content que nous, de notre côté, on ait commencé à un bout du chemin et qu'on ait juste à le faire dans un seul sens. Ça fait un pèlerinage quand même beaucoup plus tranquille, on va dire. C'est là qu'on commence à se rendre compte quand même que les niveaux dans FF10, c'est quand même vraiment des grands couloirs. FF13 n'a rien inventé. C'est un peu un des reproches que je ferais à FF10, qui est quand même un de mes FF préférés, c'est que bon, les niveaux, franchement, d'un point de vue architecture, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ça se défend comme point de vue. On a vu là le task qui a été dans le menu, par exemple. Typiquement, il va dans le menu. Ça, c'est des menus qu'il va faire en fonction des dégâts qu'on prend pendant les combats. Donc, suivant, si ça se passe bien et qu'on n'a pas d'attaque par surprise, et bah, il va pas le faire. Mais quand là, on a Yuna qui était KO, du coup, il a décidé de la soigner. C'est des choses qui sont les décisions que prend le task au fur et à mesure, dépendant des différentes actions. Quand le task décide de pas casser. Oui. Donc globalement, les combats, on va quasiment tous les fuir. Si jamais vous le voyez faire un combat, c'est que soit il est obligatoire, soit il a besoin de récupérer des objets, donc typiquement des sphères. Mais sinon, le reste du temps, en général, on va les fuir parce que on arrive à gagner un XP pour ce qu'il nous faut. Les combats d'ailleurs sont soit des combats obligatoires par le jeu, soit des combats qui sont rendus obligatoires par la route, qui est suivie par le speedrun et qui nécessitent d'avoir un certain nombre d'objets. Et donc un certain nombre de, enfin certains combats spécifiques à certains moments. J'ai pas fait attention. Est-ce qu'on a pu apprendre Kamikaze avec Kimari? J'ai pas fait gaffe. Pour moi, on n'a pas affronté de Bombo, mais je suis pas sûr. On peut les affronter dès la première partie de la route. On a vu là en fait. Je suis en train de me dire, il me semble. Ah oui, on n'a pas expliqué. Pour les overdrive, donc les overdrive, c'est un peu les limites qu'il y avait dans les jeux précédents. Donc chaque personnage a un type d'overdrive différent et qui fonctionne d'une manière différente. Et en fait, Kimari, lui, c'est un peu le mage bleu de l'équipe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser une technique spéciale sur certains ennemis pour récupérer une attaque. Et en l'occurrence, sur les bureaux ici, il peut récupérer l'attaque kamikaze qu'on va utiliser un petit peu plus tard. Ouais, et il l'a bien récupéré puisque sa barre d'overdrive est pleine. C'est un des intérêts d'ailleurs de récupérer les attaques. C'est d'un côté, ça permet d'apprendre des nouvelles attaques, mais ça permet aussi de recharger notre barre. Ici,
C'est l'hérité sur le chocobo. Alors faudrait pas qu'il meure par contre. S'il meurt, ça va être embêtant. Donc du coup, il a aimé Waka. Ah, il va faire des Phoenix Down. C'est un combat assez particulier, le combat contre le tueur de chocobo, parce qu'il peut. Il a plusieurs attaques possibles. Voilà, notamment il peut nous pousser et nous pousser jusqu'à ce qu'on tombe de la falaise. C'est ce qu'on veut parce que c'est la manière d'arrêter le combat la plus rapide qui soit. Par contre, il aurait pas fallu qu'il tue les trois persos, sinon c'était un game over. Pour ça d'ailleurs qu'il y a eu Waka qui a été mis sur le terrain pour utiliser des. Pour ressusciter quelqu'un. Donc, combat qui s'est pas très bien passé, mais il a survécu, donc c'est le principal, et peu spécialement de temps perdu là-dessus. C'est le seul boss qui est sur la route principale où on a le choix de. Enfin, où on peut le tuer ou ne pas le tuer, quoi, selon comment se termine le combat. Alors après, le choix. Oui, le choix, c'est pas exactement le bon mot, mais. c'est quand même lui qui prend la décision. La première fois qu'on arrive devant, quand on sait pas ce qui se passe. On se fait un peu éclater. Mais oui. D'ailleurs, il y a d'autres, comme il y a eu Oshu qu'on a pu esquiver plus tôt. Mais je crois pas qu'il y ait tant que ça d'autres boss après qui soient annexes dans les boss qu'on affronterait de manière classique en jouant en jeu. Du coup, je compare vraiment dans les boss où, pour le coup, il y a vraiment un chemin qui permet de le contourner et de l'éviter. Ouais. Oui, c'est pas la même chose, hein. je suis d'accord, mais. C'est les deux seuls qui me viennent en tête comme ça, de boss qu'on pourrait. Enfin, de combats en tout cas, de gros combats comme ça qu'on peut esquiver. Surtout des Oshu. Il y en a sans doute d'autres hein, d'ailleurs, mais. Des Oshu, après, ça devient des ennemis lambda dans la zone après, donc. Bon. C'est vrai qu'on va bientôt y arriver à la zone où il y a les Oshu. C'est Ryuken, la technique pour récupérer les MP et les overdrive pour Kimari, oui. Enfin, en français, en anglais, je crois que c'est un autre nom, mais en français, c'est Ryuken. Et ça, c'est vraiment surtout pour récupérer les overdrive, parce que le nombre de points de vie et de points de magie que ça soigne est quand même pas terrible. À moins que ça devienne vraiment fort si on booste les stats de Kimari, mais j'ai quand même le souvenir d'un truc assez moyen. C'est peut-être plus utile pour récupérer des MP que des PV, pour le coup. Ouais, éventuellement, mais. Mais c'est vrai que c'est surtout pour apprendre l'overdrive, hein. Vraiment, c'est à ça que ça sert. Donc là, on arrive sur la route des Mikorok, et là, ce qui va se passer, c'est qu'on se fait intercepter par des soldats qui nous disent « Non, pour l'instant, la route, elle est fermée, vous pouvez pas aller plus loin, parce qu'il y a une grosse opération qui est en cours. » Donc en fait, c'est une alliance entre les Albed et les Bannisseurs. Donc les Bannisseurs, en gros, c'est des mecs qui sont chargés de tenir Sin à distance. Et en fait, ils ont monté une grosse opération pour essayer ensemble de détruire Sin. Et donc, ils nous disent bah, passez pas parce que vous risquez d'être pris dans la bataille. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Seymour qui débarque en disant je viens vous soutenir moralement. Et il nous propose de le rejoindre au QG pour superviser la bataille. Quoi. Et justement, ce passage où tu disais tout à l'heure. C'est là où il peut apparaître un peu plus réservé que d'autres et un peu plus à la cool. Il va nous aider, hein, parce qu'on va pouvoir le jouer là, dans quelques minutes. Oui, le seul moment où on pourra le jouer d'ailleurs. D'ailleurs, Seymour qu'on peut utiliser, qui est pas même, je n'ai pas souvenir qu'elle soit particulièrement impressionnante, mais qui demande, il faut passer peut-être un quart d'heure à se faire taper dessus et à se faire soigner pour que la jauge se remplisse et qu'on puisse l'avoir. J'avoue, j'ai jamais eu la curiosité d'essayer, tu vois. Eh bah, ben écoute, c'est pas le quart d'heure le plus palpitant de ma vie, mais on peut le faire. Bon, rip, hein, le rip chicken. Puisqu'on est reparti sur des sauvegardes de base, on a le nom de base de la chimère. Oui, et Tidus qui s'appelle Tass aussi d'ailleurs au passage. Ouais. Et là on a utilisé la première overdrive. J'imagine que c'est parce qu'elle a une animation qui est plus rapide que l'autre et que ça faisait suffisamment de dégâts. Oui, largement. Donc là on le fait, c'est aussi pour récupérer des sphères, hein, parce qu'on a besoin de sphères mentales. Ouais. Idéalement, ce qu'on aurait voulu, c'est avoir 3 fungus pour avoir 6 sphères. Bon là, a priori, on en a récupéré 4, ça suffit. Ouais, ou alors il fera peut-être un autre combat plus tard pour en récupérer d'autres. Bah, faudra sans doute qu'il remonte l'overdrive de Valfort. Donc de toute façon, il va falloir qu'il refasse des combats. Et il a besoin d'expérience avec Yuna, donc...
Alors ça par contre, on va faire des combats rapides, c'est-à-dire pas ces ennemis-là. Parce que les Garuda, ils sont... Non seulement il y en a qu'un, mais en plus ils ont beaucoup de PV, ça prend des plombes de les tuer. Tu vas peut-être refaire 2-3 combats, mais sur des ennemis un peu plus rapides à éliminer quand même. Typiquement les groupes d'ennemis qu'on a vu juste avant. Voilà, genre ça par exemple. Par exemple ça, ouais. Non, plus, c'est la même composition que ce qu'il y avait juste avant. Kimari qui utilise une overdrive. Non, bah, c'est lancé le nom de la technique justement du Ryuken en anglais. Et il utilise Alpha. À nouveau, donc sans doute pour récupérer l'overdrive. Ifrit qui est très fort d'ailleurs dans cette zone, parce que quand on a des élémentaires de feu qui font des attaques de feu et que Ifrit est en feu, ça permet de se faire soigner à chaque fois qu'ils nous font une attaque. Et les autres ennemis sont assez faibles au feu, notamment là ces champignons. Les champignons qu'il ne faut surtout pas attaquer avec une attaque classique. La première fois c'est game over. Si tu fais ça, ils te ripostent avec un truc qui t'endort et qui te file des altérations débiles. Et sauf que comme les mecs en face font que des sorts et font pas d'attaque physique, tes persos se réveillent pas et les attaques s'enchaînent et au bout de 2 minutes, tu prends un game over et t'es un peu déçu. Ouais. Ça a failli m'arriver quand j'ai refait ma partie il y a pas longtemps, j'avais complètement oublié ça. Ouais, ça m'est arrivé, je pense que ça m'est arrivé plus d'une fois. No way. Malheureusement. Vu qu'on a un petit peu de temps, je vais répondre à une question que j'ai vu passer tout à l'heure et j'avais zappé depuis. Quelqu'un qui demandait globalement quelle va être la composition d'équipe qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, ça va beaucoup dépendre des moments, mais globalement, il y a 2-3 persos qui sont plus utiles que d'autres. Typiquement, Tidus, on va s'en servir tout du long, principalement pour fuir. Il y a un moment où il va servir un peu de combattant, mais... C'est lui qui a la technique qui permet de fuir avec tous les persos, donc c'est principalement pour ça qu'on va l'utiliser. C'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis 2-3 combats, là quand il fait flee comme ça, ça permet de fuir avec Tidus. Voilà, donc Tidus, on va s'en servir tout du long. Yuna, elle va pas mal servir avec les invocations. Il y a Riku qu'on utilisera de temps en temps pour l'alchimie, donc globalement c'est les 3 persos qu'on va utiliser le plus. Les autres, ça va être beaucoup plus circonstanciel. Riku, ouais, pour voler. Il y a Kimari qui sert un petit peu dans certains combats pour les overdrive. Lulu qui a servi pas mal au début pour la magie, mais qui va plus servir du tout, je pense, à partir de maintenant, ou quasiment pas. Et ouais, c'est surtout Tidus, Yuna, qu'on voit vraiment le plus dans les combats et qui sont les plus importants. Ouais, typiquement, Auron, on va quasiment pas s'en servir. Ouais, Auron, il peut servir plutôt parce qu'il a beaucoup de points de vie. Ça va être son principal intérêt, éventuellement, de tanker des hits si ça se passe mal. Ouais, Auron, c'est le sac à PV de l'équipe, hein, de base. Des rôles qui sont pas forcément les rôles les plus, les plus importants. Surtout quand on va finir par tuer les ennemis très très vite et qu'ils n'auront pas vraiment le temps d'attaquer. Oui, ça va bien se passer, même si on va être globalement sous niveau. Pas tant que ça quand même. Et là, on va bientôt arriver à un nouveau boss. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que les Albed et les bannisseurs vont attirer Sin et ils vont se mettre à lui tirer dessus avec plein de gros canons, dont un gros rayon laser. Bon, on s'en doute un petit peu, ça va pas bien marcher, parce que bon, on est quand même qu'au début du jeu, hein, donc si on tuait Sin tout de suite... Ça aurait presque pu marcher. Presque. Ça marche. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, bon, c'est que ça va être une catastrophe, évidemment, l'opération, et à un moment, il y a un des squams de Sin, donc les squams, c'est les bestioles que Sin trimballe avec lui, qui va se libérer, qui va nous attaquer, et c'est pour ça qu'on va avoir un combat de boss. D'ailleurs, ils en prennent plein et ils les mettent dans une cage qu'ils électrocutent pour attirer Sin, mais du coup, ça fusionne et ça fait un gros truc un peu dégueu qui a des morceaux de plein de bestioles ensemble, une sorte de monstre de Frankenstein. Problème d'argent apparemment, donc là le TAS dit « moi il faut que j'achète la Sentry Spear ». Enfin la Sentry déformation. L'épée Sentry qui... à initiative, sauf qu'il n'a pas assez d'argent. Et du coup, c'est re le, c'est re le, le,
c'est heureux, le... Il est cassé, encore. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'équipement. Contrairement à d'autres jeux, ici, l'équipement n'apporte pas de stats au personnage directement. Il n'y a pas de score d'attaque. En gros, vous pouvez faire tout le jeu avec la même épée de départ. Du moment que vous faites progresser les stats de votre perso, vous continuerez de taper plus fort. En fait, les équipements ici, ils apportent des compétences. Donc typiquement, avoir une épée qui va infliger sommeil ou poison quand vous allez attaquer. Ça peut être une épée qui va faire des dégâts élémentaires, etc. Donc c'est surtout ça. Ça va surtout apporter une compétence particulière plus que de la puissance brute, en fait. J'espère, parce que donc là ils sont repartis du début de la route, donc si vous aviez pas bien compris ce qui s'est passé, vous allez pouvoir le revoir. Surtout Warkag, la run était déjà un peu curse avant cette intervention à ce problème-là. J'imagine que le problème d'argent c'est lié au fait qu'ils aient rechargé des sauvegardes, mais... Je suppose, oui. J'espère que cette fois-ci, il va réussir à récupérer assez d'argent, là, le TAS. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, en effet, les armes, elles peuvent donner des boosts comme plus 20% de dégâts, mais elles donnent pas des stats fixes. Ce qu'on va peut-être voir d'ailleurs plus tard, puisque quand vous finissez le jeu, vous avez la possibilité d'affronter des boss cachés qui nécessitent d'avoir des équipes qui sont quasiment au niveau max. Ce qui veut dire avoir toutes les stats au maximum. Il n'y a pas vraiment un niveau max dans le jeu à proprement parler, mais c'est vraiment juste les stats qu'on augmente jusqu'à 255 au max. Et à ce moment-là, même Lulu, qui, comme attaque physique, en fait, a une peluche avec elle qui marche et qui va mettre une claque aux ennemis, fera autant de dégâts en gros que Tidus ou Auron avec une énorme épée. Et donc, en effet, même s'il y a des armes plus fortes que d'autres, elles n'influent pas directement sur les dégâts. Ou alors, comme tu dis, ponctuellement, quand elles ont un truc, genre plus 5% de dégâts, quoi. Ouais, c'est ça, je crois qu'il y a 10, 20 et 30. Mais même ça, c'est assez, assez anecdotique, puisqu'au final... Enfin, ça sert quand on joue de manière assez, assez classique, de manière occasionnelle au jeu. Mais au bout d'un moment, de toute façon, ça n'a plus trop d'intérêt d'avoir ces choses-là par rapport à des attaques. Le fait d'avoir forcément l'initiative en combat, on peut avoir des choses qui font des attaques, par exemple, qui passent au travers des boucliers, des ennemis, enfin, de la résistance de certains ennemis, des dégâts élémentaires, il y a plein de choses. Il y a les attaques qui permettent aussi, pour farmer des niveaux, de transférer, d'augmenter, de tripler l'XP, par exemple, qu'on peut avoir sur une arme. On peut avoir des effets morts, plein de choses. Et donc, même si on peut gagner des dégâts, enfin, techniquement de la puissance d'attaque, c'est pas forcément le plus intéressant. Et là, pour gagner des niveaux dans ce jeu à haut niveau, il y a vraiment tout un tas de techniques pour vraiment booster. Parce que si on veut vraiment avoir les persos avec les stats à fond, alors là, des niveaux, il vous en faut des trous zen. Ouais, après les 500 heures à jouer au Blitzball, vous pouvez passer 500 heures au centre d'entraînement de Mien et tuer les mêmes ennemis en boucle pour récupérer de quoi avoir les max en stats. Ouais, c'est même pas en plus, la technique, une des techniques qui est utilisée, c'est même pas que tu les tues, c'est que tu te fais tuer en boucle par les ennemis pour gagner de l'XP, quoi. Ah oui, pour l'XP, c'est ça, faut se battre contre le Tombéry. Tidus, généralement, qui a tué le plus de monde, attaque le Tombéry avant qu'il approche de l'écran, sur les 4 premiers tours où il avance, comme ça il se fait défoncer, il prend genre 50 000 dégâts, et il faut qu'il ait un truc pour que son overdrive, ce soit quand il prend des dégâts, avec une épée qui triple l'overdrive, qui triple l'XP, et qui transforme les points d'overdrive en XP. Et à côté, on a deux persos qui augmentent leur overdrive quand il y a un pote à eux qui se fait taper, avec les mêmes armes, et comme ça, on se fait tuer par un mec. Tidus meurt, on le ressuscite, il remeurt, on le ressuscite, il remeurt, on le ressuscite, on fuit le combat et on gagne 99 niveaux en 2 minutes. Et en une demi-heure, on a débloqué tout le sphérié. Et après, on passe des centaines d'heures à farmer les différents objets qui permettent de remplacer les endroits où ça dit force plus 2 pour mettre un force plus 4 à la place. Et c'est passionnant.
compliqué, c'est de choper les protections avec tous les trucs qui vont bien, donc auto-auréole, ce genre de choses. Enfin voilà, vraiment pour pousser les personnages à fond, pour faire les derniers boss du jeu, il y en a pour des dizaines d'heures juste à faire ça, quoi. C'est un peu abrutissant à la longue. Tu dis, ah, alors, je voudrais avoir le truc qui fait auto-booster. Alors du coup, tu regardes, tu dis, ok, il faut 30 queues de chocobo, ok. Et tu trouves un ennemi qui te permet d'en récupérer 15 en le tuant avec la technique de Riku qui permet de lui jeter de l'argent, mais il faut lui jeter genre 500 000 guilds pour ça. Du coup, tu te retrouves à farmer un autre mec juste pour pouvoir revendre des objets qu'il te donne parce que ça permet de récupérer plein d'argent pour ensuite pouvoir aller battre le gars pour récupérer les objets pour pouvoir faire. C'est un trou sans fin. C'est très compliqué. Juste Gwarkag, là tu disais je note 16 strats pour ma prochaine run. Alors concrètement, à moins que tu aies envie de vraiment faire les derniers boss, les purgatrices, Dark Richter et tout, si c'est juste pour terminer le jeu, laisse tomber parce que tu vas passer plus de temps à essayer de récupérer les armes PC x3 et tout, et à débloquer les ennemis qui vont bien dans le SEM, que à finir le jeu normalement en éventuellement farmant 2-3 niveaux comme ça à la régulière. Une fois qu'on a les armes, ça va vite. C'est quelques heures une fois que tu as les armes, mais c'est, il faut le temps de les faire, ces armes à la con. Tu peux en faire une facilement parce que le jeu il te donne les objets, mais après pour farmer les objets pour les autres armes, pour les autres persos, ça devient vite l'horreur. C'est clair, c'est compliqué. Alors je réponds rapidement à Choubidou. Pourquoi il tue un monstre, s'enfuit? Alors en fait, c'est parce que le but, c'est pas d'avoir de XP, c'est juste de récupérer des sphères pour pouvoir faire progresser le perso. Donc en fait, chaque ennemi a un type de sphère défini qu'il va lâcher à la fin du combat. Donc en gros, il tue l'ennemi qui donne les sphères qui l'intéressent, et puis ensuite il fuit, et il récupère quand même les objets, même s'il n'a pas tué les autres ennemis. En gros, vous gagnez quand même l'XP, les objets des ennemis que vous avez tués, même si vous avez fui le combat. C'est vrai que le jeu est assez cool là-dessus, puisque comme tu dis, ouais, si on a deux ennemis, qu'on en tue un et qu'on fuit, on récupérera quand même le loot de l'ennemi qu'on a tué. Bon, on revient au point où ça a planté il y a 10 minutes, là. C'est bon, on stresse. On va voir si moi, je stresse. Il faut. And Waka gets really, really annoyed at je sais pas combien de thunes il a, mais... en gros, alors rapidement, l'épée qu'il veut acheter, donc l'épée Sentinelle pour Auron, l'intérêt surtout, ça va être, je pense, la compétence initiative qui est dessus, ouais, c'est ça. Qui permet à Auron d'agir forcément au début du combat. Parce que Auron, de base, c'est un personnage qui est très lent. Et avec initiative, bah, ça lui permet de vraiment d'avoir un tour d'action au tout début du combat, quoi qu'il arrive. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on met Auron. Donc, on parlait du fait qu'Auron s'en servait pas du tout. On s'est trompé, puisqu'en fait, on va le voir de manière générale dans les combats. On va commencer le combat. Auron va être là. Qu'est-ce qu'il y a assez d'argent? Oui. Ok. Et donc on commence ce combat avec Auron dans l'équipe, comme ça Auron a l'initiative, on change Auron pour Tidus, Tidus suit, on remet Auron dans le combat et on est parti pour le combat d'après. Enfin on remet Auron en premier et ainsi de suite pour jamais se faire embêter. Sur Guy, hein, le boss. Donc. Power Break qui permet de diminuer sa défense, petite technique toujours sympa de la part de Tidus. C'est ça. C'est un boss avec un corps en 4 parties, donc il y a le corps central, les deux pinces sur les côtés et puis la tête. Donc normalement, en fait, quand on attaque le corps, il y a les pinces qui se mettent devant pour protéger, donc il faut d'abord détruire les pinces, puis attaquer le corps, sauf qu'elles repoussent au bout d'un moment, etc. Bon, là, on n'a pas vraiment le temps. On a suicidé Kimari avec son overdrive kamikaze pour faire déjà des gros dégâts sur le corps, et on va finir le tout avec un petit overdrive de Valfort. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les stats des chimères, donc là, notamment Valfort, hein, qu'on utilise depuis le début, RIP Chicken, donc les stats de Valfort qui sont indexés sur les stats de Yuna. Donc plus Yuna a de magie, de force, d'esquive, peu importe, plus Valfort va également avoir de force, d'esquive ou de magie.
Ça va être très important pour la suite. Ouais. Autant pour Valfort, c'est pas très très important, mais ça fait quand même qu'il s'améliore. Il est de plus en plus fort, même si il gagne pas lui de niveau directement. Oui. Et voilà, ça s'est très bien passé. On a une possibilité plus tard dans le jeu d'améliorer directement les chimères, mais le problème c'est que ça coûte la blinde d'objets et tout. Enfin, c'est compliqué. Oui, mais là, quand on arrive là, t'es au moment où t'as passé 50 heures pour avoir tes armes, pour avoir tous tes persos niveau max. T'as passé 500 heures à faire du Blitzball, t'as farmé des monstres pour avoir des méga stats pendant je sais pas combien de temps. Du coup, tu te dis, hey, 50 heures de plus à te faire le Toki là, pour qu'il drop 40 sphères par combat et pouvoir les utiliser sur les chimères. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai. Et donc là, on a Lord Seymour dont on vous parle depuis tout à l'heure. Là, vous pouvez le voir parce que c'est pas une cinématique. Et c'est le seul combat du jeu où on joue avec lui. Et où on a donc la possibilité de faire monter sa jauge d'overdrive au max pour voir une overdrive qui sert pas à grand chose et ça prend un quart d'heure et ça vaut pas. Regardez, allez sur YouTube pour regarder ça si vous voulez l'avoir. Évidemment, on fait rien avec les autres persos. Hein. Seymour, il a les magies plus qu'on n'a pas encore à ce stade. Donc ça va clairement beaucoup plus vite de le laisser faire plutôt que d'attaquer avec Auron et tout qui va faire 4 fois moins de dégâts. Ouais, ça va pas faire. Il faudra le même nombre d'attaques de Seymour, pour qu'il tue le boss. Mais on aura eu des animations d'Auron ou de Yuna qui tape en plus, donc ça fait juste perdre du temps. Du coup, on le fait pas. Donc voilà, l'attaque sur Sin a été un désastre. À peu près tout le monde est mort sauf nous parce que nous on est les meilleurs. Et du coup, bah, on dit tant pis, et du coup on continue vers le prochain temple. Après, nous on était là un peu par hasard. Genre, on s'est joint à tout le monde parce que notre but c'est de tuer Sin. Donc on était plutôt pour leur attaque. Mais à la base, on venait pas pour ça. C'est juste qu'ils étaient sur la route, on s'est arrêté. Il y avait des mecs qui grillaient des saucisses, on s'est dit on va prendre un siège, quoi. Oui, c'est ça, c'est juste qu'on ne pouvait pas passer tant qu'ils n'avaient pas terminé, donc bon, bah... On attend. Très bien ici, Kimari qui peut récupérer le souffle qui pétrifie sur le basilisque. Savoir qu'il faut forcément cette attaque-là, donc si jamais il n'a pas de chance et qu'il arrive au bout de la route sans avoir rencontré ce monstre-là, il va recommencer, enfin il va farmer des combats. Donc là on l'a eu en premier combat, donc c'est très bien pour ça. Et ça fait partie des trucs obligatoires de la zone. Ouais, ce sera un overdrive qu'on va utiliser 2-3 fois à un moment précis du jeu pour gagner quelques combats obligatoires. Bon, la route de Joe's, franchement, il n'y a pas grand chose à en dire. Encore une fois, c'est juste un chemin entre la falaise et la mer. Il n'y a pas grand chose, non, je suis assez d'accord. Qui peut être assez relou avec ces ennemis là qui font de la pétrification. Mais qui peuvent aussi, je crois qu'on peut récupérer contre eux en les tuant des armes qui font pétrification. Avec genre 20% de chance. Et ça, c'est assez fort quand on en trouve une, qu'on sait pas trop ce que c'est, qu'on l'équipe et qu'on voit que de temps en temps, quand on tape un ennemi, il meurt automatiquement. Ça fait plaisir. C'est toujours sympa. D'ailleurs, Temple de Joe's, c'est là qu'on va récupérer la chimère Ixion, qu'on va renommer aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne, le renommage d'Ixion, là ? Ah oui, si, c'est renommé Ixion. Ixion, a priori, c'est Charlie qui est en tête. Devant Namikorn. Ça n'a pas bougé. Vous avez plus trop de temps là, je pense qu'il reste pas beaucoup. Si vous voulez mettre un autre nom, faut 26$ minimum pour faire passer Namikorn devant. Mais je suis pas trop, parce qu'on va arriver bientôt dans le temple et ça va être le moment où tout s'arrête. Ouais, je sais pas à quel moment il... Ouais, on est déjà dedans. Le truc. Je vais te demander une petite minute, désolé Miseldar, je reviens vers toi tout de suite. Pas de problème. Il a rechargé une sauvegarde, mais le code reste le même. Oui, le code reste le même. C'est, encore une fois, je répète, c'est pas un TAS traditionnel, c'est un AITAS. Donc l'AITAS, en principe, il sait s'adapter aux conditions du jeu et à des variations dans la partie. Donc c'est pour ça que c'est pas gênant de relancer depuis une sauvegarde, même si c'est pas tout à fait la même, puisque normalement, le code est censé pouvoir s'adapter. Non, c'est pas un TAS traditionnel où vraiment tout doit être réglé à la frame près. Là,
le programme est capable de gérer les petites variations. En principe, bon, vous l'avez vu, des fois ça marche pas très très bien et il se prend un peu les pieds dans le tapis. Mais disons qu'en théorie, il est censé pouvoir gérer tout ça. Donc, Temple de Joes, encore une fois, les temples, c'est toujours pareil. C'est une énigme à base de sphères qu'on doit trimballer et placer dans des trous à droite à gauche. Bon, ici, c'est des sphères. Tout à l'heure, c'était des sphères avec du feu. On a une chimère de feu. Là, c'est des sphères qui font de l'électricité. Essayez de deviner quel genre de chimère on va avoir à la fin. De l'électricité. CSR, ça veut dire Cutscene Remover, c'est ce qui permet de retirer la quasi-intégralité des cinématiques du jeu. Et puis là, on a une petite fenêtre. Ah, là, vous avez vu, il a saisi le nom de Charlie pour la chimère dans la fenêtre. Donc, a priori, c'est Charlie qui a été validé là, pour la chimère qui ne va pas du tout faire de la poudre. Ça sera vraiment un peu trop téléphoné. Il y a galéré sur ce temple. Je me souviens pas, mais qui met tant que ça peut être problème, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de monde à avoir trouvé qu'il était infâme. Après, c'est des souvenirs lointains. Apparemment, il y a le son de nos voix qui déconne encore. Si c'est le cas, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Les interférences de projet. Ça vient pas de nous directement. Enfin, en tout cas, moi, j'entends Michel Dar sans grésillement. J'imagine que c'est pareil pour toi, sinon tu me l'aurais dit. Non, je disais ça parce que je jouais sur le chat, mais après, apparemment, c'est revenu. Ah, c'est genre, la 5G, hein, c'est comme ça. Si jamais ça arrive, on est désolé. Oui. Alors le temple de Joes qui est un peu long parce qu'il faut faire et défaire des trucs sans arrêt. En plus, ça le serait encore plus si jamais on voulait récupérer l'objet bonus, puisque dans chaque temple, en fait, il y a un objet supplémentaire qu'on peut récupérer en faisant quelques manips de plus. Donc c'est complètement optionnel. Bon, l'objet, la plupart du temps, on s'en fiche un peu, même en casu. L'intérêt, surtout, de les récupérer, c'est que ça permet, vers la fin du jeu, d'avoir une chimère supplémentaire. On peut carrément pas avoir la chimère en plus si on n'a pas eu les objets. Faut refaire les temples. En fait, en gros, si t'as pas récupéré l'objet, il faut que tu reviennes refaire le temple. Ouais, faut refaire le temple, c'est ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois, tu vas te taper une chimère purgatrice, quoi. Non, mais ça c'est le moment où tu t'arrives à la fin du jeu, tu regardes sur Internet, tu vois qu'il y a une overdrive en plus pour Valfor dans la queue du chien. Tu dis, ah bah, je vais retourner dans le village de BZ, à la cool. Et tu te fais éclater par le... Tu découvres qu'il y a des chimères purgatrices comme ça, et... Et généralement, c'est un mauvais moment. Tu dis, oh bah ça va, Valfor, je connais. Et puis il te met 9000 dégâts en un hit. Et après, c'est fini. Je pense que le pire, c'est si tu rates l'objet qui permet de faire l'arme ultime de Tidus dans la salle de Yunalesca à la fin. Parce que du coup, t'es obligé de te farcir Bahamut Purgateur et tu l'as un peu mauvaise, quoi. Après, peu importe, je pense que la... Oula. Ça, c'était pas censé s'appeler CE. Ouais, c'était censé s'appeler Charlie. Qu'est-ce qu'il nous fait encore, le truc, là? Bon, y a des petits ratés, visiblement, sur cette Aitas, hein, aujourd'hui. C'est dommage, parce que leur run de soumission, il y avait vraiment... Tout s'était bien passé. C'est clair. Et après, on l'a dit, le but, c'est de montrer, d'avoir une IA qui représente ce que ferait un joueur lambda. Et donc, il y a des ratés. Ça me paraît cohérent. Bah, soit ça, soit c'est Skynet qui est en train de prendre le pouvoir et qui se rebelle. C'est pas impossible non plus. Putain, la révolution qui commence, la révolution des machines qui commence via une run finale. Un jeu dans lequel les machines ont été mises au rebut et sont interdites par la société, ce serait tout un symbole. Profitez bien de ce RPG LB, peut-être que c'est bientôt la fin du monde et que donc il n'y en aura plus jamais d'autres. Dans le doute, profitez-en. Voilà.
D'ailleurs, il y a quelque chose que auquel j'avais pas fait attention. Non, c'est bien Tidus qui fait fuite. J'ai eu l'impression l'espace d'un instant qu'il avait appris fuite à Aon, mais il doit se faire un peu tard pour moi. Non, de toute façon, Auron, je crois qu'on va pas lui apprendre grand chose, à part un ou deux trucs à un moment, mais ça va être juste pour pouvoir téléporter un autre perso à la place. Oui, parce que le sphérier, donc on a évoqué plus tôt, qu'on a vu plusieurs fois où on récupère des sphères. En avançant dans le jeu, on récupère ensuite des sphères qui permettent, plutôt que d'acheter vraiment juste les points de niveau qui sont autour de notre perso, soit ça peut nous permettre de se téléporter sur un autre perso, soit ça peut permettre d'activer des sphères qui ont été activées par un autre perso, et ça va des points de stats qu'on n'est pas vraiment censé avoir. On ne va pas respecter le chemin linéaire. Quand on fait le jeu, normalement, on avance petit à petit, on fait un détour éventuellement pour récupérer 2-3 points de ci, de là, mais globalement, c'est toujours tout droit. Ici, ce n'est pas du tout respecté et ça fait vite n'importe quoi. Oui, et vous allez voir que ça va être vraiment très très utile sur la fin pour améliorer Yuna avec des stats que d'habitude on lui augmente pas vraiment. Ouais, Yuna, le DPS par excellence. Le personnage est là. Le chara-design laissait supposer, de toute façon, un gros DPS. Exactement. Ils ont essayé de nous... C'est comme pour Kipa, où ils ont essayé de nous faire croire que c'était un goal un peu nul, alors que c'est le meilleur attaquant du jeu. Yuna, on nous fait genre, c'est une magicienne, elle soigne les gens, elle est gentille. Mais la réalité, c'est qu'elle soulève de la fonte en cachette hein, depuis le début du jeu. C'est pour ça qu'elle a des très grandes manches, c'est pour camoufler ses biceps. C'est pas possible. Si ? Comment elles sont ces manches ? Non, mais en fait, c'est au niveau des avant-bras, elle a les biceps dans les avant-bras. C'est pour ça que je me dis, où sont les manches, c'est quoi comme genre de muscu ? Ouais, c'est les avant-bras, elle travaille les poignets beaucoup. Exactement. Yuna, championne du travail de poignet. Pendant ce temps, on arrive donc au lac du Sélénos, qu'on va traverser en utilisant le choupeuf, et paf, en plein pendant la traversée, il y a Yuna qui trouve encore le moyen de se faire enlever par les albèdes, hein, on va dire que c'est un fétiche, mais voilà quoi. Et bah combat sous l'eau, Tidus, Waka, et puis on tape encore un gros robot quoi. C'est le trend assez classique avec les albèdes. Combat qui peut un peu mal se passer, plus ou moins, suivant, parce que on n'est que deux déjà, et des persos qui ne sont pas forcément super améliorés. Même si le combat en soi n'est pas très dur, mais il va falloir interrompre le flotteur albède, je ne sais pas comment exactement le nom du boss, mais qui va avoir tendance à prendre de l'altitude avant de nous bombarder avec des mines. Et on va vouloir éviter ça, interrompre le boss quand il fait ça, donc je ne sais pas si ça va pouvoir bien se passer. Est-ce qu'on va avoir l'overdrive de Waka d'ailleurs qui va être exécuté ? Le nom du boss c'est le piégeur albède au passage. I'm pretty sure. Alors là ce que vous voyez, la technique qu'on utilise avec Tidus là, qui est encouragée, c'est une technique qui permet d'augmenter la force et la constitution des personnages. Donc ça permet de taper plus fort et d'encaisser un peu mieux les dégâts. Donc là voilà, le boss se lève. Et en gros là il faut le taper, lui infliger un certain montant de dégâts pour empêcher qu'il lâche sa grosse attaque. Là, hop, c'est bon, on veut l'interrompre, voilà, bon, c'est très bien fait, notamment parce que il y a les dégâts et en plus il y a les temps d'animation. Ça fait plusieurs raisons pour l'interrompre. Vraiment, on va le finir avec un petit overdrive. Alors idéalement ici, on a envie d'avoir une arme électrique parce que, bah, encore une fois, le boss est sensible à l'électricité. Bon, a priori là, c'est pas le cas. Après avoir une arme électrique sous l'eau, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Le fait est que ça fonctionne, hein, donc, donc voilà, là on voit l'overdrive de Waka, je crois que c'est le seul moment où on va l'utiliser. Les overdrives dans l'OTAN, que ce soit celui de Waka, il y a celui d'Oron qu'on a vu une fois, je crois qu'on verra celui de Tidus à un moment donné, mais ils sont assez peu utilisés les overdrives des persos. Celui de Riku, bien sûr, qu'on va voir plusieurs fois, mais... Donc Waka, l'overdrive, c'est une roulette tout simplement. Le premier overdrive qu'on a, c'est une roulette élémentaire, donc on a feu, glace, tonnerre, eau. Et si on aligne les trois, bah évidemment, ça fait, enfin les trois de la même couleur, ça fait plus de dégâts que si on en a que deux ou si on a trois couleurs différentes, quoi.
Et ça permet d'être... deux, ça fait un peu rien. C'est vraiment les trois pour que ça soit utile. Bon, après, le rack de Wakal le plus utile, c'est le deuxième, un compo, qui est quand même super. C'est tellement fort. qui est tellement... C'est vraiment très fort. Donc là, on a battu la machine et on retrouve la nana qui nous avait aidé donc au tout début, donc Riku, bon, qui ce coup-ci a enlevé sa combinaison. On apprend que c'était elle qui était dans la machine et elle demande pas escorter Yuna aussi finalement. Ouais. D'ailleurs, on le sait pas encore, mais Yuna qui est sa cousine. Alors, on le sait pas. Par contre, on se doute qu'il doit y avoir un truc parce qu'on les voit discuter Yuna, Lulu et Riku ensemble. Enfin, elles ont l'air de quand même de se connaître un peu. Riku sait déjà qu'elle s'appelle Yuna avant qu'on ait l'occasion de trop le dire. Elle l'appelle Yuni en plus, comme s'il y avait avec un diminutif. Donc, ça donne l'impression quand même que c'est pas elles sont pas inconnues étrangères l'une à l'autre. Voilà. Donc du coup elle nous rejoint, ils évitent de dire à Waka qu'elle est Albed parce que Waka ne peut pas blairer les Albed. Ouais, Waka il est un peu... Il y a quelques red flags, hein. Il est un peu limite quand même. Ah, c'est le croyant du groupe, quoi. C'est celui qui est « non, il faut respecter les préceptes de l'église, sinon il est là pour nos péchés, etc. » Donc c'est le personnage pieux du groupe, quoi. Et pendant ce temps-là, on va arriver chez les Guado. Donc les Guado, qui sont en fait une race d'humanoïdes très semblables aux humains, mis à part qu'ils ont quand même des grands bras, des grandes mains, enfin voilà, ils sont un peu proportionnés différemment. Et surtout, c'est la race d'où vient Seymour. Alors qu'à moitié, parce que Seymour, il est mi-Guado, mi-humain. Voilà, il est à moitié. C'est pour ça que jusqu'ici, on avait un peu l'impression qu'il était humain. Bon, en fait, il est à cheval entre les deux. Et là, Guado, c'est une demi-heure à peu près le village normalement. Et là, ça va être genre 2 minutes. Bah là, ça va aller vite vu qu'on zappe tous les dialogues. Je pense que c'est le moment où le plus je me suis dit, ah, mais c'est déjà fini. Oui, parce que cette séquence, sans le cutscene remover, elle est assez longue. Il y a vraiment beaucoup de dialogues, on apprend plein de trucs. Il y a Seymour qui nous parle de Zanarkand. Donc, jusqu'ici, tout le monde croit que Tidus a complètement rêvé, enfin, déconne complètement quand il parle de Zanarkand, mais là, il y a Seymour qui nous le montre via une espèce d'hologramme un peu magique et tout. Et là, on se rend dans l'au-delà pour aller parler, parce que Yuna veut aller consulter son père, puisque Seymour l'a demandé en mariage, comme ça, inopinément. Et c'est là qu'on se dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être un mec à la cool, il peut pas nous piquer notre copine. Ouais, voilà, Tidus a l'air d'avoir un penchant pour Yuna, et tout est un peu construit pour qu'on ait quand même une certaine sympathie autour de Yuna et qu'on les imagine un peu ensemble. Pour parler à son père, Auron reste dehors parce que bon, a priori lui ça l'intéresse pas d'aller dans l'au-delà. Ouais, il est pas chaud, il se dit oh, c'est bon, faites vos trucs les jeunes. En même temps, avec son âge, peut-être qu'il a pas envie, il y a peut-être un peu trop de monde dans l'au-delà qu'il a pas envie de voir. C'est ça. Et puis Riku, pareil, elle reste dehors aussi, donc voilà, on y va vite fait. On cause perso, on ressort et on arrive sur la plaine foudroyée. Qui a le meilleur mini-jeu du monde. Perso, j'ai jamais réussi à esquiver les 200 éclairs de suite. Les joueurs. Donc le chevalier oignon, tant pis pour moi, hein, j'ai jamais pu jouer avec. Et j'ai essayé, hein, j'ai pris la carte qui disait où est-ce qu'il y avait le plus d'éclairs, de se mettre derrière un petit caillou pour pas bouger, et il y a juste à faire A et... C'est long, 200 quand même. Pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, en fait, vous voyez ici, quand on se trimballe, de temps en temps, il y a des éclairs qui tombent. Donc c'est averti par un flash lumineux, donc l'éclair lui-même, et ensuite ça tombe. Et il faut appuyer sur X à ce moment-là pour éviter la foudre. Et le truc, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un petit compteur du nombre d'éclairs qu'on arrive à esquiver sans se faire toucher. Et si jamais on veut avoir l'arme ultime de Lulu, on est obligé d'esquiver 200 éclairs à la suite sans en rater un seul. Et c'est super. Et encore, tu dis qu'il y a un compteur.
Mais il y a un compteur dans le jeu, parce que toi, tu le vois pas, le compteur. Donc il faut esquiver les 200 éclairs, mais il faut bien garder en tête pour savoir où t'en es, parce que si t'en esquives 190 et que tu vas voir, et qu'en fait c'était pas bon, bah tant pis pour toi. Je crois que tu peux aller voir, par contre, et revenir, faut, ouais, tu peux pas sauvegarder. Il y a peut-être un truc comme ça. Ah, donc il faut avoir 200 d'affilée, sans sauvegarder, sans en rater un seul, c'est méga chiant. Regardez, voilà, et même le tas n'y arrive pas. C'est pour vous dire. Bon, après, vu les quelques déboires qu'il a eu, ça va peut-être pas vous convaincre, mais... Voilà, moi, surtout pour l'arme ultime de Lulu, où au final, c'est pas vraiment un perso que tu utilises à la fin. Allez, bon, tu dis des choses qui vont pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on fait une petite halte dans un comptoir qui est installé en plein milieu de la plaine. Donc apparemment, il y a beaucoup de passages hein, par ici, il y a beaucoup de tourisme. Bon, on n'apprend pas grand-chose, mis à part que... alors, on a vu Yuna récupérer une sphère en sortant de l'au-delà. En fait, quand on est sorti de l'au-delà à Guado Salam juste avant... Il y a eu un fantôme qui a fait un peu de grabuge, qui a essayé lui aussi de sortir de l'au-delà, enfin, qui avait l'air de vouloir prévenir d'un truc. On a vu Yuna récupérer quelque chose que le fantôme a laissé tomber. Et là, on en voit un aperçu, et apparemment, c'est une sphère qui montre Sir Giscol, donc qui est le père de Seymour. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe exactement, mais il se trame des choses qui semblent un peu douteuses, quoi, même si on n'a pas le détail. Il y a Anguille sous roche, comme on pourrait dire. Alors, petit truc important, en sortant du comptoir, on a récupéré par terre un bouclier ambré. Donc c'est un bouclier qui protège de la foudre pour Tidus. Ça va servir un petit peu plus tard sur un boss. Oui, parce qu'il y a plein de... On a parlé des armes, mais il y a les défenses qu'on a vite fait évoquer qui fonctionnent vraiment comme les armes, sauf que au lieu de leur mettre des compétences qui améliorent l'attaque, c'est des compétences qui améliorent... plutôt qu'avoir une épée qui fait des dégâts de foudre, ça va être un bouclier qui protège plus ou moins contre la foudre. Et il y a beaucoup de choses, notamment là, qui annulent les dégâts de certains éléments, et avoir des trucs qui bloquent la foudre, c'est très très fort dans cette zone-là. Donc on peut avoir des choses qui absorbent les dégâts de foudre, ou un peu de tous les éléments. Et donc là, on est content de pouvoir récupérer certains éléments comme ça, à droite, à gauche. Non, ne t'inquiète pas. Pour les équiper, c'est genre... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste surtout qu'en plus pour les équiper, ça prend 3 frames vu que le temps d'ouverture du menu et le menuing va très très vite. Donc c'est vraiment très, très tranquille. Quoi. Et non, monsieur Choucrème, il va pas esquiver les éclairs. Ça serait complètement inutile. Les objets qu'on a à y gagner sont vraiment pas intéressants pour le speedrun. Et en plus, ça serait méga long, donc c'est pas la peine. Quoi. Et oui, c'est pas un bouclier, c'est une targe parce que y a Tidus a un bouclier, Waka il a genre une coudière, Riku qui a la targe et ils ont chacun leur petit nom de la même manière que Tidus a une épée, Waka il a un ballon, mais vous comprenez l'idée. Hein. On dit bouclier, c'est au sens général un petit peu, on va dire. Et d'ailleurs, dans le jeu, effectivement, enfin en tout cas en français, les targes c'est Riku qui les a et pour Tidus c'est vraiment bouclier que c'est appelé. Ouais, Tidus c'est vraiment bouclier. D'ailleurs, c'est une icône un peu de bouclier comme qu'il a sur le bras, mais. Désolé des petites imperfections qu'on pourrait donner de temps en temps. Donc, forêt de Macalania. Alors là, il y a quelques petits trucs à faire. Donc, déjà, on récupère un peu de thunes dans ce coffre parce que ça va servir. On a pu voir hein, que c'était important l'argent tout à l'heure. Ouais. Et notamment ici, on va vouloir récupérer encore un overdrive pour Kimari, normalement. Je relis mes notes. On va récupérer des sphères aussi. Ah, on a des objets à voler aussi sur les chimères et les élémentaires. Oui. C'est ça, c'est les objets à voler puisqu'on a un prochain boss qui arrive qui est une sphère qui a des très grosses faiblesses à la magie, sauf qu'on ne sait pas, enfin aléatoirement, elle peut être faible à soit le feu, soit l'eau, soit la foudre, soit la glace. Et donc on veut voler avec Riku des objets qui vont lui permettre de faire soit son overdrive, donc qui permet de comboter des objets pour avoir des effets très importants, qui soit une overdrive de foudre, soit de feu, soit de glace, soit d'eau, en fonction de la faiblesse de l'ennemi. Et donc
Même si le plus optimal, ce serait de voler les objets pour une attaque et d'espérer, enfin, une faiblesse et espérer que ce soit ça, on va voler pour pour pallier à chaque situation. D'ailleurs là, vous avez vu que il a fui avec les deux persos, il a laissé Riku sur place et il s'est mis des baffes. Enfin, elle s'est mis des baffes elle-même. C'était pour monter son overdrive justement pour l'avoir à fond. Donc hop, elle se met des claques. Allez, je vais faire des potions. Je me motive. D'ailleurs, au passage, tu en parlais un petit peu tout à l'heure sur le fonctionnement du programme, quand tu disais qu'on s'interdit d'aller lire des infos dans la mémoire qu'on n'aurait pas directement dans le jeu. Bah, ça va être par exemple le cas sur le prochain boss, où justement, c'est notamment pour lui, ouais. En lisant la mémoire du jeu, on pourrait déterminer directement quelle est sa faiblesse. Mais c'est pas une info qu'on a directement affichée à l'écran dans le jeu, il faut qu'on teste le boss en l'attaquant. Et du coup, bah, c'est ce que va faire le programme. Il va jouer comme un joueur normal, il va d'abord tester le boss pour voir quelle est sa faiblesse, et ensuite seulement il va chercher à l'exploiter. Et je sais pas s'ils l'ont codé de manière à ce que il fait une attaque et ensuite il prend la faiblesse dans la mémoire de toute façon, ou si une attaque et c'est basé sur l'attaque qu'ensuite il réagit. Je sais pas comment est-ce que ça marche exactement, mais le résultat est qu'on va... Il va pas tricher un petit peu, si on pourrait dire. Vous voyez interagir avec des papillons. Normalement, c'est un mini-jeu qui permet de récupérer entre autres un objet pour l'arme ultime de Kimari. Évidemment, il avait fait pas le mini-jeu. L'intérêt, c'est que pendant qu'on est sur ce mini-jeu, on n'a pas de combat aléatoire. Donc ça lui permet de finir le petit bout de chemin en étant sûr de ne pas se taper un combat en passant, quoi. Ouais, c'est un combat généralement que ça sauve, c'est pas grand. Et là, on parle à Waka, on en parlait sur le bateau, tu t'avais expliqué qu'on lui avait donné de l'argent pour justement avoir un peu, pouvoir acheter des objets moins chers plus tard. Et notamment, je crois qu'ici, on a pu lui acheter quelque chose moins cher grâce à ce don d'argent qu'on lui a fait au début du jeu. En fait, là, on lui cause, c'est pour... on a une option. On lui redonne de l'argent encore ? Non, on lui donne pas d'argent, mais en fait, on lui dit que ses prix sont trop élevés et ça fait qu'il réduit encore le prix pour les prochaines fois. We just don't want to see, Donc là, typiquement, voilà, Tidus qui a fait l'attaque. On achetait un truc, on quitte tout de suite sans rien acheter. Et puis là, on lui dit, ouais, non, en fait, c'est trop cher. Et il va dire, ok, d'accord, je vais baisser un peu. Donc là, il a fait Thunder. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Il fait une magie. Pour lui faire changer, peut-être. Il a pas de quoi faire de dégâts d'overdrive d'eau. Du coup, il préfère lui faire changer de résistance, parce qu'à chaque fois qu'on l'attaque, le boss va changer sa résistance pour une nouvelle résistance. Is it really gonna soft lock? Okay, no, because it got thunder again. So what happened there is we read in memory what the new element was. Normally you would have. Alors c'est peut-être pour essayer de l'affaiblir un peu. Si. Il le dit en fait, c'est que. En gros, il fait une attaque et basé sur l'attaque, il lit la mémoire et du coup, il a vu que c'était encore haut, donc que c'était encore une faiblesse à la foudre, donc il a refait haut pour le faire changer. Et là, il est d'élément feu, ce qui fait qu'il est faible à la glace et donc il lui a balancé cette méga attaque de glace qui va le tuer. Donc ça triche un peu, mais ça va. C'est valide, on va dire. Donc là, typiquement, ça aurait été un TAS classique. Dès le début, le boss serait tombé sur la bonne faiblesse et on l'aurait exploité direct, ça aurait été réglé en un tour. Typiquement. Il n'aura pas changé grand-chose. C'est un petit peu de temps perdu dans l'idée, mais... Voilà, c'est là qu'on voit les différences entre le TAS classique et l'AITAS. Bah, c'est que l'AITAS, c'est pas complètement optimisé vraiment au poil de fesse, quoi. Des fois, il y a des petites pertes de temps comme ça, parce que le jeu, enfin, le programme est obligé de s'adapter. Alors là, on utilise une sphère clé. Il y a des verrous sur le sphérié qui nous contraignent à suivre un chemin normal. Et on utilise cette sphère pour permettre à Yuna d'arriver sur un autre chemin et notamment d'acheter pas mal de points de force. Là, on voit, elle a pris 2, là, elle reprend 2 points de force à nouveau. Et là, elle prend 4, donc elle vient de prendre 8 points de force d'un coup. Et comme on le disait avant, 8 points de force, c'est beaucoup. Surtout pour Yuna, qui est un des personnages qui en a le moins au début du jeu, enfin, qui en a le moins globalement, hein, parce que Yuna, c'est censé être le mage blanc de l'équipe.
Donc elle a très très peu de force normalement. C'est pour ça qu'on est obligé de lui faire quitter sa route normale sur le sphérié pour lui faire prendre de la force ailleurs. Et encore une fois, je rappelle qu'on le fait. Pourquoi ? Bah parce que les stats de Yuna influencent les stats des chimères. Donc si on augmente la force de Yuna, on augmente la force des chimères qui vont se mettre à taper plus fort. On a aussi fait la même chose avec Kimari pour lui permettre de... Kimari qui d'ailleurs commence un peu au milieu. Et donc même s'il a un rôle de mage bleu un peu de base, on peut aussi lui faire prendre un peu le rôle de n'importe quel perso du jeu. On peut le faire passer sur de la magie noire, de la magie blanche. Et là on a fait ça pour... Enfin il l'a fait passer sur le sphérié de Riku, plutôt la partie de Riku, et il a récupéré la capacité de faire de voler des objets et d'utiliser des objets comme le fait Riku, ce qui fait qu'on va avoir deux personnages capables de faire des vols. Ouais, Kimari en fait c'est un peu le seul perso de l'équipe qui a pas un rôle bien défini dès le début du jeu, où en gros on peut le faire un peu ce qu'on veut. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que c'est pas facile de savoir ça et de se rendre compte qu'on a un perso qui peut être adapté suivant ce qu'on a envie de faire dans le jeu. Mais We have to kill the Negator, otherwise we can't use any magic. Nouveau boss. Là, on arrive au lac de Macalania. On se fait à nouveau attaquer par les Albed, avec cette fois-ci donc le canon. La particularité de ce boss, alors vous l'avez vu, elle a, au tout début, il a détruit un espèce de petit machin volant. Normalement, ce truc-là nous empêche d'utiliser la magie. Donc c'est pour ça qu'on le casse au tout début. Mais quand on joue en casu, l'inconvénient quand on le casse, c'est que ça permet aussi au boss d'utiliser son méga canon. Là, vous voyez. Il y a un contrôle qui s'affiche. Et normalement, en fait, ça, il ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas détruit le seller qui vole. Quoi. Ça empêche de faire de la magie, ça empêche aussi d'utiliser les chimères. Donc, quand on joue au jeu de manière assez classique, on est un peu déçu de ne pas pouvoir, utiliser les chimères, qui sont quelque chose qu'on utilise beaucoup contre les boss. Je ne pense pas avoir été le seul à avoir fait juste. Des combats où on invoque une chimère, on fait son overdrive, on invoque une chimère, on fait son overdrive, parce que c'est très fort. Mais on n'a pas besoin et on refait l'overdrive de Riku qui permet de balancer vraiment des grosses attaques. C'est très très fort, hein, l'overdrive de Riku. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas du tout quelle association de deux objets va avoir quel effet. Donc c'est beaucoup de DC. Ça peut être assez compliqué à utiliser quand on ne connaît pas, mais quand on a les effets possibles de chacune des combinaisons, il y a vraiment des choses qui sont très 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 fortes. Je ne sais plus si on l'a expliqué d'ailleurs vraiment le overdrive de Riku, mais en fait c'est vraiment très simple. C'est on prend deux objets qu'on a dans l'inventaire, et selon les deux objets qu'on a choisis, bah, ça va donner une attaque différente. Je crois qu'il y a en tout il y a 64 résultats possibles de mémoire. Ouais, il y a des trucs très logiques du style, bah là on a utilisé c'est un objet qui permet de faire un dégât de foudre, si on en cumule deux, ça fait plein de dégâts de foudre de suite. Il y a des trucs où on va pouvoir cumuler deux potions et ça va faire par exemple une super potion, je sais pas si c'est exactement ça, mais vous voyez l'idée. Et il y a des objets un peu, on sait pas trop à quoi ça correspond, qui font des effets un peu particuliers, un peu des choses qu'on peut pas forcément deviner comme ça quand on connaît pas. C'est un peu la cuisine dans Breath of the Wild où tu prends deux objets un peu au pif et tu te retrouves avec un poulet rôti. Ça peut être très puissant, mais il faut savoir quels objets combiner, quoi. C'est un peu ça le problème. Et pendant ce temps-là, là, vous voyez qu'on est en train de bien améliorer Tidus, encore une fois, avec pas mal de force. Parce que là, un petit temps, Tidus, ça va être notre combattant principal. Ouais, là, Tidus, il a dû prendre 10 points de force, voire plus même. Là, ça va faire 4 de plus, donc il doit être 14 ou 16 points de force en plus. C'est vraiment... C'est peut-être genre 1000 dégâts en plus. C'est énorme. On a même utilisé la sphère qu'on avait récupérée pendant le combat de Blitzball au tout début. Enfin, au tout début. À peu près après une heure de run. Pour avoir les plus 4 points de force en plus de tous ceux qui étaient déjà présents sur le sphérié. Et on va pouvoir affronter Seymour. Je ne sais pas si tu veux nous raconter un peu, parce que là, on a appris, en termes d'histoire, pas mal de choses le concernant. Un moment assez important dans l'intrigue. Donc là, on découvre que la sphère que Yuna avait récupérée en sortant de l'au-delà, c'était, donc je l'avais dit, une sphère du père de Seymour, mais là on voit vraiment le contenu de la sphère, et en fait il dit « J'ai été assassiné par mon fils, donc par Seymour, parce qu'il veut devenir maître de Yevon, il a de grandes ambitions et tout, il faut absolument l'arrêter parce qu'il va faire beaucoup de mal. »
Et Yuna nous dit, bah, en fait, si j'avais choisi de l'épouser, c'était pour pouvoir ensuite lui parler et essayer de le convaincre que bah, être méchant, c'est pas bien, que c'est mieux d'être gentil. Mais c'est aussi l'idée que ça, c'est les gens seraient ravis de voir le mariage et que le but de Yuna, c'est un peu de sauver le monde et de rendre le monde heureux. On ne le sait pas encore, mais elle va se sacrifier dans sa quête. C'est une quête dans laquelle elle est vouée à mourir, et donc elle se dit, si faire ça, ça permet d'apporter de la joie au peuple, même si c'est pas quelque chose qui me... Enfin, elle n'en a pas envie à proprement parler, mais ça va avec son ambition un petit peu de... et sa quête d'invoqueur, et donc bah, elle dit oui, malgré tout. Et là, pendant le combat de Seymour, bah, on le tue une première fois, enfin, on a une moche, on l'affronte, et ensuite il invoque la chimère, donc c'est Anima, c'est la chimère qu'on avait vue plus tôt en cinématique, enfin qu'on aurait vu si on avait eu les cinématiques, qu'il avait invoqué dans le stade justement pour détruire tous les ennemis. Et quand tu vois à quel point est-ce que ça défonce tout dans le stade, et que le mec il te la pop devant toi dans le combat, un combat qui est pas facile quand on arrive la première fois, qu'on sait pas trop, Seymour il est loin d'être facile dans le début. Et quand il invoque Anima, on n'est pas forcément trop en confiance. Chimère qu'on peut récupérer hein, par la suite, qui est vraiment assez cool. Ouais, qui est très forte, qui a des overdrives très stylés et qui a un lourd secret. Mais là, Tidus, si t'as pas 5000, 6000, et donc ça va. C'est anecdotique. Enfin, anecdotique, je sais pas si on peut aller jusque dire que c'est anecdotique, mais en tout cas, c'est... ça se passe bien. Dites-vous que là, s'il n'avait pas pris genre les 12 ou 16 points de force en plus, il ferait genre le 2000 max, quoi, en tapant 2000-2500 à tout péter. Autre petite chose d'ailleurs, c'est que quand on bat Anima, Seymour se fait à faire des attaques magiques qui ciblent un perso. Ah voilà, Shiva qui est nommé Nami. Tu l'as vu. Bravo. Je fous. Oui, c'est Moore qui va faire des attaques de magique, et en fait il passe dans un cycle qui est toujours le même, donc il va toujours commencer par foudre, et donc c'est très important d'avoir récupéré le bouclier qui protège de la foudre un peu plus tôt, parce que ça a fait que Tidus a pris 0 dégâts sur cette attaque là, donc ça lui permet, voilà, on le tape, il fait son attaque, on le retape, il meurt. C'est l'intérêt principal du bouclier qu'on a récupéré. Exactement. Quand on joue en casu, en fait on va utiliser plutôt Yuna, qui a des sorts justement anti-foudre, anti-feu, etc., qui permettent d'annuler une attaque de l'élément donné. Et donc en gros, l'idée, c'est que à chaque fois que Seymour va attaquer, ben, on doit se protéger avec la protection contre l'élément qu'il va utiliser, parce qu'on sait exactement dans quel ordre Seymour va faire les attaques. C'est là aussi notamment qu'on exploite bien le côté très tactique de FF10, où on sait exactement quel personnage va agir à quel moment, puisqu'on a vraiment la liste à droite. Ça permet de faire en sorte de vraiment faire venir Yuna juste à ce moment-là pour lancer le bon sort qui va nous protéger, quoi. Oui, il n'y a pas tant que ça d'aléatoire dans les combats. Il y en a bien sûr, mais ça reste assez fixe en termes de quelles attaques sont possibles par le boss. Et la plus grande part d'aléatoire, ça va être qui est-ce qui décide d'attaquer. Mais sinon, ils sont assez bien connus quand même sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire à tel ou tel moment. Et bah, c'est exploité, que ce soit dans le TAS ou dans les speedruns normales, pour réussir à vaincre les boss le plus vite possible, alors qu'on a réussi le temple de... le temple de Macadamia. Faire attention à pas marcher, hein, je crois, sur le petit truc là, qui clignote, qu'on a enlevé, parce que ça rappelle le piédestal sur lequel il y a une des sphères, il faut aller le remettre, sauf que pour le remettre, il faut remettre d'autres sphères, et donc il faut recommencer depuis le début. Mais je crois qu'il y avait eu des soucis du TAS qui marchait dessus à certains moments du développement, mais heureusement, c'est plus le cas. Et à nouveau 4 points de force pour Tidus qui tapait pas assez fort, hein, et il lui manquait un petit quelque chose. Bah, à mon tour, je vais t'abandonner une petite minute, je te laisse en solo. Il n'y a pas de souci. Alors que on va fuir le temple, puisqu'on s'est battu contre Seymour, on l'a tué d'ailleurs, ce qui ne plaît pas trop. Seymour, c'est un maître de l'église, donc on l'a pas trop dit, mais il y a le monde de Spira est gouverné par une très puissante église qui régit un peu tout, qui interdit les machines, qui a tout un tas
tas de dogmes qui sont justifiés par Sin et le fait de lutter contre eux. Chaque peuple, donc il y a Kimari, qui est un représentant du peuple des Ronceaux, il y a les humains, il y a les Guado. Ces trois peuples-là ont un représentant dans l'Église et une sorte de chef suprême de leur race qui les représente là-bas. Donc Zemmour, c'était celui qui représentait les Guado, et le fait qu'ils soient morts, ça leur plaît tellement aux Guado, ils sont pas chaud là-dessus, et donc ils nous poursuivent. On est classé comme des ennemis de l'Église suite à ça, et donc c'est pour ça là qu'on est en train de fuir. En sortant du temple, on avait des Guado qui nous couraient après, mais heureusement, on a réussi à éviter les combats. Et en arrivant sur cette place, sur cet espace là de glacé, où on avait affronté, c'est le même endroit où on avait affronté le robot tout à l'heure, le gros robot Albed, et bien on va se retrouver contre donc deux Guado qui invoquent cette créature. Les Guado, on a vu dans leur ville qu'on avait pu aller dans l'au-delà chez eux, et ils sont capables plus ou moins de manipuler les âmes des défunts. Puisque dans le jeu, quand quelqu'un meurt, comment dire, il meurt pas vraiment. Il y a ses âmes, enfin il y a son âme un peu qui erre et qui a besoin d'être emmenée à l'au-delà. Sans quoi, il risque de reprendre forme et de s'amalgamer avec d'autres âmes pour créer les créatures qu'on affronte depuis le début du jeu. Et donc eux, ils utilisent ça, ils arrivent à manipuler un peu tout ça pour invoquer des ennemis. Et donc là, ce boss qui peut être assez énervé, surtout que donc il y a les Guado qui l'accompagnent, qui survit avec seulement 49 points de vie. Heureusement, il tape très fort. Du coup, élixir qui est utilisé par lui pour le soigner. Ouais. Ça devrait bientôt être bon. Voilà. Alors, je sais pas si tu l'as dit. En fait, s'il laisse le deuxième Guado en vie pour le tuer juste à la fin, c'est pour éviter qu'il ne lance carapace sur le boss en mourant. Non, je ne l'avais pas précisé parce que je ne savais pas trop pourquoi ce qu'il avait fait. J'ai préféré ne rien dire, mais tu fais bien de le préciser. Le premier en fait, normalement, blindage, mais blindage, on s'en fiche. Ouais, voilà, blindage, les dégâts magiques, mais bon, voilà. Mais si on tue le deuxième, en fait, là, il met carapace qui réduit les dégâts physiques et du coup, ben, on mettrait plus de temps à le tuer, quoi. Et du coup, désert. En tombant, donc en battant le boss, on tombe sur on tombe dans la glace dans un lac. Sauf que dans le lac, il y a Sin qui est là, la coule, et il nous emmène dans le désert. Sans essayer de nous tuer ou quoi, juste il nous envoie là-bas. Et il se trouve que, alors au début, on est tout seul, mais assez rapidement, voilà, là, on a Auron qui arrive. On va récupérer notre équipe. Il se trouve que c'est le désert où vivent les Albed, et notamment Riku, donc qui est toute contente de se retrouver là. Ça va être un peu notre objectif de retrouver de retrouver la base Albed qui est cachée dans le désert. Ouais, alors tu vas peut-être me dire si c'est juste moi, mais moi cette transition Macalania Bicanel, je la trouve toujours hyper chelou parce que ça fait vraiment elle sort de nulle part quoi. Bah c'est parce que Sin il nous a emmené là-bas parce que sinon l'histoire elle aurait pas pu continuer. Ma théorie, c'est qu'il y aurait dû y avoir un truc entre les deux, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire correctement, ou ils ont décidé de le supprimer, ou je sais pas quoi, et ils ont recollé ça comme ils pouvaient, parce que franchement, cette transition, elle fait... En plus, c'est pas comme si on atterrissait on a l'impression qu'on arrive sur une plage, mais en fait, c'est juste un petit étang à la con qui fait 4 mètres de large. Après, peut-être que c'est genre, il y a un tunnel énorme et tout, et en fait, c'est genre une île, mais qui flotterait, je sais pas. J'imagine qu'un des côtés, c'est peut-être d'avoir ce... que Sin donnait l'idée un peu que déjà Sin est pas forcément tant que ça agressif, même si ça lui arrive. Là, il est quand même paisible, donc ce qui peut donner des questions de pourquoi est-ce qu'il est pas justement pas agressif là, alors qu'il est censé être juste une engeance de destruction. Comment ça se fait qu'il nous ait pas abattu à ce moment-là? Et avec peut-être l'idée que au fond, il a aussi envie un peu lui-même de que ça s'arrête, du fait qu'il nous emmène là-bas. On est poursuivi par l'Église et il nous emmène au seul endroit du monde qui n'est pas contrôlé par l'Église, justement. Donc, peut-être qu'il y a un sous-texte comme ça. J'essaie de trouver des excuses au jeu, donc je ne sais pas à quel point c'est... Vous serez convaincu par ce que je dis, mais...
En fait, c'est en partie expliqué, notamment le côté non-agression. Ça, c'est expliqué dans le jeu par le fait que quand on est près du temple sous la glace, on entend le chant des priants. Donc si vous avez joué au jeu, vous savez forcément quelle musique c'est parce qu'on l'entend tout le temps. Et en fait, dans le jeu, ils nous disent que Sin, il aime bien écouter cette chanson justement et que ça a tendance à l'apaiser. Et d'ailleurs, ça sera utile vers la fin du jeu pour le scénar. Donc ça explique un peu le côté, là il est pas méchant, il a pas essayé de nous pulvériser. L'autre explication, c'est que bah, comme Sin en fait c'est Jekt il sait que Tidus est là, c'est lui qui l'a amené ici justement pour que Tidus puisse le tuer. Donc bon bah il essaye de pas zigouiller son fils quoi. Et dans cette partie-là, on a Riku qui devient la remplaçante de Yuna un peu, puisqu'on a des nouveaux objets qui sont les sphères, les potions Albed, qui sont très fortes. Déjà, elle peut voler une machine et la détruire automatiquement, donc ça, c'est toujours bien. Mais en plus, c'est des potions qui soignent de plusieurs altérations. Je pense que ça soigne genre de la pétrification, de poison, de la cécité. Ça rend 1000 à toute l'équipe. Ouais, ça, parce que... Là, encore une fois, Yuna a disparu, hein, comme par hasard. Donc là, on a toute l'équipe sauf Yuna, en fait. Et oui, c'est la musique qui fait... J'ai bien interprété, mais... C'est très bien, c'est ça. C'est la musique qu'on entend toutes les 10 minutes à peu près dans le jeu. Ouais, qui est remixée, il y a c'est un thème qui est ensuite adapté sur chaque temple, on l'a à chaque fois, et qui a pas mal de sens dans le jeu, du fait que ça vient à la base, Est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer dans l'explication de la guerre qu'il y a eu entre Bévé et les Anarchans il y a plus de 1000 ans dans le passé qui a conduit à la création de Sin et... Bon, c'est compliqué, mais c'est une chanson qui a beaucoup d'histoire dans le lore de Final Fantasy X. Alors, pourquoi le père de Tidus est devenu Sin? À ce stade du jeu, on ne le sait pas encore, on l'apprendra seulement vers la fin. Donc on en parlera à ce moment-là. Pour l'instant, à ce stade, on sait juste que c'est lui, mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Oui, et tout prendra sens plus tard. De rien. Même si les explications que le jeu donne peuvent parfois être un peu des explications qui servent à faire avancer l'histoire, il y a quand même ce côté où, à la fin, on aura une explication globale sur tout ce qui se passe et les choses, même si elles peuvent parfois paraître un peu arbitraires, ont quand même sens dans la globalité de l'histoire. C'est-à-dire, attention, on utilise Auron pour un overdrive, voilà. Merci Auron, c'était son utilité dans la run, il a tué un ennemi. J'espère que vous avez eu le temps de noter les touches pour si jamais vous avez besoin de le refaire chez vous plus tard. Ça c'est le deuxième overdrive d'Auron, Comet. Donc c'est une attaque sur un ennemi qui fait assez mal. Et si l'ennemi y est sensible, ça peut en plus l'éjecter du combat, ce qui le tue instantanément. Ah, et là on a un petit skip. Normalement on est censé, en marchant, se faire tomber dans le combat. Sauf qu'il y a Riku qui nous suit et qui essaie de passer, elle, de l'autre côté du trou. Et elle poussait si on est au bon endroit, et c'est ce qui s'est passé. Là, il a réussi à se faire pousser par Riku et à skipper le combat. On en verra plus si le incentive pour présenter le showcase de glitch et atteint. Je vais regarder d'ailleurs si c'est... Je crois qu'on était à la moitié à peu près. Là, on est à 1 911 $ sur les 3 000 nécessaires, donc il y a encore 1 100 $ à donner, si jamais vous avez un petit peu d'argent, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner pour cet incentive-là. Il reste à peu près une heure pour le compléter. Et on arrive au refuge Albed, qui est attaqué par les Guado et des monstres qui sont invoqués. Ouais, les Guado, ils sont pas contents, ils sont vénères, ils sont remontés. Il se trouve que Yuna, elle a été enlevée par les Albed. Yuna, elle devait épouser Seymour en plus. Et ouais, ils ont décidé un peu de dire, c'est bon, les Albed, ça va bien. C'est fini, vos conneries. Là, on fait les combats, mais on n'a pas le choix. Ces combats-là, on ne peut pas les fuir, on est obligé de les faire. Et c'est là qu'on utilise
quatre à souffle de Kimari pour les tuer instantanément. Ça va quand même vachement plus vite parce que sinon c'est des ennemis qui ont quand même pas mal de PV. Ouais, ce qui est très fort, c'est qu'avec le Ryuken de Kimari, ça permet de récupérer une jauge d'overdrive pleine, mais on n'est pas obligé d'utiliser l'overdrive que Kimari vient de récupérer, et donc on va un peu farmer les overdrives comme ça pour pouvoir faire le souffle de pétrification. Et donc dans ce refuge, là aussi, scène très importante au niveau du scénario, parce que c'est toujours quand on est en plein combat, en pleine guerre, que c'est le bon moment pour discuter et faire des grandes révélations sur la vie et tout ça. On apprend que si les Albed essayent à tout prix d'enlever Yuna et aussi les autres invoqueurs d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas qu'elle, en fait c'est pour les protéger parce que lorsqu'un invoqueur invoque l'ultime chimère pour détruire Sin, l'invoqueur meurt dans le processus. Donc en gros là on apprend que si Yuna va jusqu'au bout et détruit Sin, elle va mourir avec. Et du coup, en fait il n'a pas trop envie finalement. Ouais, Tidus, il est un peu bouleversé par tout ça. Hein. Lui qui passait son temps à dire à Yuna, trop bien, on va à Zanarkand, t'inquiète, si, on s'amuse. Là, il est un peu choqué. D'ailleurs, si jamais vous faites le jeu, n'allez pas dans cette salle-là tout de suite. Il faut faire demi-tour, là où on a eu le combat contre les deux chimères, pour pouvoir récupérer un objet, un manuel Albed. Parce que donc, les Albed, il y a leur langage, ils parlent une autre langue que nous. Et les lettres sont remplacées. Et donc il y a des manuels qu'on peut trouver qui nous dit le A en fait c'est la lettre K ou le M c'est un B, peu importe. Et il y a un des manuels qui se trouve dans le refuge et ce refuge va se faire détruire. Et donc si on le rate pour toute la partie. Exactement. Et là on a récupéré le... Juste pour finir, on a la possibilité par contre, quand on lance une partie, d'aller récupérer automatiquement les manuels Albed qu'on aurait sur une autre sauvegarde, qui permet de, dès le début du jeu, quand on rencontre Riku tout début, de savoir ce qu'ils disent déjà et de comprendre ce qui se passe. Et ça change pas grand chose, mais c'est un petit détail sympathique, en sachant que s'il vous manque un ou deux manuels, vous devriez réussir à comprendre quand même le sens global des phrases, même s'il vous manque deux lettres. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que du coup nous on comprend ce qui est marqué, mais Tidus lui il comprend toujours pas, donc voilà, c'est marrant. Donc bref, entre temps on a récupéré le vaisseau, donc c'est avec ça qu'on a détruit le refuge, et là on est en route pour Bevel pour aller récupérer Yuna qui, après avoir été enlevée par les Albed, a été enlevée par les Guado qui ont attaqué les Albed. Et en arrivant vers Bevel, on est attaqué par Ifrey, donc qui est le dragon protecteur de la ville. Et du coup, c'est pas un peu le pire boss du jeu quand on fait le jeu normalement? Oh non, franchement, c'est pas celui qui m'embête le plus. Il y a des boss vers la fin qui sont plus... Il est peut-être pas évident la première fois, ça je suis d'accord. Mais après, j'ai trouvé que, ouais, quand je suis arrivé dessus, là, j'ai vraiment un souvenir d'un boss qui m'a pris beaucoup de temps. Alors heureusement, il y a des ennemis quand même qui ont réussi à monter dans le vaisseau. Du coup, on peut s'entraîner contre eux. Mais moi, c'était comme un sacré pic de difficulté. Peut-être pas le pire, mais en tout cas un sacré pic de difficulté à ce moment-là de l'histoire. En fait, ce qui est difficile avec ce boss et qui surprend la première fois, c'est que quand il arrive assez bas en vie, il se lance booster sur lui. Et d'un seul coup, t'as le boss qui attaque deux fois par tour et ça surprend. Ouais, là, sa phase 2, elle est vénère. Bon, là, ça a été. C'est vrai que... C'est pas représentatif de ce que je dis que le boss est très dur. Mais rassurez-vous, hein, ceux qui ont trouvé que Seymour 2 et Seymour 3 étaient pires, ça se passera pareil. Ils vont se faire peut-être même encore plus laver que Ifrey s'est fait laver ici. Mais c'est vrai qu'en casu, c'est pas le boss le plus évident, mais il y a pire vers la fin du jeu quand même. Et donc là, on est arrivé à Bevel, donc dans une super cinématique que vous n'avez pas vue, où tous les persos font du skateboard sur des énormes câbles. Et puis là, on doit gravir les marches en tabassant toute l'armée de Bevel pour atteindre l'hôtel où il y a Yuna et Seymour qui sont en train d'être mariés. C'est le moment où quand on prend une balle dans les combats, on prend 300 dégâts, et si on prend une balle dans les cinématiques, on est mort. C'est ça. D'ailleurs, au passage, les ennemis ici peuvent faire assez mal. Hein. Les mecs qui sont en rouge avec les lance-flammes, ils peuvent faire pas mal de dégâts. C'est pour ça aussi que là, ils prennent... Ils utilisent des grenades soporifiques qu'on a récupérées plus tôt.
pour endormir les ennemis et éviter qu'ils attaquent. Parce que bah, déjà, c'est plus rapide vu qu'ils font pas leurs attaques, mais en plus, ça évite de se prendre des gros dégâts quand même. Oui, parce que même si on les tue en un hit, le simple fait qu'ils aient l'initiative, ils tapent sur tout le groupe et on a quand même pas beaucoup de vie, donc ça peut vite être la galère. Il fait aussi attention à changer l'ordre entre chaque combat, on le voit dans les menus assez régulièrement. Souvent, c'est pour changer les persos qu'il y aura dans le combat, justement, en fonction de qui il va rencontrer, être sûr de pouvoir avoir soi. Donc, quand c'est des lance-flammes, avoir Riku et Kimari qui sont là pour faire justement ces grenades soporifiques. Et ensuite une deuxième grenade pour les finir. Alors que quand c'est des soldats plus classiques avec juste leur un pistolet de base, à ce moment-là, on va plutôt utiliser Tidus et juste faire des attaques. Donc il ajuste ça en fonction de ce qui se passe. Parce que pour le coup, c'est pas des combats aléatoires. Hein. Là, c'est fixe, les ennemis sont toujours les mêmes, on sait ce qu'on va avoir. Donc on peut parfaitement planifier son équipe pour que ça se passe au mieux. Quoi. Donc je prends un tout petit peu d'avance sur l'histoire, justement je profite qu'on a le temps des combats. Donc là en gros on va aller jusqu'à l'hôtel, mais malgré tout ben, le mariage entre Seymour et Yuna va être prononcé. Nos personnages vont être capturés parce que ben, quand même mine de rien il y a toute l'armée de Bevel autour et ça fait beaucoup. Yuna va quand même réussir à s'enfuir en s'envolant sur le dos de Valfor. Ouais, elle saute dans le vide, hein. C'est genre, elle est mariée, allez, salut, je me casse, elle saute par la fenêtre, et heureusement, elle est sauvée par Valfor. Et alors que Riku fait une petite... Pour s'échapper aussi, et on rejoint Yuna dans le temple de Bevel, où on se dit, bah, vu qu'il y a un temple et qu'elle est obligée d'y aller pour pouvoir combattre Sin, bah, elle va sûrement être là-bas, donc on va la chercher dans le temple de Bevel, qui est super chiant. C'est le temple de l'ennui absolu. À jouer, c'est pas si horrible que ça. Genre, on est un peu en train d'essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se passe. Il y a des moments où il faut quand même appuyer sur le bouton au bon moment sur la flèche. Mais à regarder, à faire en speedrun, c'est le moment de l'angoisse. Quand le jeu était fin, sans le mode qui enlève les cutscenes, ici on doit être à peut-être 5 heures de run, un truc comme ça, à ce moment-là. C'est genre plus du double, donc j'imagine qu'on doit être autour des 5-6 heures de run. C'est typiquement le moment où t'en profites pour manger un sandwich, parce que ça fait quand même longtemps que tu joues, tu commences à avoir un peu faim. Et ouais, c'est un peu le moment où il y a... où t'as pas besoin d'être super focus sur ce que tu fais. En fait, ce qui est pénible avec ce donjon, c'est pas vraiment qu'il est complexe, je trouve, c'est plus que par moments, il est un peu frustrant, parce qu'en fait, vous voyez, on est sur un espèce de truc qui avance tout seul, et quand on passe sur un symbole avec des flèches qui permutent comme ça, il faut appuyer quand la flèche pointe dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'il y en a une à un endroit où la flèche bouge assez vite, et surtout, c'est un endroit où nous, on avance très vite, et des fois... T'as pas le temps d'appuyer sur le bouton quand la flèche est dans la bonne position, que tu tombes dans le vide et que tu recommences au début et t'es obligé de faire ça 4-5 fois avant de réussir à choper la flèche dans la bonne position. C'est hyper gonflant, quoi. Ouais, et puis à tous les moments où même si quand tu commences, tu sais pas où est le bon chemin, et du coup t'en testes un, et si c'est pas le bon, faut aller au bout du chemin, comprendre que c'était pas là, revenir au début, tester l'autre chemin, comprendre ce qui se passe, voir qu'en fait il faut que tu utilises... Tu récupères un objet, tu comprends qu'il faut l'utiliser, mais tu sais pas où. Et c'est pas un labyrinthe qui est particulièrement plus compliqué que les autres labyrinthes qu'on a vus jusque-là. Mais il y a tout ce passage avec les tapis roulants qui apporte pas mal de lenteur et qui font que c'est de loin le temple le moins agréable, je dirais, à faire. Ouais. Alors c'est aussi le seul auquel on ne peut pas revenir après. Plus tard dans le jeu, tous les autres temples, on peut y remettre les pieds avec plus ou moins de difficultés. Mais celui-là, c'est impossible d'y revenir. Et d'ailleurs, ça fait qu'il y a bien un objet secret à récupérer dans le temple, mais il y a l'objet qui nous permet de récupérer la dernière chimère du jeu. Lui, on la récupère forcément, il est devant nous en fait en sortant du temple. Il y a un coffre qu'on ouvre et il y a un symbole particulier qui s'affiche. Et c'est potentiellement même la première fois qu'on rencontre qu'il y a ces symboles là dans le temple. Mais on peut pas revenir en effet comme tu dis. Bah, c'est expliqué avant hein, au premier temple qu'on dit voilà il y a un petit bonus si jamais vous utilisez la sphère machin
Mais bon, là, pour le coup, oui, il est vraiment sur le chemin. On ne peut pas le rater, heureusement, parce que sinon, bah, ça fait que on n'aurait pas la possibilité de récupérer cette chimère à la fin. On s'en reste un peu. Autant le manuel d'Albed qu'on peut rater dans le refuge, c'est pas forcément super cool, et ça aurait, je pense, c'était mieux qu'il n'y ait pas ça. Autant si on pouvait perdre une chimère comme ça, ça aurait quand même été pas cool de la part des développeurs d'avoir fait ça. C'est clair. Bon, ce temple, voilà, il n'est pas encore fini. Hein. Globalement, ça dure à peu près 6 minutes, hein, mine de rien. 6 minutes, quand on sait exactement ce qu'il faut faire, etc., dans le bon ordre. Alors, la première fois en casu, quand vous savez pas... Oui, on y passe une demi-heure. Il n'y a pas de sauvegarde, en plus. Hein, donc, on rentre dans le temple, on dit, bon, ça va être l'heure d'aller manger. Mais attends, faut que je sauvegarde. Mais non, t'éteins la console, on va manger. Là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse absolue, ce moment. It's a timing mini game, and if you mess up the timing, you're just gonna. Je suis pas sûr qu'il y ait une sauvegarde d'ailleurs entre l'attaque de Bevel là, quand on a battu tous les gardes et ce temple. Si, il y a une sphère tout à l'entrée du temple avant de descendre. Heureusement. C'est vrai, dans les escaliers, autant pour moi. Oui. Parce qu'en plus, l'attaque de Bevel et tout, là on les a pas vus, mais il y a plein de dialogues, il y a des cinématiques et tout. Enfin, il y a pas juste les combats quoi, c'est long donc. Oui, un Final Fantasy X qui fait partie de ces jeux où, avec les cinématiques, on peut aller... Il y a des pauses où on peut facilement aller prendre... aller aux toilettes, voire... On peut prendre une douche au milieu de la run, hein, si on va assez vite. Bon, je vais prendre un petit peu d'avance pendant ce temps-là sur l'histoire, pendant que le temple se termine. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va bien retrouver Yuna... à la fin du temple, où on va d'ailleurs récupérer la chimère Bahamut, qui va être renommée en cupcake, a priori, à moins qu'il y ait un gros don qui débarque bientôt. Ah, non, mais je pense que c'est trop tard, puisque ils étaient censés bloquer les noms des chimères à l'entrée dans les temples. Okay. Bon, donc, a priori, À moins que ça ait changé, mais je crois qu'ils avaient dit même peu importe la durée du temple. Dans l'idée, il faut qu'ils s'y prennent une minute avant à peu près hein, pour être tranquille. Mais je crois qu'ils avaient dit que ce sera au début du temple, comme ça fait un moment fixe un petit peu. Et peut-être que oui, peut-être que non. Il a raté le P. Il a give up. Il s'est dit non, mais c'est bon. Et ça n'existe pas, votre mot là. Il y a des lettres qui n'existent pas. Allez, salut. Bon, bah, après ceux, on a QA. Et bah, voilà, soit. Donc, j'étais en train de dire, donc on récupère Yuna, mais à la sortie du temple, on se fait capturer, hein, parce que évidemment, les ennemis nous ont attendus dehors. Et on se fait juger donc, par l'église de Yevon, donc, qui est le pouvoir suprême de Spira. Et en gros, on est plus ou moins condamné. Donc, Yuna est envoyée dans le Via Purifico, donc c'est l'endroit où on est. On est condamné à mort, mais. Genre, c'est pas genre il nous tue. C'est genre vous êtes condamné à mort, donc on va vous balancer dans les égouts. Et vous allez mourir là-bas, mais si vous mourrez pas. Enfin, ça a pas trop de. C'est un peu chelou quand même cette histoire. Le plus important, c'est que. On va acheter plein de sphères force avec Yuna maintenant. On utilise plein de sphères un peu spéciales qu'on a récupérées pour se téléporter sur d'autres persos et acheter de la force. Acheter. Plein de force, éventuellement de l'agilité aussi, mais surtout on achète de la force parce que chaque point de force pour Yuna, ça revient à 4 points de force en plus pour Bahamut. On le disait tout à l'heure, les stats des chimères sont basés sur les stats de Yuna. Et grâce à ça, ça permet d'avoir un Bahamut qui est d'une puissance. Une puissance raisonnable. Ouais, bah vous allez le voir bientôt. Et pour terminer sur le petit point histoire à Bevel, parce qu'on apprend encore d'autres trucs, déjà on va. En gros, pendant le procès d'Yuna, elle va dire non, mais regardez, Seymour, il est là, mais en fait, il est mort, on l'a tué, machin, tout ça, il devrait pas être là. C'est un fantôme, c'est un errant, hein, c'est comme ça que sont appelés les défunts qui restent sur Spira sous forme spectrale après leur mort. Et elle dit, c'est un errant, il ne devrait pas être là, il faut l'envoyer dans l'au-delà. Et là, on a Monseigneur Maika, donc, qui est le chef de Yevon, donc le chef de Spira, qui dit,
Ouais, bah, Seymour, c'est un errant, mais moi aussi, en fait. Moi aussi, je suis mort, mais pas vraiment. Donc, la peste. À ce moment-là, il y a le chef des Ronso qui voit ça et qui fait comment ça? Comment ça, vous êtes tous morts? C'est quoi cette histoire? Et lui, il était pas trop au courant, le pauvre. Exactement. Et donc, du coup, on se rend compte que, bah, en fait, c'est un petit peu caca tout ça et que, bah. En gros, Yuna, elle va être exécutée en tant qu'hérétique. Bon, heureusement, c'est une exécution en scénarium. Donc, c'est une exécution où on t'exécute pas vraiment. Ouais, c'est ça. Juste, on te dit, vas-y. Ils vont certainement mourir si on les met ici. Ils vont se faire tuer par tous ces monstres. Il y a pas de souci. C'est au moment où on comprend que l'église, elle est vraiment pas claire. Ça commence peu avant, quand on arrive à Bevel, où ils utilisent des armes à feu, alors que techniquement, les armes à feu, ça fait partie des choses que l'église interdit. Ils ont des ascenseurs, il y a plein de machines dans leur ville, alors que l'église l'interdit. On apprend plus que les gens sont... Enfin, que les chefs de l'église sont des personnes qui sont mortes, techniquement. Donc, il y a quand même un certain nombre de... On sent que l'église n'est pas nette. Ouais, et puis bah, il suffit de voir le temple où t'as des tapis roulants, laser, flashy, qui montent et qui descendent dans tous les sens. Enfin, voilà. Le Kagan, j'avais dit qu'on ne jouerait pas avec Ifrit. J'ai dit qu'on ne les verrait qu'en ennemi. Là, le Ifrit, c'est pas nous qui l'invoquons, c'est Isaru, donc c'est l'invoqueur que l'église a placé à la sortie du Via Purifico pour nous empêcher de nous enfuir. C'est lui qui a invoqué Ifrit, ce n'est pas nous. Nous n'invoquons pas Ifrit. Nous n'avons pas menti. Oui. Et on a vu Ixion, c'est le seul moment de la run où on le verra, sauf à la fin, où, pour être tout à fait précis, on réaffrontera chacune des chimères qu'on a, et donc on les reverra à ce moment-là, mais ce ne sera pas nous qui les utilisons. Parce qu'il y a cette règle un petit peu, les chimères, elles naissent de la prière de personnes qui sont sacrifiées pour leur donner corps. C'est un peu des projections de l'esprit qui sont basées comme ça sur ces priants. Et donc, il peut y en avoir qu'une seule à la fois. Donc là, le fait qu'on utilise Bahamut, c'est pas possible pour Isaru d'utiliser Bahamut contre nous. Dans ce combat-là, lui, il invoque Bahamut, et donc à ce moment-là, on n'a pas Bahamut, nous, à utiliser. À chaque fois, c'est pas possible d'utiliser une chimère, enfin d'avoir les mêmes chimères qui s'affrontent à cause de ça, elles peuvent être qu'à un seul endroit à la fois. Alors, il y a Sianar qui dit « J'ai vu un Vaka ». Oui, exactement, parce que comme on l'a vu, ligne de la force, une fonction de la force de Yuna, mais il en gagne plus vite que Yuna, et comme là, Yuna, on lui a blindé la force beaucoup plus que ce qu'elle devrait, Bahamut, il profite encore plus, et surtout Bahamut, c'est la seule chimère qui, de base, est capable de faire plus de 9999 de dégâts. C'est vrai qu'elle a ce bypass initialement, et puis, comme on l'a dit, Yuna, elle a été à la salle. Hein. Tout le moment où on ne l'a pas vue, elle s'est fait enlever par les Albed, tout ça, elle a été retenue pendant au moins un quart d'heure dans leur cave avant qu'on puisse venir la sauver. Elle a profité de tout ce temps-là pour se reprendre un peu en main, se refaire une petite condition physique, et ça permet à Bahamut d'être d'une puissance démesurée. Si ça fait longtemps que vous avez vu les Final Fantasy X en speedrun, vous vous rappelez peut-être de la route où on allait récupérer les objets qui permettait avec l'overdrive de Riku de faire 9999 par hit et d'abuser ça pour faire des combos de 9999 dégâts, d'utiliser des pierres de magie qui font 5 attaques de suite pour faire du coup 50 000 dégâts d'un coup. On va moins voir ça ici, puisque Bahamut, ça fait des 24 dégâts dès qu'on l'a et il va continuer à être un petit peu fort au fur et à mesure de la run. Et là, on retrouve l'équipe Tidus, Waka, Riku, qui eux, au lieu d'avoir été balancés dans le Via Purifico, ils ont décidé de les balancer dans la flotte. Alors, coup de bol, les trois persos qui balancent dans la flotte, c'est les trois qui peuvent nager. C'est quand même pas de bol de se dire, on vous condamne à mort et on va mettre dans l'eau ceux qui résistent à ceux qui peuvent survivre dans l'eau. Mais bon. Quand même, franchement, pas de chance. Hein. Et là, le fantôme du dragon effraie qu'on a affronté juste avant sur le vaisseau, la différence, c'est qu'ici, c'est un mort-vivant. Et les morts-vivants, bah, pour les tuer, il y a un truc très simple. On leur balance. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il est en train de bugger un peu, là, je crois, le TAS.
Parce que normalement, il aurait dû mourir directement, là, le fantôme. On est d'accord que. Il n'est pas censé mourir ici. Tout ceci était prévu. Tout ceci est parfaitement normal. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est la fin B où l'église gagne. Je crois qu'on fait. Ça, en fait, c'était pour vous montrer ce qui se passe. Et là, on continue, mais on continue. On n'a plus Tidus, Riku, Waka. Il nous reste que les quatre autres. Les trois autres, plutôt. Pour continuer l'aventure. Cette IA est une IA professionnelle. Elle sait ce qu'elle fait. N'essayez pas de refaire la même chose chez vous. Ouais, ok. Et du coup, il va skip le combat. Bon, normalement, le combat, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une altération dans le jeu qui existe, qui est l'altération zombie, qui inverse les soins. C'est-à-dire que ça, c'est assez classique. Si vous faites un soin sur un zombie, il prend des dégâts à la place. Et ici, il se passe que si on fait une altération comme Queue de Phénix, qui est censée ressusciter les gens, si c'est un zombie, ça le tue. Et donc, il suffit d'utiliser une queue de phénix pour le tuer. C'est pour ça que c'était assez bizarre qu'il soit pas mort immédiatement, le boss. Et donc, ils ont décidé, pour un peu gagner du temps, on va dire, de repartir de la sauvegarde qu'on atteint juste après avoir battu le boss. Donc, tant pis pour ce combat de boss. Yuna qui a repris, j'ai pas gardé exactement, 10 points de force peut-être, 15 points de force. Ouais, j'ai pas fait attention, mais bon, globalement, maintenant, l'idée, c'est que Yuna, on va la blinder en force. Là, vous voyez, Yuna, elle fout un coup de bâton, elle tue un truc à 3500 avec un overkill. Normalement, elle fait pas ça, elle fait pas 3500, normalement, elle fait 35 de dégâts. Avec son petit bâton qui a pas du tout l'air d'être fait pour taper, et elle fait quasiment autant de dégâts que Tidus. Et je le redis, hein, chaque point de force pour Yuna, c'est 4 points de force pour Bahamut, je crois, à peu près. Et donc Bahamut va... 20K, c'est un début pour lui, mais il va taper légèrement plus fort après. Il y a une demande si les stats des ennemis sont influencés par les stats de nos personnages. Pas du tout, hein, tout est fixe. Et donc, vous pouvez passer 100 heures à farmer la première île du jeu pour avoir des persos plus forts que ce qu'il y aurait normalement. Et vous allez rouler sur tout le jeu sans aucun souci. Il y a une petite exception quand même, c'est le combat contre les Ronso avec Kimari qu'on verra plus tard. Où eux, pour le coup, leurs stats dépendent un peu de celles de Kimari. Heureusement, parce que sinon, si t'arrives avec un Kimari très faible, c'est compliqué, quoi. Ce qui est d'ailleurs un des combats les plus faciles quand on fait le jeu au niveau 1. Enfin, il y a pas mal de combats faciles en réalité dans le jeu niveau 1, mais c'est le moment où on a peur, et heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sinon... Je pense qu'ils se sont dit, il y a sans doute pas mal de personnes qui vont pas forcément utiliser Kimari, vu qu'il a un fonctionnement assez particulier, d'être un peu un perso de backup qui peut prendre les rôles des autres et que ce soit pas forcément clair. C'était combien? C'était 20 000? J'ai pas vu là combien il a fait ce coup-ci. Non, il a fait un petit critique à 71 000. Ah, c'était 71, je savais pas si c'était 7000 ou... Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'était le deuxième combat contre Seymour, j'espère que vous avez apprécié. Bah après, il y avait des personnes qui disaient que Seymour 2, c'était un des pires, et je suis d'accord que c'est un autre gros difficulté, en tout cas dans mon ressenti, mais le speedrun ne rend pas vraiment compte de ça. Moi, c'est plus le troisième qui me pose problème. Ouais, le 3 est horrible, mais si on devait faire un classement des plus durs, je pense que je mettrais le 3, effrayé le 2, peut-être pas exactement, mais c'est les boss que je trouve les plus durs dans l'ensemble. Après... lequel est le pire? Le 3 est bien horrible aussi. Ouais. Ce qui est problématique avec le 3 surtout, c'est que quand tu meurs, tu te retapes 5-6 minutes de blabla avant, quoi. Ça c'est vrai que c'est un... C'est un des trucs qui fait que le jeu a quand même pas mal vieilli. C'est le fait de pas avoir... Enfin, d'avoir comme ça des sauvegardes, 5 minutes de cinématique et le combat de boss. Le pire, je pense que c'est contre Yuna Leska, oui, qu'on a à la fin. Ou si on perd contre elle, déjà, il y a 3 phases. Et ensuite, il faut se retaper toute la cinématique avec Waka qui dit « Heaven in death, yo !» Et c'est un peu l'angoisse. Le problème en plus, c'est qu'ils n'ont pas profité de la version remaster sur PC, donc qui est la version qu'on joue ici, pour mettre un bouton pour zapper les dialogues. Il y a quelques cinématiques dans le jeu. Non, mais ouais, parce qu'ils ont essayé. Mais plutôt que de faire en sorte qu'on puisse skipper toutes les cinématiques, on peut skipper
clipper certaines cinématiques qui sont avec les images en pré-rendu. Et on ne peut pas toutes les skipper. Mais du coup, dans le speedrun, sur la version PC, tu vas vouloir faire apparaître le menu qui te permet de skipper les cinématiques sans skipper la cinématique pour que plus tard, il y ait une cinématique qui est plus longue mais qui n'a pas normalement le menu pour skipper la cinématique, que le menu apparaisse dedans grâce à ça et que tu puisses skipper cette cinématique-là à la passe. Mais ça ne marche pas sur certaines qui font crasher le jeu si tu les skips en utilisant cette technique. Et c'est un bordel, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens, le skip de cinématique sur Final Fantasy X. C'est un bordel total, mais il y a un truc important à raconter ici, là, dans la pleine félicité, puisqu'on a une manipulation assez importante qui a lieu. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ouais, j'allais y venir. Alors, juste avant, je vais répondre vite fait à une question que je vois dans le chat. La mort de tout à l'heure, non, elle n'était pas volontaire sur le boss dans l'eau. Et est-ce que ça invalide la run? Bah, de toute façon, la run... on n'en est plus là. Avant, donc elle était invalidée depuis longtemps. Hein. Ça... Puis, de toute façon, encore une fois, c'est pas un joueur humain qui joue, là, c'est un programme. Donc il n'y a pas d'histoire de valide ou non, quoi, si tu veux. Si le programme arrive à se dépatouiller, quoi. Si on fait deux fois 35 000 dégâts, ça compte comme 70 000 ou pas? Bah oui, on peut dire. Donc oui, la petite manip qu'on fait dans la pleine félicité. Donc là, il fait des petits trucs dans les combats. Là, le but, en fait, c'est de manipuler l'aléatoire du jeu pour pouvoir ensuite choper un équipement spécifique juste après le boss qu'on va voir bientôt, là. On vous a dit tout à l'heure, les équipements, ils ont tout un tas de propriétés différentes. Et notamment, il y a une propriété qu'on peut avoir sur certains équipements, qui est la propriété sécurité, qui permet d'enlever complètement les combats aléatoires. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de choper sur un des ennemis qu'on va pouvoir croiser dans une zone optionnelle qui est juste derrière. Et pour essayer, pour maximiser les chances d'obtenir l'équipement sécurité qu'on veut, là on manipule un peu l'aléatoire en faisant quelques trucs pendant les combats, en faisant en sorte qu'il y ait un perso qui meurt, machin, etc. Et tout ça, c'est pour maximiser les chances d'obtenir un équipement avec sécurité après. Ouais, on manipule trois valeurs. Il y a une valeur qui va faire qu'il y a un objet qui va apparaître à la fin du combat, pour être sûr d'avoir un objet qui apparaît. Et on va manipuler... Ouais, je sais plus ce qu'on manipule d'autre. Mais il y a surtout la valeur qui permet de manipuler le fait qu'il y ait un objet qui apparaisse. Et en affrontant le bon ennemi, on devrait récupérer sécurité. Est-ce que c'est un TAS ou pas? C'est pas un TAS conventionnel, dans le sens où on n'est pas sur un fichier avec des inputs qui sont lus simplement par un robot. Là, c'est un code qui interprète les données du jeu pour savoir ce qu'il fait. Maintenant, ça reste un TAS dans le sens où c'est un outil qui assiste le speedrun, et même si cet outil n'est pas l'outil conventionnel qu'on voit d'habitude. Oui, et attention, non, Mavor, ce n'est pas un programme qui apprend à jouer. Hein. Il n'y a pas d'apprentissage de la part du programme. Tout ce que le programme fait, ça a été codé à la main par celui qui l'a développé. Il n'y a pas de phase d'apprentissage ni rien, c'est vraiment le codeur qui a dit « Voilà, dans telle situation, il faut que tu fasses ça, s'il se passe tel truc, il faut que tu réagisses comme ça, etc. etc. » Et si jamais ça vous intéresse, on vous dit, mais c'est l'algorithme est disponible sur Internet, éventuellement contactez Coder Wilson, qui est la personne là, qui est au milieu de l'écran sur la caméra, pour voir avec lui si vous voulez des infos ou quoi, mais l'algorithme est disponible et vous pouvez tout à fait le faire runner sur votre jeu chez vous, ça vous amuse. Normalement, il est censé fonctionner avec la version avec les cutscenes aussi, mais vu les petits soucis qu'il y a eu là ce soir, c'est possible que ça ne fonctionne pas parfaitement. Mais voilà. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est bien au-delà de ce qu'on pourrait vous expliquer dans le détail pour un commentaire comme ça. Ce serait trop compliqué, ce serait imbuvable. Mais vraiment, si vous êtes intéressé là-dessus, les ressources sont disponibles. C'est pas quelque chose qui est fait en secret dans un coin par des gens qui veulent pas montrer. Et donc là, on est dans la zone dont je vous parlais juste avant. Donc là, la grotte où on est, c'est un peu nul, là. Qui sert normalement à récupérer une des trois chimères optionnelles du jeu.
Et là, on y va juste pour essayer de croiser un ennemi en particulier, donc les fantômes, parce que c'est sur ces ennemis-là qu'on va pouvoir obtenir l'équipement sécurité dont je vous parlais. Donc là, c'est pour ça que vous le voyez tourner en rond pour provoquer des combats. Il essaye juste de tomber sur un combat avec un fantôme pour choper l'équipement en question. Donc là, a priori, je sais pas c'est quoi la proba d'avoir un fantôme, mais ah... Ouais, c'est pas un ennemi hyper fréquent. Donc là, on a perdu du temps pour venir ici, mais le fait d'avoir sécurité derrière, comme ça évite tous les combats aléatoires qu'on ne veut pas, bah, au final, ça reste intéressant de le faire. Quoi. Ouais, je sais pas combien de combats aléatoires dans la grotte il faudrait avoir pour que ça fasse perdre du temps au final quand on obtient la sécurité. Par contre, là, je crois que c'est à nouveau... Il bug encore, là. Là, ouais, je crois qu'il y a un problème. Non, ça repart. Il switch de perso à l'infini. Il va summon quelqu'un. Non. Il remet Tidus. Il remet Yuna. Il est perdu. Il a mis Bahamut, c'est bon. Il s'est retrouvé. Il s'est récupéré. En sachant que pour ce combat là il va utiliser Bahamut pour le tuer, on veut avoir Riku et Waka de présents dans le combat, parce que alors le fait que la manette soit déconnectée, je pense, et que le Coder Wilson se tienne la tête comme ça, j'imagine que c'est pas bon signe. Mais on veut avoir Waka et Riku dans le combat parce que l'objet a plus de chances de leur appartenir. Et vu qu'il n'y a que eux deux qui peuvent aller dans l'eau, c'est plus intéressant d'avoir l'objet sécurité sur un perso qui peut aller dans l'eau. Mais alors... J'avais pas compris ça comme ça. Moi, j'avais compris plutôt que c'était le personnage qui achève l'ennemi qui a plus de chances d'avoir l'équipement pour lui. Donc idéalement, c'est pour ça que dans la démo qu'on avait vue, qu'ils avaient envoyée pour la soumission, ils tuaient l'ennemi avec Tidus, justement, à la place. Tidus qui le tuait ? Ah ouais, peut-être, alors c'est peut-être moi qui confond. Parce que... dans tous les cas, il n'a pas obtenu l'équipement. Et puis bah, là, de toute façon, le truc, il est planté, donc il va falloir qu'il charge une sauvegarde, là, donc... Oui, parce que c'est une manipulation... qui n'est pas garanti. Alors non, c'est pas mort parce que techniquement on peut finir le jeu. C'est pas mort parce que de toute façon ils partent, ils ont un peu give up de toute façon. Il y a trop de retard. L'estimate de 3h20, même si il y avait l'air d'avoir de l'avance quand même sur le marathon, donc en soi c'est pas dramatique s'il y a un petit peu de temps. De temps de perdu, mais là ils ont chargé la sauvegarde. En fait, une fois qu'on récupère l'objet, on sort de la grotte, on fait 3 pas et on arrive au pied de la montagne, et donc ils ont chargé depuis la sauvegarde de la montagne, ça a pas l'air d'avoir tout débloqué. Du coup, vu que là ils ont chargé la sauvegarde, je sais pas si dans la sauvegarde ils ont l'équipement sécurité ou pas. Je pense qu'ils l'ont. Le truc là, c'est que la zone, donc le mont Gagazet, où on a vraiment une zone très longue et on tape énormément de combats. Mais non, mais il a pas skippé jusque là quand même. Ah purée, il a zappé tout le mont Gagazet là. C'est dommage parce qu'on n'aura pas vu, on voit même pas Seymour 3 qui se prend un coup de poing et qui meurt. Attends, Seymour, il est avant ou après là, Il est avant. Ils ont... Là, pour le coup, ils sont partis de la sauvegarde d'après le mont Gagazé. C'est vraiment dommage parce que la run qu'ils ont proposée, et c'est pas la première fois qu'ils le font, qu'ils run le truc, que c'est proposé en marathon, et de manière générale, enfin même le fait que ce soit accepté au marathon là et que ça a été déjà montré avant, ça marche normalement quand même vraiment mieux que là. Là, je saurais pas dire pourquoi, bien entendu. Mais c'est vraiment dommage que le jeu s'en sorte pas mieux. Et vu qu'il n'y a pas eu de combat aléatoire depuis qu'il a relancé la sauvegarde, je pense qu'on peut dire qu'il a la protection et qu'il n'avait pas droit tout à l'heure. Il doit même l'avoir sur un des 3 persos nageurs, après. Ouais, c'est sûr.
which is a lot more difficult than it would seem. Ouais, non, bah, je parie. Peut-être qu'ils ont voulu faire un petit ajustement de dernière minute dans le programme, et puis ça a tout déréglé, je sais pas. Ouais, Vous pouvez aller chercher sur YouTube, si vous tapez FF10 Aitas, vous pourrez, vous allez simplement sur la chaîne de Coder Wilson, vous pourrez voir le task qu'il a soumis. Qu'il a soumis pour le RPG LB, justement, et bon, ça marchait bien du début à la fin, quoi. Avec pas mal d'explications, bon, la plupart, il y a pas mal d'explications qu'ils ont indiqué qu'on a repris un... sans vergogne, pour ce marathon, enfin, pour vous commenter ça aussi. Mais voilà, il y a pas mal d'explications, parce que c'est une run de soumission qu'ils ont fait, notamment. Ils expliquent aussi pour les personnes qui vont savoir si on propose la run ou pas. Avoir des... savoir ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment dommage, parce que c'est quand même beaucoup de travail qu'ils ont mis dans tout ça, et je pense que pour eux, il y avait beaucoup de stress de le proposer et de voir que ça se passe pas aussi bien, surtout qu'ils l'ont testé pas mal de fois avant et que ça se passait bien mieux. Je pense que il doit y avoir pas mal de déceptions de leur côté, c'est un peu dommage. Ça rend pas vraiment hommage au boulot qu'ils ont fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Et puis on n'a pas vu Seymour 3 se faire one punch, et ça aussi ça me déçoit un petit peu. Effectivement. Alors du coup, vu qu'on a fait un petit flash forward, là je vais me recaler tout ça au niveau de l'histoire, parce que là on commence à arriver vers la fin du jeu, donc on commence à avoir pas mal de révélations sur ce qui se passe. Donc ce qu'on a appris là entre temps, c'est que donc on a vu juste avant la grotte le mur des prix en dehors. Donc on a appris que en fait Zanarkand était bien une cité qui existait il y a 1000 ans. Il y a eu une guerre entre... Après, ça n'a jamais été remis en question. L'idée, c'était vraiment Tidus qui arrive et qui dit « Je viens de Zanarkand » et les mecs, ils font « Non, mais Zanarkand, ça a été détruit il y a 1000 ans. Mais tu viens pas de là-bas. » On est d'accord, mais je veux dire que là, c'est vraiment confirmé. On apprend plus sur ce qui s'est passé, parce que ça, par contre, on savait pas trop ce qui s'était passé. Ouais, et puis Tidus, ça le met aussi face à ça, parce que depuis le début du jeu, on lui a dit la ville, elle est détruite, mais il en vient, et c'est là qu'il va avoir l'occasion de la voir vraiment détruite et de se rendre compte un peu de tout ce que ça... Enfin, de ce qui se passe, quoi. Ouais, donc ce qu'on apprend très très vite, c'est qu'il y a eu une guerre donc entre Zanarkand et Bevel, donc il y a 1000 ans. Donc Bevel qui était la ville machine. Les Zanarkand, c'était une ville où il y avait des invoqueurs, donc qui ont essayé justement de combattre Bevel en utilisant les chimères. Malgré tout, ils étaient en train de perdre. Et en fait, voyant qu'ils allaient perdre la guerre pour essayer de sauver les meubles, ce qu'ils ont fait, c'est que les habitants de la ville se sont sacrifiés. Et ce faisant, en fait, ils ont conjuré une espèce d'invocation perpétuelle de Zanarkand qu'ils ont reconstitué en rêve pour pouvoir continuer de vivre dans le rêve et échapper à Bevel, quoi. Le truc, là, c'est qu'on apprend que, du coup, Tidus, lui, en fait, il vient de ce rêve-là. Et donc, en fait, il n'existe pas vraiment dans Spira. Il a été créé par le rêve des Priants. Le problème, c'est que les Priants... alors, on ne sait pas encore exactement quel est le lien à ce moment-là, mais on comprend que le rêve des Priants est lié à l'existence de Sin. Et donc, en gros, on apprend que si on détruit Sin, les Priants, eux, ils vont arrêter de rêver. Et du coup, bah, ça fait que Tidus, lui, vu qu'il fait partie du rêve, il va disparaître avec. Oui, c'est ça, parce que la prière qu'ils font, c'est une prière qui est faite grâce à Yu Yeven, qui a permis de maintenir Zanarkand dans une sorte de rêve éthéré dans lequel Tidus, d'où vient Tidus et d'où il est toujours lié. Mais c'est aussi ça qui permet à Yu Yeven d'exister. Et du coup, détruire Yu Yeven, c'est détruire le rêve, et c'est aussi du coup détruire Tidus par la même occasion. Ce qui rajoute un peu ce côté tragique à la situation où on a Tidus qui, depuis le début, accompagne Yuna vers une quête où Yuna est prête à se... pour laquelle elle est prête à sacrifier. Ils tombent plus ou moins amoureux l'un de l'autre. Tidus découvre que Yuna va sacrifier, l'accepte pas et se retrouve à sa place, à son tour, à devoir lui se sacrifier pour sauver le monde. Et du coup, il y a une inversion des rôles entre Yuna qui se retrouve à la place de Tidus, de savoir qu'il va se sacrifier. C'est assez intéressant, je trouve, ce qu'ils ont fait là-dessus.
Et j'aime beaucoup ce changement de perspective là, qui arrive à ce moment-là, quand on le découvre petit à petit. Heureusement, Yuna va pouvoir se reconvertir en chanteuse de pop. À ce stade, on n'en a pas entendu parler encore. Ouais, on n'a pas eu tout, mais... Et bon, effectivement, on peut avancer. Je trouve ça vraiment très... C'est cool comme petit truc, même si voilà l'histoire, il y a des moments où il y a des trucs qui peuvent paraître un peu forcés ou autre, il y a des moments où ça a quand même, ça marche assez bien ce qu'il raconte. D'ailleurs ici, quand on est dans cette zone, on sent qu'on arrive vers la fin du jeu, parce qu'il y a un truc au niveau de la musique, c'est que dans cette zone, la musique ne s'interrompt pas pendant les combats, on n'a pas la musique habituelle des combats, on garde la musique de la zone, donc ça met l'ambiance un peu. Hier. C'est tellement... c'est des petits détails de design, mais ça a vraiment beaucoup de force, je trouve, d'effet sur le joueur. Alors qu'on arrive dans le temple Tetris, qui lui, pour le coup, est un peu bidon, j'ai trouvé. Ouais, pour le coup, c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué, mais voilà, il est moins prise de tête. Bon, le principe est très simple, c'est que vous voyez, il y a des formes de Tetris qui s'affichent à l'écran. Et à chaque fois qu'on marche sur une des petites dalles où il y a un point lumineux au sol, ça fait apparaître une forme, justement. Et il faut marcher sur celles qui font apparaître les formes en question. Alors ça a l'air un peu hasardeux au début, mais en fait, quand on observe un peu le truc, on se rend compte qu'on arrive à deviner les formes qui vont apparaître. Ouais, ça va, quoi. On peut se tromper une fois ou deux, mais après, assez vite, on sait où elles sont et ça devient... C'est pas très compliqué. Ça se fait assez bien, c'est juste un petit peu long, voilà, mais... Au final, c'est pas très compliqué. Donc là, on l'a fait une fois. En fait, il faut le faire une fois pour chacun des piédestaux qui sont là. Donc il y en a 6. Donc à chaque fois, il faut pousser un piédestal, aller dans la salle à côté, marcher sur les dalles qui vont bien, revenir, pousser un autre piédestal, etc. Donc c'est pas compliqué, c'est juste un petit peu long et fastidieux. On va pas se le cacher quand même. De devoir faire la... Ouais, les temples dans l'ensemble, ça va, il y en a quelques-uns et ça change un petit peu le gameplay, mais c'est pas le moment le plus excitant quand on fait le jeu, je trouve. Il aurait pas fallu qu'il y en ait beaucoup plus, je pense, pour que ça devienne relou. Ouais, bah, ce temple-là, il est un peu long, mais au moins il est facile à comprendre ce qu'il faut faire, alors que les autres, genre celui de Bevel, tu peux tourner en rond pendant 20 minutes avant de comprendre quelle sphère il faut prendre pour mettre dans tel trou et activer tel bidule qui va permettre d'avancer. Il y a celui de Jaws, le temple de Jaws, où tu dois galérer parce qu'il y a plein de sphères à utiliser et que c'est un peu relou. Après, tu as le temple de Macalania qui n'est pas particulièrement dur en soi, mais... Si tu touches le bouton ou si tu mets pas les sphères dans le bon ordre, faut tout refaire du début, c'est assez laborieux. Après, tu as celui des ascenseurs là, de Bevel, comme tu dis, qui est hyper long et très lent à explorer. Celui-là, il a au moins ce côté où déjà tu es libre un peu de faire tes trucs. Il y a au moins ça, quoi. Ouais. À Kalania, en plus, j'ajouterais que si tu veux récupérer l'objet bonus, tu dois le faire quasiment deux fois en entier, le machin. Et tu dois le faire une première fois pour récupérer l'objet, tout démolir et recommencer pour pouvoir sortir, quoi. Mais ça va. Il n'y en a pas trop. Ils ok. C'est bientôt fini, on en a fait la moitié. $45 à trouver. Ouais, on est désolé que ça robotise encore un petit peu. Pour nous aussi, on a le flux qui nous arrive qui robotise un peu. Enfin, je sais pas si ça te le fait aussi, mais celle-là. J'ai pas mis trop le son du truc, pour de pouvoir entendre ce que tu racontes et pas avoir les sons qui se chevauchent. Mais je l'ai mis assez fort depuis tout à l'heure, enfin je l'ai monté à un moment donné quand il y avait un peu un souci pour écouter ce qu'il disait, c'est vrai que je ne l'ai pas trop baissé. Et je l'ai en fond, mais des fois j'ai en fond et des fois j'ai en fond, ça fait tic 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 tic. Mais ça a l'air d'être bon. Non, c'est pas notre micro, hein, c'est vraiment globalement que ça déconne. Ouais, non, c'est le réseau Discord qui sature un peu par moment.
Ouais, au niveau des boss, ici, pareil, je trouve que depuis Seymour 3, donc qu'on n'a pas vu malheureusement, il y a quand même un petit cran de difficulté supplémentaire sur les boss, moi je trouve. Notamment, par exemple, le gardien du sanctuaire, ouais, c'est pénible parce qu'il met tout après un. Après, le gardien, j'ai trouvé qu'il était quand même. Bon, à côté de Seymour 3, bien sûr, il est plus facile. Enfin, le gardien, c'est celui qu'on a battu avant, là, qui nous empêche de faire les overdrives, on est d'accord? Ça. Ouais, lui il peut être un peu relou. Surtout quand on utilise la technique de j'invoque les chimères et je fais des overdrives et qu'on peut plus le faire, ça c'est un peu relou. Celui qu'on affronte là, c'est pareil, je trouve qu'il n'est pas particulièrement dur en soi, mais il utilise des mécaniques qui font que. Qui sont un peu différentes. On a re la mécanique de se placer à différents endroits qu'on avait quasiment pas vu depuis le début du jeu. Et. Il peut être un peu compliqué au début avant qu'on comprenne ce qu'il faut faire. Par contre, une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire, ça se passe bien, je trouve. Ouais, le principe du boss qui arrive, donc qui s'appelle le gardien des limbes, c'est qu'en fait, on va avoir 6 plateformes autour de lui sur lesquelles on va pouvoir placer nos personnages. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on l'attaque, il fait une contre-attaque où il frappe les 3 cases qui sont... alors je sais plus si c'est les cases qui sont devant lui ou s'il ouais, se tourne devant lui. Il frappe la case du personnage plus les 2 à côté. Je sais plus, mais il faut se déplacer. Enfin, quand on joue, on se déplace pour essayer de séparer les persos. Mais du coup, quand on fait ça, ça nous prend des tours. Et donc, lui, ensuite, il nous redéplace. Et... Alors que, en réalité, on invoque Bahamut. On fait une petite claque au boss. Et le problème est réglé. Tout ça, est-ce qu'on s'est pas un peu compliqué la vie quand on était gosse? Ouais, un petit peu. Bah, d'ailleurs, je vous lis texto les notes que j'ai prises pour ce boss. Gardien des limbes, 2 points, Bahamut. Et quand il dit 2 points, c'est parce qu'il faut le taper 2 fois. Non, c'est parce que Bahamut est le deuxième. Oui, ça fait partie des boss quand même qui résistent à la première attaque de Bahamut. Hein. Bah, on est à la fin du jeu, hein. Faut 2 coups. Je vous cacherai pas qu'à partir d'un moment, j'ai arrêté de prendre des notes pour dire à chaque combat, Bahamut, attaque. Bahamut, attaque. Bahamut, 2 attaques. Je devrais réussir à m'en souvenir, c'est bon, je suis confiant. Ouais. Parce que globalement, ça va être un peu ça jusqu'à la fin maintenant. Hein. Donc là maintenant le sphérié, vous voyez que Yuna elle court un peu dans tous les sens avec les sphères retour, sphères téléportation, etc. En fait il y a plusieurs types de sphères qui permettent de se déplacer rapidement sur le sphérié. Alors il y en a certaines c'est pour se déplacer à l'endroit où se trouve un autre personnage, il y en a d'autres c'est pour revenir sur une case qu'on a déjà activée, d'autres c'est pour aller sur une case activée par un autre perso. Bon, bref, on détaille pas toutes les manips qui sont faites mais en gros voilà, on s'arrange pour pouvoir téléporter Yuna à droite à gauche sur le sphérié et activer les cases où il y a les plus gros bonus de force. Et on arrive... Il y a la cinématique avec Waka qui dit « Even in death, yo ». Et après, on se bat contre une Aleska qui a un... C'est chaud un peu à Zanarkand. Et Shadow qui demande « C'est quoi ce Bahamut à 34 000 dégâts ?» On le redit, mais à chaque fois que Yuna elle prend un point de force, Bahamut, il en prend 4. Et Yuna, elle a pris beaucoup de points de force. Oui. Yuna Aleska, qui a un combat pas évident du tout en casu, ouais, parce que c'est la phase. Et la troisième phase, souvent on meurt parce que, en fait, quand elle démarre sa troisième phase, elle fait immédiatement une attaque qui fait mort sur tous les personnages et qui les tue immédiatement, sauf ceux qui ont l'altération zombie. Et ça, la première fois, quand on le sait pas, bah, chaque fois on se fait avoir. Il y a aussi le moment où c'est dans la phase d'avant où elle nous met zombie. Et du coup, on se dit « Ah merde, j'ai plus de vie, je me soigne » et du coup, on se tue. Ça, c'est... Et du coup, on revoit la cinématique. C'est, ouais, c'est un combat qui est compliqué. Même, ça fait partie des combats en le jeu en niveau 1. Même en ayant tout prévu, c'est hyper dur. C'est vraiment les trucs qui sont parmi les pires combats du jeu. Là, l'intérêt quand même d'utiliser Bahamut, bon, en plus du fait qu'il tape comme une brute, hein, c'est que lui, il est immunisé à tout ce qui est attaque mort, attaque zombie, tout ça. Il s'en fiche un petit peu. Donc en fait, ça esquive en gros la mécanique principale de Yuna Aleska. Donc voilà, en 3 petites claques, hein, au final c'est réglé. 3 claques parce qu'il y a 3 phases, donc voilà. Oui, une claque par phase. Une claque par phase.
point histoire vite fait, parce que là, on apprend plein de trucs. Donc déjà, on apprend que en plus de sacrifier un invoqueur pour faire l'ultime chimère, il faut aussi sacrifier un gardien. Et ça, Yuna, ça lui plaît pas. Donc elle était d'accord pour se sacrifier elle, mais quand elle apprend qu'elle doit sacrifier en plus quelqu'un d'autre, là, ça, là elle est pas contente. Du coup, c'est pour ça qu'on se prend la tête avec Yuna Leska et qu'on finit par lui taper dessus. En disant non, bah tant pis pour l'ultime chimère, on trouvera un autre moyen. On apprend ensuite que le gardien qui est sacrifié pour invoquer l'ultime chimère, c'est lui qui devient ensuite le nouveau Sin. Donc là, en gros, tout le monde apprend que Jekt est devenu Sin, puisque c'était un gardien de Braska et qu'il a été sacrifié pour invoquer. Yuna Leska nous confirme que c'est bien lui. Enfin, elle nous le confirme indirectement, mais... Et dernière révélation qui a été quand même suggérée par un moment avant, c'est que en fait, Auron est lui aussi un errant. Il est mort à l'époque, justement, juste après le sacrifice de Braska et Jekt pour tuer Sin, parce qu'il l'avait un petit peu mauvaise. Et du coup, il est retourné voir Yuna Leska pour essayer de la tuer, mais Yuna Leska était plus forte et Auron a été tué à ce moment-là. Auron n'est pas mort directement contre Yuna Leska, il a été blessé. Et après, il a dû réussir quand même à retraverser le Monga Gazé, à tomber sur Kimari et à lui dire « S'il te plaît, va voir Yuna, Bevel, machin ». Et c'est comme ça qu'après Kimari a été voir Yuna, l'a emmené à BZ ou à B... Ouais, je suis désolé. Et ensuite, a permis le début de l'histoire et le fait que Yuna grandisse là-dessus et que, voilà, que Kimari ait fait la promesse de protéger Auron. Ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est là aussi qu'il y a eu une incohérence, encore une fois, qui s'explique par l'aspect jeu. C'est que Auron, quand il meurt, il était jeune. Et là, quand on le retrouve, il est vieux. Donc c'est un fantôme qui a vieilli. Oui, mais ça, on ne sait pas exactement comment ça marche. Le fait de vieillir quand on est mort, on ne sait pas. Excuse-moi, mais Yuna Leska, qui a 1000 balais, elle est quand même vachement bien conservée, hein, à côté. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'avais jamais fait gaffe à ça. Et c'est une remarque qui tient quand même pas mal, je trouve. Donc là, c'est vraiment le truc, c'est pour pas vendre la mèche dès le début du jeu ou qu'on trouve ça bizarre, quoi. Voilà, oui, ouais. Mais après, vu qu'ils ont tous l'air d'... Enfin, ils ont tous des têtes qui correspondent pas. Parce que Auron, il a l'air vieux, mais il a genre 35 ans, quoi. Hein. Ah bah... Il est pas non plus super vieux, quoi. Il est proche de la retraite, hein, parce que globalement, ils sont plutôt autour de 15-19 ans. Hein. Je crois que Riku a 15 ans, Tidus, Yuna doit en avoir genre 17, 18, un truc comme ça. C'est ça. Je crois qu'une des plus âgées, ça doit être Lulu, qui a 22 ou 23 ans. Donc bon, Auron avec 35 balais, c'est un retraité quasiment. Hein. Et encore, je dis 35, je suis en train de regarder les différents âges. Donc ouais, Tidus a 17, et Yuna, je sais pas, mais je crois qu'elle a le même âge. Lulu 22, Kimari on sait pas. C'est quoi ce site nu? Donc pendant ce temps-là, ouais, peu importe. Donc là, on est à nouveau à bord du vaisseau. En gros, ce qu'on a fait, c'est que... Alors, très rapidement, on a appris que Sin a été créé par Yu Yevon, qui était un invoqueur du temps de Zanarkand, il y a 1000 ans, tout ça. Et que si on veut détruire Sin pour de bon, il faut réussir à rentrer à l'intérieur de Sin pour aller détruire Yu Yevon. Du coup, on attaque Sin avec le vaisseau pour espérer faire un trou dedans et pouvoir rentrer. Et ben pour ça, du coup, on va tirer dessus... On va combattre en fait les différentes parties de Sin, on va déjà lui déglinguer ses deux bras, après on va aller sur son dos, etc. Et on va taper dessus et l'achever avec des gros coups de canon laser du vaisseau. Ouais, c'est vraiment, on le découpe pour rentrer dedans, donc on lui pète un bras, on lui arrache un bras, on lui arrache l'autre bras. Et le tout en faisant ce que tu avais commencé un peu à raconter plus tôt, le fait que Sin est calme quand il entend le chant des priants. Et en fait, on utilise un peu le réseau de personnes qu'on a rencontrées au fur et à mesure de l'aventure, notamment il y a Rin, je crois qu'il s'appelle Rin, le gars qui tient les comptoirs Albed, qu'on a rencontré à plusieurs moments, de manière à ce que
on demande à un peu toute la population qui voit Sine au-dessus de Bevel, c'est quand même un moment qui choque un peu tout le monde, pour leur demander à tous de chanter l'hymne du Préant, des Préants, le pour calmer Sine et faciliter le combat contre lui. Donc c'est à ce moment-là que ça prend un peu de sens et que c'est utilisé pour de manière assez intelligente par les personnages. Exactement. Et donc là, comme on arrive à la fin du jeu, bah c'est le moment où on va arrêter complètement le scénar, aller faire toutes les quêtes annexes pendant 200-300 heures, histoire de booster les persos, faire Der Richter, les purgatrices et tout le bazar. Le Blitzball aussi, le Blitzball, c'est là qu'on peut faire le Blitzball. On peut recruter Waka dans le vaisseau d'ailleurs. On vous l'avait pas dit, mais l'estimation c'était juste la partie scénar, mais on va faire, on va récupérer toutes les armes ultimes aussi. Donc là, on est parti pour à peu près une bonne cinquantaine d'heures de Blitzball facilement. Hein. Et oui, c'est la fin du tuto ici. Et c'est à ce moment-là où le jeu s'ouvre. C'est là que le vrai jeu commence maintenant. Bon, bref. Bref de plaisanterie. Donc oui, là, on va... Donc là, c'est le dernier combat contre Sine avant de rentrer à l'intérieur. On a pété ses deux bras, on lui a pété un truc sur le dos, et là, on l'attaque directement dans la tronche. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, avec Bahamut, sur les combats d'avant, on n'a pas vraiment mis de claque. On a utilisé sa capacité spéciale, la raison elle est très simple, c'est qu'on ne pouvait pas mettre de claque à cause de la portée, l'ennemi était trop loin. Donc là pareil, vous voyez, on utilise sa capacité spéciale qui est une attaque à distance pour attaquer Sine avant qu'il soit au contact, parce que sinon en fait on ne peut pas l'attaquer directement au corps à corps, tout simplement. Alors, c'est dommage parce que ça fait quand même beaucoup moins fort, ça tape beaucoup moins fort hein, que ses coups de poing. Ouais bon, ça fait 66 quand même, donc ça va, on s'en contentera. Ça fait pareil. Non mais Bahamut qui en plus du coup d'avoir cette... Ce potentiel d'être méga fort, le petit 10 000, enfin le petit 100 000, je veux dire, pour finir le 99K. Bahamut, oui, qui a des attaques à distance, en plus d'avoir des attaques au corps à corps, c'est vraiment le boss du jeu. Toutes les chimères ont une attaque spéciale qui attaque à distance. Hein. C'est vrai. Bon, c'est le truc que j'utilise jamais, moi, parce que je trouve que c'est un peu nul, mais bon, techniquement, elles en ont toutes. Bon, c'est juste que les autres, au maximum, elles feraient 9999. Et donc là, on est à l'intérieur de Sine, donc là, c'est vraiment la dernière zone du jeu. Hein. Donc les ennemis ici sont un petit peu costauds. Oui, c'est ça qui est vraiment... Il est vraiment chelou, Sine, parce que c'est une créature vivante. À l'intérieur de lui, il y a une sorte de ville avec d'autres. Enfin, c'est un peu bizarre. Et notamment, il y en a un quand même qui, bien entendu, a l'air d'être dans tous les mauvais coups depuis le début. On n'a pas vu en haut du mont Gagazé, mais qui devrait pointer son nez là dans pas longtemps. Parce qu'on a Seymour 4 qui. Je sais pas si c'est parce que c'est après le moment où on a tendance à aller faire des quêtes annexes ou autres, mais qui est quand même plus facile, j'ai trouvé. En tout cas, qui m'a pas donné le même ressenti d'être un boss hardcore que les autres Seymour qu'on affronte. C'est vrai que ici, comme on arrive à la fin du jeu, c'est vrai qu'on a un peu tendance à faire un peu de boosting sur les persos, aller chercher les meilleures armes, meilleures armures, machin, tout ça. Et du coup, bah après, quand on arrive dessus, c'est un peu une rigolade. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Bah, c'est surtout qu'en fait, que là, il a vraiment une mécanique qu'on peut contrôler. Parce que, oui, donc, on voit l'ordre de ses attaques et tout, ouais. C'est beaucoup plus clair. En fait, le principe de ce boss, c'est qu'il a quatre roues derrière lui avec les éléments affichés dessus. Et en fait, on peut frapper les roues pour les tourner. Et le but, c'est d'éviter qu'il y ait les quatre mêmes éléments qui pointent sur lui pour pas qu'il fasse les attaques les plus puissantes. Du coup, une fois qu'on a compris ça, le combat devient quand même beaucoup plus facile. Alors que le Seymour 3, techniquement, on peut pas vraiment... On n'a pas vraiment de maîtrise sur ce qu'il fait, quoi. Ah ouais, faut juste réussir à survivre à le DPS, il n'y a pas grand chose de plus. Bon, évidemment, là, on cogne un petit peu, hein, on a Bahamut. Je vois qu'il y a des personnes dans le chat qui se disaient les éclairs, 200 éclairs à esquiver, c'est easy, mais qui n'arrivent pas à faire les courses de Chocobo. Ça me rassure un petit peu. On a tous nos faiblesses, je pense, dans le jeu. Ah oui, la course de Chocobo qui est hyper gonflante aussi, oh là là. Et la course de Chocobo, ça fait partie des mini-jeux que je trouve très faciles. Et la dernière fois que j'ai fait le jeu, j'ai dû la réussir du troisième coup et j'ai vraiment pas un souvenir d'un truc difficile. Je pourrais dire Chocobo, mais
C'est uniquement facile quand on le réussit. Il ne faut pas l'oublier. Ah ouais. Non, mais il est surtout très aléatoire. Donc, en fait, tu peux le réussir du deuxième coup. Et des fois, tu y passes 2 heures dessus parce qu'à chaque fois, tu as une mouette à la con qui se pointe que tu ne pouvais pas éviter. Enfin, bref. Mais oui, il y a certains mini-jeux dans FF10 qui sont un tout petit peu crispants par moment. Ouais, et puis c'est des mini-jeux qu'il faut quand même bien réussir pour obtenir les meilleurs trucs. Genre, les éclairs à esquiver, c'est la meilleure récompense, l'arme ultime de Lulu. C'est pas un truc où tu peux en esquiver jusqu'à 200 pour avoir des trucs, mais si t'en esquives 20, t'as le bon truc. C'est vraiment, faut les réussir quasiment au bout pour les avoir. Il y a la course aussi, hein, dans la forêt de Kilika, là où faut esquiver les papillons. C'est un peu relou quand même. C'est Macalania, mais oui. Oui, pardon. Alors, vite fait, donc là, ce qui se passe, donc on est dans Sine, là, il y a un autre petit mini-jeu. Vous voyez, il faut qu'on récupère les cristaux jaunes, là. Il y en a 10 à récupérer pour pouvoir... Lia s'est planté. Donc là, en gros, voilà, vous voyez ce qui se passe. Normalement, il faut éviter les pics de glace. Et si on en touche un, eh ben, on se tape un combat. Bon, heureusement, on peut le fuir. Ça aurait été tellement plus le moment où mettre des combats... qu'on peut pas fuir, mais ça va, les développeurs ont été assez cool. Et les pics, ils peuvent pas nous spawn directement dessus, mais vu l'angle de la caméra, quand ils apparaissent dans le bas de l'écran, on n'a pas forcément trop le temps de réagir pour les esquiver. En plus, je crois pas qu'on puisse tourner la caméra. Ouais, je crois pas non plus. D'ailleurs, je dis ça, mais là, il lui a un peu spawné dessus. Il y a eu des runs de Final Fantasy qui sont finis après 6h30 de run sur un Marlboro ou un Morbol, là, les espèces de gros trucs tentaculaires qui entament le combat avec une pluie d'altération d'état. Et il y a eu des runs qui sont morts dans cette salle avant le boss de fin. Il n'a pas sauvegardé depuis 2 heures. Ça peut être vraiment dramatique, ce moment. Xylomid, en fait, c'est la version gentille qu'on trouve plutôt dans le jeu. Et là, on a la version méchante, c'est le Morbol. C'est le même. Morbol, ouais, je confonds à chaque fois parce qu'il y a les mêmes types d'ennemis qui ont différents noms, donc ouais, je te fais confiance. Si tu me dis que c'est Morbol le nom de celui-là, c'est sans doute le cas. Et puis bon, on va arriver au dernier boss quand même, mine de rien. Alors avant, on va avoir une petite phase de sphérier. On va apprendre notamment la compétence dilapidée avec Yuna. Donc dilapidée, c'est le truc où tu jettes de l'argent à la tronche de l'ennemi pour lui faire mal. Et je suis désolé d'avoir dit Marlboro, mais c'est le nom, ça doit être le nom anglais, donc je confonds, mais... C'est pas du tout. Je suis sûr qu'il y a un ennemi qui s'appelle Marlboro, mais c'est peut-être... Enfin, j'ai l'impression de ce que je regarde sur Internet que ça a l'air d'être la version anglaise. C'est possible, allez, c'est possible. Donc là, on va apprendre la compétence dilapidée avec Yuna. Donc le principe, c'est qu'on balance des giles à l'ennemi, ça lui fait des dégâts à raison de 1 point de dégâts pour 10 giles. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on apprend ça avec Yuna alors qu'elle a Bahamut. Eh ben, vous allez voir que ça va servir. Il y a l'explication a été donnée il y a une heure à peu près. Voilà, au moins. Donc là, on retrouve Eject. Jack qui nous dit va falloir faut que vous me tuiez, mais quand même je vais pas me laisser faire parce que il a quand même il est un peu tiraillé par tout ce qui se passe entre ce qu'il a envie de faire lui et ce que son instinct d'être devenu l'ultime chimère manipulé par Yu-Yeven lui fait faire. Et c'est lui qui est censé être dans Kingdom Hearts en forme d'ombre. C'est son squelette un peu qui est réutilisé. Bon, évidemment, là, le combat va pas poser trop de problèmes. Hein. Un combat qui est assez vénère aussi. Hein. Ça fait partie des combats qui sont plutôt, je pense, dans le top 5 des combats durs. Alors là, je peux pas vraiment dire parce que je crois que je l'ai jamais fait normalement. À chaque fois que je l'ai fait, c'était avec des persos boostés. Donc en gros, je suis arrivé, j'ai fait pif paf et puis voilà quoi. Ça. Je te crois sur parole. En tout cas, j'en garde un souvenir. Oui, le boss assez dur et en niveau 1, c'est un des pires. En même temps, c'est le boss final, donc c'est pas illogique non plus. Ça se tient aussi, en effet. Il y a peut-être un lien de cause à effet.
Oui, oui, non, mais c'est d'ailleurs assez logique que ce soit à ces endroits-là que les boss soient les plus durs. D'ailleurs, ça doit pas être facile à bien, enfin, d'équilibrer de manière à ce que ce soit dur et que ça reste dur si t'as fait quand même un peu de quête annexe. Et c'est sûr que si t'as tout fait, bon. Il y a un écart tellement gigantesque entre le boss Eject et le boss le plus dur du jeu qui est Der Richter. Oui, et un écart tellement énorme entre les stats que tu peux avoir quand tu arrives là normalement, on va dire, et les stats que tu peux avoir quand tu max tes persos. Oui, il y a pas grand chose. Enfin, là, on le voit hein, de toute façon, Bahamut qui l'a complètement. C'était complètement explosé, Jet. Et on a tué le boss de fin, mais c'est pas encore complètement fini parce que je rappelle que le but c'est de tuer Yu Yevhen, hein, pas de tuer Jet. Et donc là, on va tuer Yu Yevhen. Et comment on va faire ça? Et ben en fait, on a appris que Yu Yevhen, pour survivre, il a besoin de posséder le corps d'une chimère. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que Yuna, elle va invoquer ses chimères une par une, qui vont se faire posséder par Yu Yevhen. Et on va tuer les chimères à chaque fois, pour que Yu Yevhen ne puisse plus se réincarner au final. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de la compétence dilapidée. C'est parce que là, on va pas pouvoir invoquer les chimères pour tuer les chimères. Donc, à la place, on va leur balancer du pognon. Alors, est-ce qu'on va tout le temps leur balancer du pognon? Je crois qu'on va leur en justement, donc... Là, je pense que Yuna va pouvoir leur mettre des petites claques aussi. Hein. Tu donnes exactement la quantité, là, il 1771 dégâts, parce que le boss a 1771 points de vie. Au début, il balançait du pognon. Dans les premières versions du TAS, ça balançait du pognon et puis ils s'en foutaient un peu. Et il y a quelqu'un qui a dû venir sur leur chat et dire « Ce serait quand même plus cool si vous donniez pile le montant qu'il faut. » Et ils se sont dit « C'est vrai. » Et du coup, ils donnent exactement le montant nécessaire pour tuer des chimères. Au passage, à ce stade du jeu, on ne peut plus perdre. Parce que là, en fait, vous voyez, tous les personnages ont une petite auréole au-dessus. C'est le sort auto-auréole, et en fait, là, si on a un personnage qui meurt malgré tout, il va être ressuscité immédiatement. Donc là, en fait, le combat, c'est vraiment un combat scénaristique. Techniquement, on ne peut pas perdre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque pas forcément au début, parce que les combats contre les chimères, même si ça peut faire peur, en fait, elles sont pas très dures de base. Enfin, là, on voit, elles ont pas énormément de points de vie, hein. C'est loin d'être... On a battu Jet juste avant. Je pense qu'ils n'avaient pas envie qu'on meure et qu'on ait à refaire le combat contre Jet. Mais clairement, c'est loin d'être très dur, même sans l'altération auto-auréole qu'on a. Et au passage, je viens de vérifier, l'objectif pour le petit bonus a été atteint, puisque là, on est à 3016$. Donc on va avoir le petit complément juste après. Et d'ailleurs, on peut pas mourir tout de suite, mais on peut mourir contre Yu Yevhen après, par contre, si je dis pas de bêtises. Yu Yevhen, c'est pareil, on a auto-auréole. On a auto-auréole aussi? Ouais. J'avoue que j'ai connu l'arnaque pour le tuer en un coup avant d'arriver contre lui. Et je devais chercher des trucs un peu pour voir ce que j'avais raté, je suis tombé, je me suis un peu spoilé. Et... Du coup, j'ai pas trop connaissance du combat en détail. Non, en gros, de toute façon, il est pas très compliqué. Globalement, il y a Yu Yevhen plus deux machins à côté qui le soignent un peu, etc. Mais en fait, concrètement, le combat est pas très compliqué et on a auto-réol aussi de toute façon. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment juste pour le scénar ici, les combats. N'hésitez pas si vous voulez vous aussi lutter contre les maladies. N'hésitez pas à donner de l'argent pour le marathon à la Nami. Ça marche pareil. Hein. N'hésitez pas à faire des dons de la même manière que Yuna actuellement là, est en train d'en faire. Évitez juste de lancer le pognon sur votre écran. Hein. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Okay. C'est la même idée. C'est ça. Donc Shiva, hein, qu'on voit pour la seule et unique fois de la run, tout ça pour la tuer, c'est quand même dommage. Et puis on arrive à Yu Yevhen. Non, il reste Bahamut. Non, il reste quand même Bahamut. Je sais pas si Bahamut, là, s'il nous met un coup de poing, si ça nous fait 99 000 ou pas. De toute façon, on n'aura pas l'occasion de le voir. Non, normalement il a des stats normales en principe.
So it, you know, optimize inputs and all that stuff. De toute façon, change pas grand-chose puisqu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Et donc, on n'aura pas l'occasion de découvrir à quel point il est fort. Alors, Biff, déjà, c'est pas un TAS, c'est un AITAS, et c'est pas la première qui est au-dessus de l'estimation. Il y a eu je ne sais plus quoi avant, où en plus, ils ont même remonté l'estimation à un moment donné. Je ne sais plus c'était quel jeu. Peut-être Shining Force, ce que je dis dans le chat, mais je voudrais pas médire sur un jeu j'ai pas vu. Je crois que l'estimation, elle était genre à 4h, et puis ils l'ont repassé à 4h15 à un moment, et ils ont quand même dépassé après. Donc voilà, c'est Yui, c'est le petit machin avec des espèces de tentacules chelous qui traînent au milieu, là. Alors vous l'avez vu, il peut se faible à zombie, ce con. Attaque zombie avec Tidus, une queue de phénix, et puis voilà. C'est un mort-vivant qui est sensible à l'altération zombie. C'est ça, le mec il a quand même créé tout ça, il a créé Sin, des embrouilles pas possibles, tout ça pour être faible à zombies. Et c'est fini, 10 minutes d'overestimate. On le disait, hein, c'est dommage parce qu'il y a eu quand même, le TAS a eu des difficultés, hein, l'intelligence artificielle qui a un peu buggé à 3 moments, je dirais, si ma mémoire est bonne. 4-5. Ouais, et voilà, c'est beaucoup de travail, hein, de la part des développeurs, hein, Coder Wilson, et il n'est pas tout seul à avoir développé ça. Et un petit peu déçu que ça soit pas mieux passé pour eux après tout le travail qu'ils ont mis là-dessus, mais ça restait vachement cool, au moins pour le concept un petit peu. Je trouve ça vachement sympa d'avoir développé une IA qui joue à un jeu. I think you're all set. Beautiful. Ça reste impressionnant, puis en plus, comme ça a permis de voir un peu, on va dire, l'envers du décor, quoi, de la programmation. Alors là, on va partir sur le petit bonus, du coup, c'est pas tout à fait fini. Donc, quel va être le principe? C'est très simple. Là, en gros, on va charger certaines portions du jeu, spécifiquement, et ils vont vous montrer comment, lorsqu'on n'utilise pas le cutscene remover, comment est-ce qu'on peut passer certains dialogues du jeu pour gagner du temps. Donc en faisant certaines manipulations précises. Donc normalement, il y en a 4 qui vont vous montrer. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas le détail de comment tous ces glitches, ces petits skips fonctionnent. Mais vous allez voir, c'est assez visuel. Ça se base sur le principe de se faire pousser par des PNJ quand on entre dans des dialogues, que le perso soit pas au bon endroit quand le dialogue commence, le jeu a du mal à nous bloquer, il nous laisse nous déplacer pendant les dialogues et ça permet de skipper différents triggers et donc de sortir, notamment éviter pas mal de cinématiques à Guado Salam et d'autres trucs à droite à gauche. Bon, en gros, ce que j'ai compris du principe, en gros, on va cumuler 2 choses. La première, c'est de réussir à se déplacer à un moment où on devrait pas, donc soit en se faisant pousser par un PNJ, soit en réussissant, je ne sais pas exactement comment, à garder le contrôle du personnage. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en fait qu'on va essayer de cumuler 2 dialogues, parce que, en gros, si on a déjà un dialogue en cours, on ne peut pas en déclencher un autre. Donc en gros, on déclenche un dialogue court, et on en profite pour franchir le déclencheur d'un autre dialogue plus long. Mais comme on a déjà un dialogue qui est en train de se faire, bah, le dialogue long, il ne peut pas se déclencher vraiment, et du coup, on passe à travers et on peut continuer. En gros, ça va être un peu ça, le principe. Donc là, le premier, on va le chercher sur la route de Mien. Ouais, donc il y a un petit peu de marche, on a vu, parce que la sauvegarde, en gros, qui permet de le faire, est assez loin. Pas d'inquiétude, c'est normal. Le dialogue qu'on va zapper, c'est normalement un dialogue qu'on a avec des soldats des bannisseurs qu'on croise au bout de la route. Normalement, ils arrivent, il y en a une qui est avec son chocobo, etc. Et elles arrivent et puis elles nous disent, on discute un peu avec, je ne sais plus trop ce qu'ils disent, c'est pas très très important. Mais voilà, en gros, c'est ce dialogue-là qu'on va essayer d'éviter. Oui, c'est le groupe où ils sont 3, il y en a 2 avec des, il y a 2 filles avec leur chocobo, il y en a une en armure grise, une qui est en rouge, et puis il y a je sais plus comment ils s'appellent, ils ont leur écuyer avec eux qui les suit à pied tout le temps, qui deviendra dans la suite, dans FFX2,
un éleveur de chocobos aussi, parce qu'il se rend compte qu'en fait, lui, ce qu'il aime surtout dans son travail, c'est être au contact des chocobos. Et on voit les arnaques qui commencent un petit peu à se préparer. Là. Donc là, le but, il va causer à ce PNJ-là. Voilà. Et ensuite, tout de suite, hop, là, il déclenche le... En causant au PNJ, il arrive à bouger. Tidus, là, vous voyez, il se déplace avec Tidus, il devrait pas. Et là, il est en train de se barrer, dans le fond, et il va quitter la zone pendant le dialogue. Le fait qu'on le voit courir au fond. Et là encore, il court, hein, parce qu'après, je crois qu'il bug un peu plus hein, dans un des prochains qu'on va voir. Ah là, à la fin même, il courait plus, hein, il glissait au sol, hein, si vous avez bien vu. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est juste après, donc c'est à la route des Mikorok. Donc c'est juste avant l'opération Mien. En fait, normalement, il y a Clasco qui vient de nous causer, justement. Et là, ça va être un peu le même principe. On va se faire pousser par un PNJ pour... Donc là, c'est le dialogue avec Seymour, où justement, il dit « Oui, moi, je viens soutenir quand même les Albed et tout, parce qu'ils poursuivent le même objectif que nous, tout ça, tout ça. » Le malin où Waka est un peu en train de te dire mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi il y a un maître de Yevon qui est d'accord avec les Albed, c'est contraire aux règles, mais qu'est-ce qui se passe. C'est le moment où Waka commence un peu à se remettre en question, à se dire bah merde alors. C'est là aussi qu'on commence à trouver que Seymour quand même il est un petit peu bizarre. Hein. Ouais mais il est encore un peu à la cool. On sent d'ailleurs hein, qu'il a quelque chose, hein, la manière dont il parle à Ouron, il comprend un peu ce qui se passe. Par contre, moi, je veux bien savoir c'est quoi sa marque de gel pour les cheveux, parce qu'il est quand même super balèze. Même avec du gel, hein, je pense qu'il y a des trucs en carton, forcément. C'est pas possible de faire tenir des cheveux comme ça. Je vois pas, je pense. Je pense qu'on nous ment. Ou peut-être que les cheveux de Guado sont hyper raides. Excluding Final Fantasy 15, that does not count as good. Ooh, hot takes. Oh, boy. Hot takes. On dirait des pieds de chaise avec les barreaux au milieu, quoi, fixés sur sa tête. Final Fantasy 15 base game. The storyline there just did not work. That's where I'm coming. Donc voilà, ouais, j'espère qu'ils feront jamais un film live action basé sur Final Fantasy, parce que ils essaient d'adapter la coupe de Seymour en live, ça risque de donner des trucs fantastiques. Ça pourrait être super drôle. Donc là, il va aller se caler hop, derrière ce personnage-là. Là, il attend un peu, il lui cause, et puis là, vous allez voir que le personnage, il va partir et il va pousser Tidus en même temps. D'ailleurs, il parle pas au perso qui est juste à côté de lui, mais il parle à celui qui est en bas de l'écran, si je dis pas de bêtises. C'est un peu... Donc là, hop. Voilà, le perso, il a poussé Tidus, et en le poussant, il lui a fait franchir le déclencheur qui permet, qui déclenche le dialogue avec Clasco. Sauf que, comme c'est pas vraiment lui qui l'a déclenché, il garde le contrôle, et du coup, pareil, il va pouvoir se barrer pendant le dialogue. Il y a même, du coup, un combat qui a lieu pendant ce petit dialogue, et la cinématique reprend, mais à ce moment-là, Tidus est toujours en train de se balader, on peut le voir sur la mini-carte, et... C'est fini. Alors, le jeu principal, oui, mais là, c'est toujours le programme qui joue. Hein. Oui, là, c'est le TAS qui le fait, hein, les actions. Voilà, le bonus, il est fait aussi avec le TAS. Si vous regardez, vous avez toujours le log hein, qui se met à jour en bas à gauche de l'écran. Et là, on va voir le gros skip de Guado Salam, sans doute celui qui se joue de temps. Ouais, parce que là, vraiment, il y a pas mal de dialogues. En fait, c'est au moment de partir de Guado Salam, on doit revenir en arrière pour retourner causer des persos et tout. Et là, vraiment, on va cumuler deux dialogues. En fait, on va déclencher un dialogue avec Kimari, tout en se faisant pousser par des PNJ, encore une fois, pour franchir le déclencheur sans le franchir vraiment. Comme ça, on garde le contrôle de Tidus, et du coup, on va pouvoir quitter Guado Salam sans déclencher le gros dialogue de sortie. Parce que on aura déjà le dialogue de Kimari actif et les deux ne peuvent pas se superposer. Je crois que c'était effectivement Viveldop, le gel qui raye les murs. Ouais, Viveldop, fixation béton, je crois aussi. Fixation béton. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. J'en mettais quand j'étais au collège. C'est possible que j'en ai mis aussi dans les cheveux à un moment donné dans ma vie. Je crois pas avoir déjà rayé des murs par contre. Donc quoi la pub hein.
Yeah, it's also not something that's relevant for. La publicité mensongère, ça mériterait une petite classe action, ça, pour nous faire rembourser tous ces pots de gel. Donc la petite dialogue. Ça permet, parce que là, on n'est pas en train de skipper, mais ça permet de se rendre compte un peu quand même du temps que le fait d'enlever les cutscenes nous a fait gagner. C'est plus de la moitié de la run qu'on a en dialogue. Bah là, je crois que juste cette petite démonstration, on y passe autant de temps que toute la partie Wado Salam tout à l'heure. Ouais, sans doute. Là, c'est le mec qui passe. Hein, ils vont nous pousser. Ça nous permet de rentrer dans la porte pendant qu'on a le dialogue et voilà. Et on se casse. Je croyais qu'il y a vraiment des mecs qui ont essayé de rayer les murs. Très certainement. Je pense qu'il y en a qui ont essayé. Et donc ça, c'est des petits skips. Il y en a un autre, théoriquement. Il y en a encore un ou pas? Il y a celui de Joz, du temple de Joz, qui est potentiellement, qui pourrait exister, qui aurait été réussi par une personne, une fois, mais qui n'a jamais été trop répliqué. Et puis, il va y avoir celui-là aussi. Alors, encore la même chose, hein, on va bouger pendant le dialogue pour rentrer dans le temple. Là, il y a Shelinda qui vient nous causer, machin, tout ça. Mais normalement... il est où Tinus? Normalement, il est... Voilà, Tinus, il s'est barré, il est derrière. Voilà, il monte les escaliers, il pousse le curé, et puis il rentre. Et même la caméra, c'est plus ce qui se passe, n'importe où. Alors d'ailleurs, je crois qu'ils expliquaient ce qui est un peu difficile pendant les skips. C'est qu'en gros, le contrôle de Tidus, donc les directions qu'on effectue, elles dépendent de l'orientation de la caméra. Sauf qu'à ce moment-là, la caméra, elle a des angles chelous qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, il faut adapter le déplacement, justement, à l'angle de la caméra pour bien aller là où on veut. Et je pense que c'est un coup de main à prendre, quoi. Et voilà, on a fini avec ce Final Fantasy X Aitas. J'espère que ça vous a plu, malgré les petits bugs qu'il y a eu par-ci, par-là. Il y a un dernier petit truc. Ouais, encore un? Parce qu'ils en avaient montré que 4 hein, dans leur truc de démo. Ouais, c'est pour ça que je suis en train d'écouter. Donc là, ils ont mis un truc pour skipper là, une longue cutscene. Alors là, du coup, moi, je découvre, hein, parce que celle-là, ça, c'était pas dans leur dans la run de soumission pour le RPG LB. C'est quelque chose qu'ils ont eu, de ce que je comprends, pendant qu'ils faisaient des tests sur la run. C'est quelque chose qu'ils ont rencontré et ils se sont dit, ok, ça, on le garde. Et donc, ils vont se battre contre Chocobo Eater. Le Chocobogre, en français. Oui, le Chocobogre, en effet. Mais là, ça a l'air coincé, par contre. Non. Ah. Ah, il y a le Chocobogre, il est au fond. Le Chocobo est au fond. Ok, alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est marrant. Ah, d'accord. C'est en gros, en influence sur la mémoire, ils peuvent lui changer sa position. Et puis il revient se placer. Et c'est beau qu'il revienne se placer. Excusez-moi, je reviens. Hop, allez, on reprend. C'est bon, je suis là. C'est parti. Ok, non, bah ils ont bien fait de rajouter. C'est marrant. Ouais, ça. C'est quelque chose qui leur est arrivé au pif en testant les runs et ils se sont dit, bon, allez, ça vaut le coup de le garder. Et ouais, puis en plus, c'est le truc que tu vois pas dans un speedrun parce que concrètement, ça sert strictement à rien, quoi. Non, ça n'existe pas en speedrun normal. Et bah voilà, c'était tout pour nous. En tout cas, c'est tout pour Final Fantasy X.